Et bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous êtes en grande forme. Soyez les bienvenus sur Winamax TV, première émission de la journée, de la soirée. Mais non, des moindres. Un petit top of the poc en compagnie d'un team pro, un ancien top shark, mais on a oublié tellement c'était il y a longtemps. Euh, il est désormais euh, team pro à part entière. Guillaume Diaz, comment tu vas, mon volatard Ça va, ça va, en pleine forme, en pleine forme. Avec et comment les... va Noah Bien sûr, chaleur oui, être... euh, Noah va très très bien. Écoute, il est, mais ouais. il est au top aussi. T'as l'air en forme, pas trop de cernes, je suis presque déçu. Euh... <laughs> c'est que la caméra n'est pas, pas assez bonne pour que tu voyes les cernes. Au contraire, ou alors elle te flatte, et, et c'est tant mieux, parce qu'il va falloir être en forme ce soir, Guillaume, pour la deuxième soirée du festival qui anime cette troisième semaine du mois de juillet. Jusqu'à dimanche, vous allez pouvoir enquiller les summer shots ce soir, on va en boire quelques-uns en compagnie de Volatile 38. On voit l'event 10 et l'event 9 en haut des tables, en haut de l'écran, pardon. Euh, Qu'est-ce que c'est C'est du RADS à 20 euros. Magnifique, j'adore le RADS. Oh, je vais me régaler. Alors ça, j'adore. Euh, un petit 5 euros, euh, 5 euros quoi KO, classique Rien de spécial à dire dessus Ouais, 4 max, classique. Ah, 4 max. Il y aura de l'action. Et ils viennent de se lancer... <coughs> je m'étouffe. Euh, tout d'abord, du... Omaha 5, ça c'est pas mal. On aime bien aussi dans les variantes. Euh, ce sera en bas à gauche. Et enfin à bas à droite en très bonne compagnie avec Léo Marguet, à un autre gauche direct. C'est euh, tout simplement du, euh, du monster stack. Euh, tout simplement un petit, un petit tournoi de hold'em classique. C'est quoi le buy-in parce que je le vois pas, il s'affiche pas. 50 euros. Le beau 50, c'est le, le high roller du soir, puisque sur les Summer Shots, c'est le plus gros buy-in possible, 50 euros. Euh, c'est tout à fait l'event numéro 12. On a quatre tables pour commencer. On en aura une cinquième qui va venir s'ajouter dans euh, une petite vingtaine de minutes. C'est le tournoi privé Top of the Puck. Comme tous les dimanches, tous les lundis, euh, lorsqu'il y a l'émission, il y a le tournoi qui va avec. Venez vous inscrire pour rejoindre Guillaume, qui ne manquera pas, bien sûr, de euh, remplir les rangs. Dès qu'il aura l'occasion, euh, le mot de passe, est Max TV en minuscule. Ça coûte 2 euros pour ceux qui ont euh, 2 euros sur la roll disponible. Des tickets rajoutés, un ticket sur la tête de Guillaume pour tous ceux qui parviennent à l'éliminer. 10 euros directement dans la poche. Et également pour le Bubble Boy et puis des, des Lucky Losers qui seront tirés au sort parmi tous ceux qui ont été éliminés. Alors Hier, avec Kevin Zinzin, on a fait le lancement du festival. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. On a fait un body run, un 26e sur 2500 euh, sur un event à 20 euros. On va tâcher de faire mieux ce soir en ta compagnie avec... Notamment, du coup, un petit euh, event de Raz. Alors, le Raz, c'est du limite. On est sur euh, du euh, 500 000. Donc, le Big Bet est à 1000. Le, le Bring In est à 200. Il y a un ante de 100. On va essayer d'expliquer les règles au maximum pour tout le monde. Euh, au RADS, l'AS vaut 1. Le but est de faire la plus mauvaise combinaison possible de 5 cartes parmi les 7 cartes euh, que nous aurons à nos dispositions si nous allons jusqu'au bout du tour. Euh, LAS vaut 1, les quintes ne valent rien. Donc la plus mauvaise main, donc la meilleure main possible, c'est AS2, 3, 4, 5. Pas de couleur possible, pas de quinte possible. Il faut juste avoir tout simplement... Euh, les plus petites cartes possibles et pas de paires, les paires en revanche valent paires du coup ça ne fonctionne pas donc on va se battre et essayer de faire des, des combinaisons 5 eye tout simplement c'est un petit peu différent du deuce to seven pour ceux qui connaissent puisqu'en deuce to seven pour le coup euh, l'as vaut as et euh, les quintes et les couleurs jouent si je dis pas de conneries euh, mais pour le reste ça reste un, un jeu de stud on va dire inversé euh, c'est du stud low, tout simplement. C'est du nul d'ailleurs, comme on l'appelle aussi en France. Et on va tâcher de s'en sortir le mieux possible. Sur le PLO 5, c'est plus simple. On est dans les règles classiques de Hold'em. Le but, c'est de faire la meilleure combinaison de 5 cartes euh, parmi euh, toutes les cartes dont nous disposerons, sachant qu'on est obligé d'utiliser deux cartes parmi nos 5 cartes, comme en PLO 4, mais là, c'est 5. Et, euh, et trois cartes du board. Il y aura un board commun à tout le monde. Et euh, c'est des combinaisons hautes, high. Euh, donc voilà la, la meilleure combinaison possible étant la quinte flush royale, etc. Comme d'habitude, vous connaissez. Et quant au tournoi de Woldem, on ne va pas vous en parler. Vous connaissez déjà les règles. Coucou à ceux qui nous rejoignent déjà sur Twitch. Coucou, ou Fred et Jada Minato. J'espère que vous allez bien. Je vais lancer bien sûr le chat de Winamax.tv pour euh, saluer ceux qui sont déjà présents, euh, comme Gros Fiac, énorme Fiac. Comment tu vas Coucou Kizama. Coucou Elias. Coucou Dan. Coucou Jeremia, Coucou Emily. Shoryuken, Attrick est là aussi. Âme son Cible, très bon, call me baby, euh, Picaboo, PQP, Aurel, euh, Luménor. il y a déjà des règles, des règles présentes, des bisous à tous, et enfin je vais ouvrir le chat de YouTube, comme ça on aura tout le monde, et je vois une petite main de stud là, en, en, de rats pardon, As6-7, c'est un bon début, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est un bon début, le meilleur début possible, vous l'aurez deviné du coup, c'est d'avoir As2-3, et je vois un 4-5-6-5-8 euh, sur le PLO5, Magnifique Migoyaf celui-là, c'est pas une super main de départ. Ouais, avoir la doublette du 5, c'est pas ouf. Si on avait eu un 9 à la place du 5 ou un 7, ça aurait été cool. Alors sur le RADS, on se retrouve en heads up euh, dès la, le deuxième tour. Euh, et notre adversaire qui chope un 2, excellente carte pour lui. Euh, on chope un 6 à la cinquième, il chope un Roi. Ça, c'est une bonne nouvelle, c'est maintenant nous qui avons le meilleur jeu affiché. Et on a le bénéfice du coup de la, de la parole, hein. c'est ça, c'est nous qui, qui récupérons la parole en premier. Ouais, en gros à chaque street la parole change selon la carte la plus basse. Donc euh, le tour d'avant c'est moi qui ai eu la carte la plus basse, donc c'est moi qui parle en premier. Là c'est lui qui a eu la carte la plus basse, il a eu un as et moi j'ai eu un 8 donc c'est lui qui reparle en premier sur la street d'après. Mmh. D'accord. Euh, et donc là il y a six cartes et il reste plus qu'une street et, euh, et, voilà. et on va folder parce qu'on a deux paires. <laughs> on n'est pas frais, on n'est pas frais avec deux paires effectivement. C'est un jeu en limite, donc c'est très intéressant. Hein. Les mises sont capées, on ne peut relancer que de la mise et on ne peut euh, que relancer quatre fois euh, sur les enchères. Sachant que donc, 500 000, ça signifie que la petite mise, c'est 500. Je crois que c'est 500 sur les euh, trois premiers tours. Donc euh, le, la distribution. Premiers. Deux premiers tours. Troisième, donc à partir de la cinquième carte, on mise la grosse mise, c'est ça C'est ça. Cinquième, sixième, septième, c'est la grosse mise. C'est troisième, quatrième. Enfin, du coup, premier. Première, euh, première tour d'enchère et deuxième tour d'enchère. On... Ah, ça fait longtemps que je n'avais pas vu du RADS, ça, ça me manquait. J'adorais cette variante, je la trouve euh, passionnante. Bon, évidemment, c'est une variante assez euh, obscure. Il hein, n'y a pas beaucoup, beaucoup euh, d'ambition à devenir un joueur professionnel de RADS que si vous jouez sur le .fr. En revanche, évidemment, il y a des tournois chaque année au WSOP et euh, ça se joue un petit peu sur le .com. C'est euh, le poker à l'ancienne, un petit peu, euh, quand il y avait toutes les variantes qui fonctionnaient. Et c'est un des plaisirs des summer shots que d'aller s'amuser sur ces variantes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Ça peut être une bonne façon de s'y initier. Bon là, on est quand même sur un tournoi à 20 euros. Ça reste assez cher. Mais euh, ça va être très rigolo et certainement on aura beaucoup d'adversaires qui vont faire de grosses bêtises qu'on va tâcher d'exploiter. Coucou Le Rusher et Mayura également dans le chat de YouTube. Coucou Diane Bobo et Okanbe qui nous ont rejoint également dans le chat de Twitch. On va vous poser un premier quiz dès maintenant. Je vous rappelle que pour participer au quiz, c'est dans le chat de Winamax.tv, uniquement dans ce chat pour l'exclamation quiz. Plus loin, la réponse pour participer uniquement dans le chat de Winamax.tv. Vous allez devoir me dire combien de tournois, des summer shots étaient au programme hier j'ai joué sur mon volume, excusez-moi, j'essaie juste de réduire mon retour. J'y arrive pas. Tant pis. Alors, on se retrouve dans un coup euh, compliqué. On a la meilleure main Merci. affichée, mais euh, oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas précisé ça, mais au rat, vous avez quatre cartes euh, affichées que donc, vos adversaires voient et trois cartes qui seront euh, face cachée. Euh, et ça, fait, euh, ça peut énormément jouer dans les stratégies de bluff notamment si vous avez euh, des cartes affichées qui font des paires mais qu'elles font des paires avec des cartes qui ne sont pas affichées vous allez pouvoir faire croire à votre adversaire euh, que vous avez leur meilleure main et euh, le faire se coucher, je vois qu'on récupère une paire d'As pas magnifique sur euh, le PLO5, paire d'As euh, sans suite euh, pas, de, pas de couleur possible à trèfle ou à carreau Valet 10-2 qui est un petit peu euh, déconnecté à côté qu'est-ce qu'on fait avec euh, paire d'As ici euh, en PLO5 et tranquillement, on va déguiser la force de notre main et pouvoir jouer agressivement certains flops, typiquement pas celui-là. Euh, ici, on est toujours devant. Il a Valéaï, on continue de miser. Et ici, on va prendre de la value sur des brelants des deux paires. Ah oui, alors valéa effectivement, tu parlais du, du, du RADS, hein, notre adversaire qui a décidé de compléter son bring-in. Donc le bring-in, c'est la mise. Imposé, c'est la sorte de grosse blinde euh, qui, qui échoue euh, au plus mauvais jeu distribué euh, préflop entre guillemets. Vous m'avez compris quand je dis préflop au premier tour de distribution. Et notre adversaire qui a défendu avec Valleyeye, pas une super ah, stratégie en Razz, ça C'est pas le pas le, le moins bon jeu, mais c'est la moins bonne carte affichée. Donc là, mm. par exemple, le roi. Oui, la moins bonne, la carte, bonne affichée, carte affichée. Attachée. Tu as raison. Oui, oui bien sûr. Et, oui, euh, oui. et donc du coup, c'est bah, du coup, ça peut être marrant parce que vous pouvez vous prendre quatre fois d'affilée ou cinq fois d'affilée le bring-in. Et généralement, quand vous avez le bring -in, vous avez bah, du coup une mauvaise main, vu que c'est vous qui avez la moins bonne carte affichée. Euh, mais ouais, bah typiquement, lui il peut défendre Valley High parce que s'il a deux cartes low à côté, ouais. euh, il a des odds directs qui, qui sont bonnes. Et en plus, il va. En fait, tu vas payer deux fois euh, une petite mise. Donc tu sais que tu vas payer deux fois une petite mise. Et donc, c'est à la cinquième carte quand c'est une grosse mise où là tu vas te mettre à folder beaucoup mais euh, mais avant ça tu peux tu peux défendre des, des mains qui vont avoir de l'eau et une aille quoi. Alors cette fois cette perdasse elle est beaucoup mieux, elle est double soute sur le au 5, on va peut-être euh, tâcher de D'en faire quelque chose de bien. Coucou Chaussure S, bienvenue. Coucou, je te. Mmh, 69, euh, qui a des, des envies un petit peu particulières, mais bienvenue quand même aussi dans le chat de Twitch. Installez-vous confortablement. Coucou Nadi Red Lazy Gecko et Migénois, Shoyun Fat et Jim Raynor, qui sont arrivés tardivement, mais qui sont quand même à l'heure dans le chat de WinnerX.tv. Des bisous à vous. Euh, on va du coup euh, pouvoir discuter un peu de tout ce soir. Coucou Aurélio. Mais n'oubliez pas, vous, de vous inscrire hein. à 21h30. Le mot de passe, c'est Winamax TV en minuscule. Le tournoi Top of the Pock à 2 euros. Vous pouvez le chercher avec la petite loupe en haut à gauche du lobby. Euh, Top of the Pock, vous respectez les espaces. Il va s'afficher très rapidement si vous ne le trouvez pas. Et euh, vous pourrez nous affronter. On va essayer euh, également d'observer euh, la table en bas à droite parce que c'est quand même le 50 euros du, du soir et qu'il y a un, une toute belle Léo Margette. Un autre gauche. Ouh là là, on est bien là. On est bien euh, sur le RADS. On est bien sur le PLO 5 aussi. On est pas mal sur le PLO. Voilà, au de pour qui s'embarrasse pas. Hein, qui va pas défendre face à un 5. Avec son roi, il sait qu'il va subir beaucoup d'agressions. On a toujours les nuts sur le PLO. On a toujours les nuts. On va toujours value contre flush draw. Ok. Hello Wuga, des bisous taga. Ah, la flèche qui rentre là, oui. Avec 6 et 7 également au passage et Damien. 6 et 7 qui rentrent et il n'y a pas trop d'autres mains avec lesquelles il peut bluffer. Donc je pense que je vais folder. As surtout qu'on a busté la première main juste avant que le stream se lance. On a busté la première main sur ce tournoi. Et du coup, on n'a qu'une seule boulette encore. On ne pourra pas réentrer deux fois. Enfin, on ne pourra pas réentrer deux fois. Effectivement, c'est pas un réentry illimité a priori. Non. Euh, event 11. Ouf. Malheureusement. Non, malheureusement, c'est un seul réentry pendant la période d'enregistrement tardif. Tu as bien raison. Allez, vous êtes déjà 63 inscrits sur le tournoi privé, dont Volatar. Rejoignez-nous pour l'affronter. On est là. On est là. Euh, Est-ce que as des vacances dans un longtemps Bah écoute, j'étais en vacances la semaine dernière, j'étais en Bretagne sous la pluie. Et ah oui, c'est en... vrai. Ça ne m'a pas suffi, du coup, j'y retourne en août pour une nouvelle ouais. semaine de pluie. J'ai besoin de m'hydrater apparemment. C'est un besoin naturel. Ouais. Mais non, non, écoute, on est, on est, on est pas mal. Là, il y a l'euro qui s'est terminé, le, le, le poker qui se, qui se calme un peu. L'été, c'est jamais une période très. Ouais. Bah ouais. Très fast, mais euh, voilà, ce petit festival pour, euh, pour combler les attentes quand même des joueurs un peu impatients, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de tournois euh, semi turbo voire turbo. Euh, ça permet d'avoir des, des petits one shot, c'est des tournois qui durent qu'une soirée pour s'occuper les, les doigts pour ceux qui bossent encore peut-être ou même ceux qui sont en vacances hein, et qui avaient envie de, de jouer un peu aux cartes. Euh, ils tombent à, à point nommé et c'est l'occasion pour nous de faire des super émissions parce que c'est des formats très dynamiques sur lesquels euh, on ne s'ennuie pas des émissions qui ne durent pas jusqu'à 2-3 heures du mat, mais en revanche, riche en intensité. On l'a vu hier avec Kevin Zinzin, qui nous a bien régalé, et qui n'est pas passé loin d'un très très beau deep run. Du coup, bien content de ce petit summer shot, euh, il tombe bien. Coucou Bulbi, des bisous à toi. Alors, j'ai pas le lien pour avoir tous les chats, du coup, je vais devoir euh, jongler. Et il est dans la conversation. Euh, du ah, soir. et il marche, il est bien actualisé, on va, on va regarder ça, ouais. Ouais, hein. euh, chez moi, il me. Ah, ah non, peut-être pas en fait. Ouais, parce que souvent, il bug au bout d'un moment. Ah ouais, ah, non. Ça, ça a l'air Non, ça ne s'actualise pas. Ça déroulait pas, ouais j'ai dû l'actualiser manuellement. N'hésitez pas effectivement à nous rejoindre sur le Discord de Winamax. Hein. Le lien est dans la description YouTube et euh, notre bot euh, vous le met également régulièrement dans le chat de Twitch. Coucou Foulek, tes bisous à toi. Alors, un hein, 4 affiché, on a open, on s'est fait défendre simplement par un 2. Ah ouais, on, a, on a chopé deux high cards et nous, c'est le roi pour toi avec une paire évidemment cachée. Comment tu réagis je pense, je pense pas que je dois fall parce que c'est comme je disais tout à l'heure à la quatrième. Quand il fait un min-bet, on a des codes tellement bonnes et les équités vont tellement changer sur la turn. Je pense que je dois payer et par contre, on va fall des turns quand euh, ouais, deux high cards plus card. une paire. Là, il va falloir aller euh, réinventer le poker pour gagner le coup. <laughs> là, là c'est un peu trop. Mais ouais, le, le RAS, c'est un jeu très, très straightforward, entre guillemets, parce qu'on a toujours, enfin, disons que tu peux pas trop bluffer, quoi. Enfin, tu peux, mais c'est ouais, ouais. rare. Coucou Magic, tu peux pas auto-bring in Tu peux pas auto-bring in, c'est-à-dire Il bah, n'y a, ah. a pas ah, une option quelque part à cocher, parce que c'est... Ça sert à rien. Attends, mais attends d'être au prochain bring in, peut-être, qu'il te le propose, je sais pas. Parce que ça me paraît logique, en fait. Le bring in, vous pouvez pas y couper. Hein. C'est comme si à chaque fois en tournoi, avant de payer votre big blind, il vous demandaient de payer la big blind. Vous avez ah pas non, le parce que tu as le choix de raise. Ah, bien vu. Ouais. Oh, il est bon. Mais ouais. Ah, on la lui fait pas. Hein. En vrai, en, en vrai, cette règle ne devrait même pas exister. Tu devrais pas avoir le choix de raise parce que c'est pas le. Enfin, tu vas jamais raise en raise. Genre, c'est impossible. Ah. En HU. Si t'as si as, As de 4 et que l'autre il a un 3, mais même pas, je crois en fait. Enfin, je suis pas sûr, hein. je suis vraiment pas spécialiste de RAZ. Je j'ai pas mais... l'impression ouais, okay. que ce soit optimal, j'ai l'impression que tu dois tout le temps check. Ok. Ah. Coucou, euh, chaussures S, je suis deux fois à la table de Volatar. Et oui, c'est Ritu. Effectivement, il est sur ta Ritu. table de Rads et sur ton PLO 5. Des bisous, Ritu. C'est bon. Joueur de variante et tout. Et ben bah voilà, en spécialiste. Comment allez-vous suite à cette journée de très grande chaleur Nous demande Magic 4. Il fait chaud à Londres très très chaud ouais, ouais on et... s'est pris 29 degrés là à paris bah ouais je crois que c'était pareil ici hein. tu faisais 30 genre... bon j'espère que t'as pas sorti noah ou alors avec une casquette et de la crème solaire quoi bah ouais on devait on devait aller là on l'a enregistré aujourd'hui <laughs> et oui il faut bien le faut bien le valider on a dû le sortir. Ouais. Le Beprod qui te demande si tu viens à Paris en fin de mois Pour aller au Circus à Paris Il y a quoi, il y a un, un petit festival de poker peut-être Non, je c'est pas prévu non. ça Bah ouais, non non J'ai pas, pas prévu, il y, a, il y a quelques tournois Là à Londres, mais je suis même pas sûr d'y aller Je pense que Le, le temps que j'alloue au poker Je veux l'allouer online Et ouais. continuer à jouer online Pour euh, commencer à se préparer pour les séries quoi. Donc, euh, donc ouais non, j'ai pas prévu de jouer en live avant, avant Vegas, en vrai. Effectivement, profite euh, des premiers, premiers jours de Noah. Il n'y a pas d'empressement de... ouais. à jouer en live avant euh, les grands rendez-vous de la fin d'année. Euh, alors, un Roi, du coup, en bringing. Et l'As, hein, je vous rappelle, l'As qui vaut 1, qui est la plus petite carte possible, euh, qui est une, une excellente carte en Rads au final, ouais, alors tu... que le Roi, c'est la pire. Typiquement, c'est le genre de situation où je pense que... Là payer Parce que j'ai ouais. 360 à mettre dans 1500 et je peux avoir des termes positives et les équités peuvent vite changer quoi. Avoir deux cartes très low, euh, là en vrai je pense que c'est un peu suicidaire d'aller bluffer contre lui ouais. et le pot il est pas assez gros, là je pense qu'on peut folder pour le coup à la quatrième, ça va être un, un des rares cas. Il y a la fenêtre qui est ouverte chez toi, ah, non Ah, ouais. Ah, oui, ouais. c'est ça. Ah, je vois que tu, tu habites euh, près oui. d'une grande artère. Ah, t'inquiète, t'inquiète. Ouais. Coucou Goose, 334 34 des bisous. Coucou euh, Red Lazy Gecko. Tous ceux que je n'ai pas salué également, hein. installez-vous. On va, on va discuter variantes et Summer Shot ce soir. On a trouvé Brelon. De 4 sur le PLO5. Relon. On ne peut pas le réentrer, celui-là. Ce serait bien de, de bien s'en sortir. Il fait 32 degrés depuis 3 jours en Bretagne. Je reviens d'une petite baignoire au poil, me dit Atric. Mais un foiré, quand j'y étais, il faisait 15. Je te déteste. Il faisait 15 et il pleuvait. On n'a pas la même vie. Mais la Bretagne. Euh... Pourrie. Deux fois, je crois que ce que je me rappelle quand on me disait que quand j'étais petit, c'est qu'en gros il fait très moche pendant tout l'été, sauf deux semaines où il fait très beau. Et généralement c'est le moment où il fait moche ailleurs. Ouais, ok. Pourquoi pas Ils veulent, ils veulent rien faire comme les autres, quoi. Ouais, voilà, ça. Ils sont un peu tu vois, indépendantistes jusqu'au bout. <laughs> Ouh la belle main là sur le PLO 5. asdam Dame Valet Valet 10, c'est compact. Et en plus, on a un autre flush draw As Valet. On a la paire de Valet qui a une une paire haute qui est pas si mal. Et euh, ouh, on est parti à tapis avec 6 et 7 suité contre Dame-Roi ah. suité payé. Allez, on joue un 6 en 7. Voilà. Maintenant, faut tenir. Voilà. Nickel. Un petit bounty. C'était un petit peu agréable, mais Je que sur le bounty. C'est cool. tout euh, Sur le raz, on ne gagne pas un pot. Hein. Non, on est, on est tombé bien bas. Est-ce que tu l'as déjà re celui-là Non. Non. Ouais, je ne suis pas sûr que tu puisses encore remarque. Non. Euh, si, niveau 7, tu dois pouvoir, j'imagine. Si, ouais. si, c'est du limite. Donc, tu dois pouvoir jusqu'à. jusqu'au jusqu niveau 10. Ouais, jusqu'au jusqu niveau, niveau 10, comme les autres, ouais. Ça va, ça va. Ça va. Euh, pipipip, pendant la période d'enregistrement tardif, jusqu'à 22h02. Donc, euh, tu es large. Tu très, très large. 10 niveaux. Hein? Ah ouais, c'est ça, c'est un 45 minutes, tout à fait. Ouais. Par contre, tu prends le bringing à chaque coup, et ça, c'est pas bien joué. <laughs> ouais, je prends le bringing à chaque coup, j'ai des bains de merde à chaque fois, ça se passe bien. C'est plutôt cool. Hello, The Raven, hello, Mille hello, Piu Piu. Bienvenue, les gars, coucou Olive. Alors, une fausse belle main ou une vraie belle main Ce dame, roi 8, dame 7, 10 avec deux, deux couleurs là. Une fausse belle marge, j'ai l'impression. Ouais, j'ai le sentiment. Il hein. y a des cartes qui sont compactes, mais pas suffisamment. Et c'est pas des notes flush draw. Ouais. des mains qui peuvent coûter cher en PLO, surtout avec 80 blindes. Hein, si à la rigueur, on... on avait la possibilité tout simplement de... de trouver des effets de levier pour partir à tapis flop quand on fait top 2 euh, top ou des mains comme ça. Mais là, euh... Même pas si on doit défendre. Mmh. Ce pas... pas dingo. Bon, allez, on va y battre une barre d'ennemis. Si ton ouais. 7 était un valet, ça pourrait déjà plus se, se, ouais. se justifier. Ouais, ce serait déjà un peu mieux. Clairement. 6-7-8, c'est pas mal ça en raz. C'est pas non ouais, plus incroyable, mais du... c'est OK. Ouais, c'est pas dégueu parce qu'il y avait deux valets derrière. Mmh. Euh, L'équité bon, voilà. ouais, ah, qui est, est redistribuée hein, sur ce 3 euh, qui tombe oh, ouais. chez notre adversaire, qui lui permet de nous mettre la pression immédiatement. En plus, quand il défend ici, il a souvent de l'eau, parfois une seule. Je ne sais pas si je peux payer. Je ne crois pas. Alors, Dame, Dame, Valet, 2. Un 2 qui, qui gâche un peu le, le tableau, mais… Euh... Une main qui reste jouable. Ça se joue, bouton, ça se joue. Et Arrêtez euh... de me dire qu'il fait 30 degrés en Bretagne, vous m'énervez là. <laughs> oh là tapis. Tapis, il a dit. Oh là oui. Oh non. Oh non. Oh, oh non. Oh oui. Je ça. Petite pastille. Père de neuf, que tu as trois bêtes qui a été payé. 16 blindes au milieu contre Juliane. On récupère un seconde paire. Sans backdoor flush draw. Coucou Rougi59. Salut Guillaume, j'ai regardé encore hier ton épisode dans la tête d'un pro au top. Ouais, c'est vrai que c'était cool. On a hâte que ça revienne là. Et, Et ouais, putain, c'est gentil. Merci beaucoup. Ouais, c'est clair, c'est. Hâte de revoir des bons petits épisodes bien stylés. Ah, est-ce que je check pour le laisser bluffer River ou est-ce que je bet pour continuer à prendre de la value sur des ouais, Pas bet, tout continue à prendre de la value sur des Excellente main de départ euh, en rade avec cette As de 9 contre les, les cartes ouvertes de nos adversaires. Ritu euh, qui va peut-être vouloir défendre contre toi, il l'avait défendu avec Valéry tout à l'heure. Contre un 2 il va se faire défoncer. Ok, il a folle. Et ta paire de 9 également, ça a été abandonné par Juliano. Ils ont peur, ils ont peur. Ils ont peur de mes 4000 jetons. Ça c'est pas mal dans les jeux de limite. C'est que même quand t'es short, ouais. c'est pas comme dem où tu vas partir à tapis ou quoi. Tu vois, as toujours un peu le contrôle. Tu, sais, tu peux toujours faire des trucs. Quoi. Bon, euh, on est quand même au, à la big blind, enfin voilà, à la grosse mise à 1600, au big bet oui. à 1600. Donc euh, euh, bon, tu vas bon, vite partir moi, à vais, tapis aussi. On va vite partir à tapis, mais tu vois, <laughs> moi je vais un peu, un peu plus décidé quoi. Et au 8 ici, c'est pas mal du tout ça. Ouais, y a beaucoup de bonnes cartes en face. Exactement, ouais, mais euh, a priori tu vas avoir du mal à trouver un 4 parce qu'il y en a déjà 3 qui sont sortis là. Ça c'est cool, ouais, mais contre un As open UTG, si je pense que je vais payer quand même, je sais pas, ah ouais, j'ai l'impression qu'avec deux cartes de la wheel et un 8 c'est ok je pense de payer. Ouais, la Will c'est As 345 3, 4, 5 hein, justement. Ouais comme ça qu'on ouais. appelle la meilleure main possible, c'est les nuts euh, en rade As-2, 3, 4, 5, quelles que soient les couleurs. Hein. Oh là là, c'est terrible. Et là, ça pue un peu. Bah hein. ouais, parce que t'es 9-9, mais en fait, t'as deux cartes au-dessus du 7, et si lui a, par exemple, 2 et 3, As-2, 3, 7, ben bah, il est ultra favori contre toi, parce que tu dois le, ah ouais, le battre sur deux cartes. En gros, s'il avait, avait tiré un 9, genre, ce serait un peu mieux, parce qu'il aurait 9 ailles, et nous, on aurait ouais. 8 ailles contre son 9 ailles, mais là, on doit tirer deux cartes en dessous. En dessous donc il doit le battre deux fois, ouais, exactement. C'est très compliqué. Alors, 2, 3, 8. Cette fois, il y a un 7 chez Ritu. Est-ce qu'il va open mm Hello, -hmm. Hawaii. Des bisous. Ah, il a fold. Et ça, ça te met favori parce qu'on euh, n'est que contre un 8 ouais, chez Rotitport et il faudrait qu'il ait AS2 ou AS3 pour nous battre. Du coup, tu es très es favori. Es bon, bah, il fold. Il fold. Ouais, j'ai quasi tout le temps à meilleure main. Enfin, ouais, j'ai tout ça. le temps à meilleure main. Statistiquement, t'es favori, en tout cas largement. Maintenant, évidemment, une fois qu'il a folle, c'est encore plus facile à jouer. Et on a trouvé les notes absolues sur l'event 9, dis donc. Est-ce que vous pouvez expliquer le mode RADS euh, Ice Alors, comme je disais, euh, c'est effectivement. Voilà, enfin, euh, J'ai vu quelqu'un plutôt le dire. Vous avez les règles hein, sinon sur winamax.fr dans la section euh, Poker School. Mais le but, c'est de faire la plus mauvaise main possible euh, de 5 cartes. Euh, on aura 7 cartes si on va jusqu'au bout des enchères et de la distribution. Euh, sachant que les quintes, les flushs ne comptent pas. Donc, la plus mauvaise main possible, c'est As 2 3 4 5, puisque l'As vaut 1. Euh, il faut faire les 5 cartes les plus basses possibles. On appelle ça du nullo. Euh, sans considération de flush ou de quinte, euh, ça signifie en revanche que les paires, elles, valent pair et donc sont euh, bah, supérieures à n'importe quelle combinaison de cinq cartes distinctes. Si vous finissez avec euh, une paire de 2, vous serez battu par euh, une hauteur roi, tout simplement. La paire de 2. Normandie supérieure à Bretagne. Wow, oh, arrête de dire des bêtises, ça me quand même. T'es un fou, là. Tu cherches les ennuis, là. 6 euh, affichés, c'est la meilleure carte affichée, mais euh, attention à nos adversaires qui cumulent des, tous les 4, des 8 et des 9, et un 10 pour de Port ah, Est-ce qu'on la joue agressivement celle-ci bah, Je sais pas parce qu'en plus on a on va pouvoir bluffer que sur deux streets, donc je, je sais même pas si je l'aurais... Je pense que j'aurais dû l'open si ça avait jusqu'à moi, mais je ne suis même pas sûr. Ah, une fois que GRA a open en plus, il nous indique très fortement ouais, qu'il a ouais. deux low cards et euh, ça va être dur de bluffer avec un valet en main, effectivement. Enfin, avec notre stack ça, et ouais. un valet en main nous oblige à bluffer, donc c'est pas fou. On se fait trois bêtes par la coéquipière, euh, un sizing euh, pas très élevé. Qu'est-ce qu'elle nous fait là, Léo elle, elle veut elle t'attraper veut là ou quoi C'est possible, c'est possible. Euh, contre un ISO, ça, ça open ça trois bêtes bien plus tight. Est-ce que je dois folder Non, je ne pense pas. En... Je veux bien, si tu as l'occasion, Pierrot, à la Real, que tu expliques au break à Guillaume comment réafficher sa souris. Parce qu'on ne la voit pas, si je ne dis pas de bêtises. Ah ouais ouais. ouais, on ne voit pas le curseur, ce qui est un peu déstabilisant. C'est fou, ça. On voit pas forcément sur quelle table tu es, es focus, du coup. Ah ouais Bizarre. Ouais. Attends, bah là je l'ai, bah là je l'ai vu d'un coup, bah, c'est bizarre. Bon, on est bien d'accord, Pierre, qu'on le voit pas son, son curseur. Là, tu ne vois pas appuyer sur 1004 là Non. Bizarre. Non, non, non. Mais hum, c'est une bizarre. option, hein. c'est une option Windows, hein. c'est normal, hein. c'est un truc. Euh... Ouais, mais enfin, je l'ai pas touché du coup, ouais, bizarre. C'est une option quand tu partages l'écran, je crois. En fait, parfois, on le voit, mais c'est bizarre, je ne sais pas. Pierrot, tu m'entends Pierrot est décédé, malheureusement, à la régie. C'est terrible. Pierrot est indisponible pour le moment. <rire> Merci <rire> de laisser un message. Je vous rappellerai ultérieurement. On est mourant euh, sur le... L'event 10 en rads, on est très très mal là. Il nous reste ah. deux big bets. En revanche, sur le top of the pot euh, qui vient de se lancer, on a trouvé directement une très très bonne main avec perdro Vous ne le voyez pas à l'écran, il est en haut à droite de l'écran de, de Guillaume. On l'affichera euh, si d'aventure on venait à perdre une main. Mais regardez, on a floppé les nuts le flop. Oh, tu, peux La le laisser, euh, tu peux le laisser en haut à droite, hein, t'inquiète, on l'affichera dès qu'on qu perd une table. On va voir si on prend un peu de value quand même ici. Ouais, quand même, hein. il y a 62 blindes au milieu contre Gnocito. Attention. On peut aller chercher le KO. Il peut te cool. mettre un valet 10 dans le pif aussi. Hein. Dame 10. Ouais. C'est ambitieux. C'est ambitieux très cher. C'est ambitieux mais je comprends, ça vaut ça vaut le coup avec le ticket. Avec le ticket ouais, on peut tenter sa chance mais je suis pas sûr envie. que En fait, il faut bien que vous compreniez quelque chose de l'autre côté, c'est que du coup, nos team pro, ils sont conscients qu'ils ont stické au-dessus de la tête. On va pas faire des énormes bluffs à la toute première main du tournoi privé quand on sait qu'on est susceptible d'être payé par ce genre de main. Ouh là là, les 10 contre valet valet de Juliano, qui s'est vengé, 10. Ah dommage. On retombe à 22 000 sur ce structure Monster Stack. Hein. On commençait avec 100 000, donc c'est une catastrophe. Coucou, ça des Papels. Des bisous. J'espère que hey, tu vas bien. J'ai chopé le dernier 3. <laughs> hein Ah oui. Euh, moi, moi j'avais un, ouais, ouais, ouais. un 3. Oula, mais qu'est-ce qu'il fait à payer Ah, mais en fait, il ne comprend pas les règles. Ah, mais il ne comprend pas les règles. Ah, mais j'avais dit que ça allait arriver. Hein. Ah, mais merde. Ah, mais depuis tout à l'heure, je ne fais que de fois le moi. Mais qui est Rotide Port ou Nora euh, Rotide Port oh le, 8 oh le 8 Oui monsieur Le gros poids 75 000 sur le 4 Ah campax. mais il ne comprend pas les règles. Ah mais il y en a, hein, c'est sûr. Et là regarde, alors là t'es dans une sauce. Non, non, bah non. Bah, là... Ah bah faut fold. hein. <laughs> de toute façon, là, 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 avant j'ai foldé. Oh euh, non, la paire de le... 9. Il avait. Oh, il il Iso avec paire de 3. Mais oui Ah non, oui, il ne comprend faut... vraiment pas. Ah non, mais bah là, la main d'avant, il a bête, bête, bête. Enfin, il avait la pire main possible affichée. Ouais, oui, oui, oui. <laughs> bah, ça change tout, on va peut-être pouvoir aller récupérer encore 5000 chez lui. Et paire de 6 pendant son contrôle A5 de Jojo. Pas de carreau Voilà, oh, monsieur. Ah, j'ai une question pour toi, tiens, pour le chat. Est-ce que tu connais l'ordre Genre là, par Est-ce que tu connais l'ordre des couleurs au raz de manière générale au poker. Ah, ils fait. le font. Euh, bah, trèfle, c'est la plus petite. Pique, c'est la plus grosse. Et je crois que c'est carreau, la moins bonne, et cœur ensuite. Donc ça fait trèfle, carreau, cœur, pic, je crois. Trèfle, carreau, cœur, pic, ouais, avec pique. T'es sûr qu'il y a les couleurs qui sont. que ça ouais, rentre bah, au bah, Typiquement, là, tu vois, genre, on a eu tous les deux un roi. Et lui, il a eu le roi de pique. Ah oui, et du coup, c'est voilà. lui qui a, qui a, qui a bring-in. Mais en revanche, vous auriez split euh, au showdown. Enfin, tu vois ce que je veux dire Si oui, vous oui, avez exactement oui, oui. les mêmes mains, vous ouais, ouais. Oui, de toute façon, les, les flushs comptent pas. Euh, ouais, ouais. Je crois euh, que c'est ça, je crois que c'est trèfle, carreau, cœur, pique. Ouais, ça, il me semble que c'est ça aussi. C'est sûr, en fait, sûr pour trèfle et pique, il n'y a pas de doute que trèfle est la plus petite et pique est la meilleure, mais en revanche, entre cœur et carreau, je, je, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est dans cet ordre-là. Ah si, ouais, cœur et carreau, moi j'étais sûr pour pique et cœur, enfin, pas sûr, mais c ça me semblait le plus, quoi. Alors bagarre entre Pop et euh, Rotit de Port, On est pour Roti de Est-ce que Pop va se chauffer Non, il lui laisse. Aïe, 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 aïe. C'est tentant. C'était tonton. Bon, bon on a pris le chip lead hein, sur le top of the puck. Venez me chercher les gars. Viens me chercher. On a trouvé Second paire aussi sur l'event 9. Waouh pot, demandé par Seb ou payé par Olimika, on va les laisser ces messieurs. Ah tu vois c'est 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 supérieur à trèfle, c'est sûr. Oui, oui, non, trèfle et pique, c'est sûr que c'est les extrêmes. Trèfle est le plus nul et pique est le meilleur. Ouais. ouais je pense que t'es es, que good. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment entre cœur et carreau que je me demande. Ah, je, pas. okay, je sais pas. Ok, Pierre ne sait pas non plus comment afficher ton curseur. Bah, merde. Ah d'accord, ok. Sur Discord, ça fait ça. Comme on partage l'écran sur Discord, du coup, c'est pas possible. D'accord, ok. Bah, merci. Merci Pierrot. Hello Kobayashi. Bienvenue à toi. Bah, et bonne chance à tous ceux qui grindent, hein, bien sûr. Euh, Amusez-vous bien sur les summers, comme dit euh, Odeja. JL sur les summers. Coucou Maxi Booby. Bienvenue dans le chat de Twitch. Il y a des quiz en cours euh, sur Winomax.tv, Vous pouvez participer. Il y en aura d'autres tout au long de la soirée. Et en ce moment, on vous demande combien de tournois des Summer Shots étaient au programme hier. C'est que des One Day. Hein. C'est pour ça que j'ai fait cette question. Du coup, euh, combien il y avait de tournois pour cette première soirée On a fait passer Seb et ça tombe bien. On avait au 7. Hein. Malgré notre flush draw, on est très content de remporter le pot immédiatement. de Porc est suragressif. C'est plutôt une bonne nouvelle qu'il regagne des pions. il a mis clic euh, register et il attend qu'une chose, c'est de booster, Bah Ça nous va, écoute. Hein. S'il peut nous donner. Euh... C'est 17 000. Ouais, il va falloir en gagner des, des pots. Il va falloir en gagner des petits pots. Mmh... Ouais, et puis il faudrait, faudrait arrêter d'être bring-in à chaque coup aussi. <laughs> C'est pas que je Oui On a une main... oh. oh là 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 là, les notes. Bah là, je te le dis direct, c'est sur cette main que tu vas bust contre Roti de porc. Tu va. as perdu là. Là, Roti de Port, il a as dame valet et il va réussir à trouver le moyen de te battre. Franchement, ça me va. Le seul truc que j'espère, c'est que je vais entrer Il a fold avec un as, alors que depuis tout à l'heure, il est... Non mais. <laughs> il raise avec des paires de 3, mais il fold avec là, un C'est possible qu'il avait As de 3, et en fait il se dit que c'était de ma merde. Ouais. Bon là c'est génial, hein. il y a beaucoup de dead money on va y aller, on va jouer notre équité à fond. Euh, G.R.A. s'il était en bluff entre guillemets, s'il a par exemple roi dame et qu'il a juste voulu agresser son 4, bah il va folle. Bon là c'est pas le cas, on y va. Un hein. valet c'est pas fou fou, surtout qu'on tient un 3 chez G.R.A. et un 9 chez Anelka. Il faut une bonne carte à la cinquième là. Allez une bonne carte, 8 c'est un peu mieux, mais ça fait pas nos affaires non plus. Hein. 5 c'est bien, non c'est pas bien. 5 c'est pas bien, toujours pas. Et bah, du coup ça fait euh, hauteur Pourquoi valet pas. pour toi. Euh, ah, je valet, crois que ça va pas gagner. On va à je pense. As-3, 4, 6, 7. Voilà la main gagnante. On met des à table. On est de retour. Nouvelle table. Dommage, on a perdu rôti de Port, du coup. Mais on récupère le petit poids. Donc, au final, il euh, y avait de quoi faire euh, un bon repas, là. <laughs> un, bon repas, un bon repas anglais. Ouais. Petit pois, rôti de porc, Petit pois en gelée, rôti de porc froid, tout ce qu'on aime. <laughs> Pique, cœur, Avec... carreau, trèfle, donc l'inverse en rase. Bah non. Ah si Non non, non, parce que c'est juste pour le bring-in. Donc en fait, c'est la carte la plus forte dans le jeu qui oui. bring-in. C'est ça, donc le pic, bring-in. Et ouais, pas voilà. le trèfle. Ouais. Ouais. Pique, cœur, carreau, trèfle. Donc c'était l'inverse de... Oui, donc c'est ça, c'est ce que j'avais dit. Trèfle, carreau, cœur, pique dans l'autre sens, quoi, dans l'ordre croissant. OK, OK. Euh, Dame 8-10, c'est pas fifou hein. On va pas faire des folies avec ça. En revanche, on a trouvé deux paires à 7 qui coeur valait contre eux un pseudo un petit peu euh, agressif. <laughs> Pic carreau cœur trèfle ouais c'est ce que je disais ok merci les gars ah non c'est là la... mais ben, attendez entendez-vous là il me dit ça à moi qui a été croupier bah ben, alors c'est dans quel ordre du coup faut savoir les gars hein. ouais parce que moi je dis je dis peut-être de la merde pour les rouges hein. je vous le dis pour les pour les rouges je me trompe peut-être hein. mot de passe du top of the box c'est euh, rimskin, en minuscule tout attaché coucou pompon du 6-7 Euh, oula, alors une main euh, délicate à manœuvrer sur le PLO. Ouais, J'ai pas, ouais, pas, pas trop de straight, euh, straight draw, backdoor straight. Ouais. Que... On a que le flush draw max, quoi, ce qui est déjà bien. Hein. On contre, a flush draw fait... max également sur le summer Shot euh, 9. Je sais pas si ça fait du sens de donk bet. Ouais, ce tôt. 5, euh, évidemment, qui fait rentrer des quintes et qui change un peu tout. Ouais, et je suis celui qui a le plus, euh, qui a le plus euh, ces quintes-là. Euh... Hmm. Là, en revanche, je pense que j'ai pas, pas de FE sur les deux. donc. Euh... On a les notes un peu partout, là. On a les notes un peu partout, en effet. Wow, tu t'es retrouvé à Bringing avec un 8, ma bah, dis donc. Ouais, ouais c'est n'importe quoi. J'ai pas regardé les cartes, du coup. Euh... Euh, qu'est-ce que je fais ici Y a-t-il des codes de tournoi Je sais pas ce que tu veux dire Fredo. 8, 7, 2... Il y a des codes tournois, mais il y a un tournoi privé en tout cas. C'est à 21h30, ça coûte 2 euros. Hein. Il faut avoir 2 euros sur la banque Roll Winamax pour vous inscrire avec le mot de passe Winmax TV en minuscule tout attaché pour affronter Guillaume. Il a commencé il y a, il y a 10 minutes déjà. Ça dure jusqu'à 22h11, les inscriptions. Et il y a des tickets rajoutés sur la tête de Guillaume et, et à la bulle. Et pour des lucky losers que je tirais au sort, on a fait quinte sur le tournoi Top of the Pock. Vous ne le voyez pas, mais Guillaume caracole dans ce tournoi actuel deuxième. On a trouvé un Asdam en big blind qui a été min-raised par euh, le même adversaire que tout à l'heure, dont je ne dirais pas le pseudo Seb22150 à payer. On va le buster comme ça, au moins. Hein, et, voilà, j'aurais ouais. plus besoin. T'auras plus de problème. Ouais, Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Oh, oh ah Non, pas comme ça. Bon. C'est la deuxième fois qu'il nous l'a lui. C'est lui qui avait 10 tout à l'heure. Ah oui, exact. Bah, il porte bien son pseudo, du coup. <laughs> ouais, que cœur supérieur à carreau, source Wikipédia, c'est du solide. <laughs> source, un pote me l'a dit. Bah, moi, c'est ce qui me semblait. Il me semblait que cœur était le, le meilleur rouge, mais peut-être que je dis non. Si bah, ça fait quand afficher... même du sens que cœur est plus d'importance que le carreau, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est le cœur, quoi. Si tu peux afficher ton curseur sur Discord, il faut partager l'écran et pas l'application pour ça. Bah, c'est ce qu'on fait. Il partage l'écran, il ne partagent pas l'application. Je sais pas, bizarre. En fait, parfois je le vois, parfois je ne le vois pas, son curseur. Mais ce pas grave, ça n'a aucune importance. Pas de problème. Coucou, Mordo. Mais bah écoute, on a le mérite d'être encore en vie sur nos quatre tables. Même si on a dû re-enter le RADS. Déjà pas mal. Piqueur carreau, trèfle, donc l'inverse en RADS. Oui, c'est ce que je vous disais, OK. Rôti de porc est saignant, ouais, c'est vrai. Il était assez saignant, le, le rôti, là. Il était bien cuit, là. Il avait l'air bien rôti. Il portait bien son nom sur les Summer Shots. <laughs> il était bien, bien rôti. Là. Après, ça ne va pas être le seul du film. Hein. À mon avis, il y en a quelques-uns qui cliquent un peu au pif. Et les spécialistes vont s'en donner à cœur joie. Ouais, je suis curieux de savoir le ROI des mecs qui savent vraiment jouer, euh, parce que ça doit être n'importe quoi sur ces tournois, parce qu'il y a tellement peu, beaucoup moins de variance quand qu qu DM et tout le monde fait des erreurs de mutant, on voit le premier. Ça, ça, ça doit bien se régaler. C'est vrai que vu que c'est du limite, forcément, il y a un petit peu moins de variance, clairement. Ouais. Euh, A5 et Dame, ouais, Prime Mind qui prend l'open avec sa, la meilleure main. Enfin la meilleure carte affichée, le 3, on va lui laisser avec cette dame qui nous pollue un peu. On n'a pas eu trop de, de spots hein, pour l'instant. Non, c'est pas folie folie. Ouais. Ouais, même en PLO 5, hein, c'est pas la folie non plus. Euh, notez qu'à 22h, qu'est-ce qu'on aura de beau On aura un 6 max show one à 20 euros. Il est pas mal, hein, 20 000 euros garantie. Euh, 4 minutes les niveaux, ça peut être très sympa. Et à 23h, le dernier event de la soirée, de cette deuxième soirée de Summer Shot, ce sera un déglingo à 5 euros en 3 max. Alors hier, on a joué un 2 euros rebuy 8 max déglingo. C'était pas <laughs> génial, euh, c'est pas le format révolutionnaire. Ah, hein. ah, c'est qu en fait. qui, qui oh bah C'est a... Guignol Bourré, hein. il, a, il a fait n'importe quoi. C'était <laughs> oh, C'était le pire format. Tu passais une orbite, t'avais trois blindes. C'était oh, nul. Ah ouais, ah, J'aurais bien, bien aimé voir la demi et la TF, ça devait être beau. <laughs> bon, faire. Ah, vraiment vraiment terrible. Ah ouais, autant Les 3 les, les max euh, des Grago c'est vraiment trop, trop bien. Mais alors 8 max. 8 max, non, faut pas hein, faut pas. <laughs> surtout pas. Bah, ça a augmenté à chaque main déjà les blindes, puisque le temps que tout mais le quel, monde joue. Quel, enfin, quelle idée, surtout qu'il y, y a 0, max, il y a 0 8 max sur le site ça Non, le non mais en plus, en plus Rebuy, ça veut dire que c'était du 8 ouais. max, c'est-à-dire qu'en fait il y avait un mec qui bustait, il fallait qu'on attende qu'il ait coché de Rebuy. <laughs> donc en fait à chaque main, les blindes augmentaient. C'était horrible, injouable. <laughs> Ah, supportable, Insupportable. Ah, ah ouais, non, c'est probablement le pire tournoi jamais organisé par Winamax. Non, je me rappelle d'un. C'était le, le... celui-là, c'était vraiment le pire. Ah, le full, le... full bounty, tu vas me dire. Non, 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 ouais. celui-là, celui il était pas mal aussi, mais celui-là, il est deuxième. Le premier, c'était le, je sais pas si tu te rappelles quand ils avaient fait les premiers Winamax series avec euh, des mix games. Ouais. En gros, ça jouait en. Je sais plus si c'était en 8, en 8 games ou si c'était en NL, ouais. Mais en gros, ils avaient doublé les, les niveaux. Oui, Et je me fait, rappelle. Le tournoi, il avait duré genre 16 heures ou un truc ouais, comme ouais, ça. Ouais. Et C'était un 50 balles où il y avait genre 10 k à gagner, tu vois. Ouais, je Et me rappelle. Je me rappelle, j'avais un pote qui avait fini, qui avait posté, busté à genre 9h du matin, tu vois. Genre... <laughs> plus jamais. C'est la pire expérience de jeu. Hein. Ah ouais, ouais. Au bout ça, au bout il faut que coup. ça s'arrête en fait au bout d'un moment les tournois de poker. On aime bien le poker mais il y a des limites quoi. Ouais bah ouais, faut aller dormir un moment. Alors 28 blindes et un S10 off euh, haut sur euh, l'event 12. 7, 5, 4 au flop, 2 turns. Petite bah, mise, agressivement. Euh... Ouais, ouais, ouais. 9-5-4 et euh, Prime Mind qui a l'air de savoir ce qu'il fait sur le Razz, en tout cas il prend les bons spots d'open euh, avec ses cartes ouvertes, il ne regarde pas trop euh, peut-être la valeur de ses cartes cachées mais surtout celle qui est affichée pour tout le monde, il met la pression à la table, auteur 9 qui va défendre, c'est défendu également du côté de Léonard avec son 6 affiché, un 8 qui ne nous donne pas encore la meilleure carte, c'est un peu la même situation que tout à l'heure, on peut craindre d'avoir deux undercards chez Léonard dans les cartes cachées qui nous mettraient très mal, et là maintenant on a les meilleures cartes affichées. 4-8-5, même si on a eu une perte. pertes. de prendre le lead, mais je pense que Léonard, c'est quand même lui qui est encore devant avec notre père, c'est un peu chiant. Mais il y a des chances que lui, il est péré aussi. quoi <coughs> bon, Peut-être ce 7, ouais. C'est vrai qu'il faut on a des ah. bloqueurs aussi, entre guillemets. C'est-à-dire que là, on n'a pas de bloqueur 7, donc on peut se dire que dans ces deux cartes, il pouvait peut-être avoir un 7, par exemple, etc. Ouais, tu, vu qu'on a 2-4 et 2-5, tu peux te dire qu'il a moins souvent un 4 ou un 5. Et donc là, pour ouais. qu'il ait hauteur 8, faut il faut qu'il ait un 4, un 5 ou un 2. Tu vois. Donc on a des plutôt bons bloqueurs dans l'absolu, mais one has, là, one je... ouais, one has, ouais, mais là je crois que on drop draw... pour euh... pour 9, ouais. ouais. on va lui laisser accès de paire un peu gênante. On récupère non de Zeus, tiens, qui nous a... Qui a éliminé Kevin Zinzin hier sur son tournoi. <laughs> Ah. Franchement, vos variantes font mal au crâne. Déjà, deux cartes, c'est assez compliqué. Ouais, c'est vrai, Michel, que Michel Merger, <laughs> qu'il faut s'y connaître un peu. Ah, C'était à l'époque. Il hein. fut un temps, le Holdem n'était pas la variante principale. Il y en avait plein d'autres. Et euh, c'est vrai qu'elle a un peu écrasé toute la concurrence. Et la plupart des, des joueurs qui ont découvert le poker dans les 15 dernières années ne connaissent que le Holdem. C'est classique. Je pique ton cœur, je le mets sur le carreau et je prends ton trèfle. Ouais, l'as de pique euh, qui. Non, l'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline aussi. Hein. Ça marche aussi. On les a, ceux-là, River. Tu l'avais travaillé, toi, le, le rads. Un petit peu, ouais. ouais, un petit peu, avec euh, avec Aladar et Ivan ouais. aussi, je crois. C'est vrai qu'on se rappelle qu'à une époque, où vous étiez un peu butés. Vous aviez même organisé des donner rendez-vous à vos followers sur des tables pour la blague, hein, pour s'entraîner, pour jouer entre vous. Ouais. Enfin, ouais, non, pas pour la blague, quoi. vraiment pour s'entraîner, ouais, clairement. Mais, mais ouais, c'est un jeu pas évident. Quoi. Ça, c'était en vue bien sûr d'aller à Vegas, hein, parce que aujourd'hui, c'est ça en fait. Si tu joues sur le PDF, le seul intérêt de traîner les variantes euh, en termes d'ambition euh, financière ou autre, c'est surtout d'aller jouer les, ces variantes-là à Vegas. En revanche, et j'en parlais hier avec Kevin, ça peut être un moyen de travailler ton jeu aussi, même sur le hold'em. Ouais, en tout cas sur ta compréhension du jeu de manière générale. Ouais. Exactement, voilà, c'est ça ça. Ça, ça, ça. ça veut dire pas, hein, des... ouais. Mieux comprendre les équités, mieux comprendre les autres implicites, mieux comprendre. Absolument. Il y a des éléments qui restent communs, euh, bien sûr, à tout ça. Euh, spot, euh, spot chiant, ça, ce AS4-4. Je t'ai vu doubler avec ton AS3. Hein, mais J'avoue, je sais on peut, pas. Ouais. On peut se faire bluff, là, par Storval. Hein. Je dois peut-être euh, peut call, ouais. peut call. Je dois peut-être même raise et la en bluff, je sais pas trop. Ouais impossible très bon trick. je pense que le petit poids est écossais putain on est dans les jeux de mots vraiment niveau, niveau collège j'aime beaucoup bravo. <laughs> bravo allez vous pouvez toujours vous inscrire hein. jusqu'à 22 euros sur le tournoi privé top of the poc il a le même nom que l'émission avec les espaces vous pouvez le retrouver avec la petite loupe en haut à gauche de votre lobby le mot de passe c'est winmax tv en minuscule ça coûte 2 euros si vous voulez prendre part 194 joueurs déjà inscrits et réinscrit dans le tournoi 161, encore en course. Il y a eu 20 réinscriptions, bravo à eux. Et il y aura un ticket à 10 euros pour tous ceux qui parviendront à se débarrasser de Volatar, qui pour l'instant est top 4. Autant vous dire qu'il va falloir aller le chercher. Personne ne me bustera. J'ai l'impression qu'on ne gagne pas un coup en RADS. Hein. Mais Alors, non. Mais bah non, bah j'ai l'impression que je dois être un peu trop taille, tout quoi, mais... Ah, non, de ce qui prend le spot tout de suite, est-ce que Sangino va le relancer avec sa hauteur 5, la meilleure carte affichée à part toi, bien sûr <sesleri> Compliqué de relancer, je pense, à la place de Sangino, sachant que tu pas parlé et que tu as un 3 affiché. Ouais. Après, s'il a deux cartes de la Wheel en plus, évidemment, il faut relancer. Ah hein. euh, ouais. ouais, ouais. Euh, Nous, à ce qu'on tente de payer, je pense. Ah, oh, ouais. non, on en a pris des paires, franchement. On en a ouais. pris pas mal des paires. Euh, je crois qu'on doit continuer à payer quand même. Ah, je crois que je, attends mille. Bah, si j'ai de quoi assumer trois bêtes si. On a des zones qui sont beaucoup trop bonnes. Non, de Zeus il va jamais check raise. Oh, et, ouais. et on passe favor maintenant. On passe pas favori, pourquoi Parce qu'on a tous les deux une paire, mais que toi, tu as hauteur 9 affichée contre hauteur 10, du coup, tu, tu tires pour une meilleure hauteur, quoi qu'il arrive pour le moment, puisqu'il n'a que 4 cartes au mieux distinctes, et voilà, ça passe. C'est très, très euh, intéressant pour ça, Loraz aussi, c'est que c'est vraiment un jeu d'enchères euh, un peu à l'ancienne. Ouais. Le truc que je me rappelle qui, où ça m'avait, entre guillemets, aidé dans nos limites, c'est que ça m'avait aidé réfléchi, à réfléchir à beaucoup plus de spots de donk bet. Il ouais, a beaucoup vrai. moins considéré l'agression comme quelque chose d'essentiel et d'important. Mm -hmm. Oui, ouais. le Parce côté que... agression initiale. En fait, il y a, y a une, une redistribution des équités qui est très intéressante, qui n'est pas du tout dans les mêmes euh, considérations qu'en Hold'em, mais dans le principe de la redistribution de l'équité. Et du coup, ce que ça implique pour toi en termes d'agression, de, de, c'est très intéressant. Oui, ouais, clairement. Allez, on va raise avec Ace High. Il a fait un open un peu ambitieux contre un As affiché à ah, Vous chopez la même main, du coup c'est intéressant. C'est toi qui es favori, toujours. On peut continuer de lui mettre la pression. Bah ouais, en tout cas, ouais. C'est pas que je suis favori, mais je vais utiliser ma main pour, pour bluff. Et oui, oui c'est ça. Et voilà, et voilà un 2 qui est une excellente carte sur laquelle tu vas t'appuyer de nouveau. Et il va devoir abandonner. Et pareil, on récupère encore une belle main affichée avec ce 2, même si on a un 10 en, en, en carte cachée. Et là, on est, on est énorme contre un 7 et un roi. Ah, on est pas mal. Oula, j'avais pas vu que sur le PLO5, t'allais te retrouver commit au flop avec ta paire d'as. Partir à la tête gros. haute. Oh là là, il a tous les tirages quintes et voilà, ouais, ça fait ouais. quinte. On avait pourtant trouvé la turn. Eh hein. bien, on va pouvoir afficher le, le tournoi privé. C'est chelou ça. Soit il sait pas jouer, soit il ne sait pas jouer. Ah, Johnny Valou, tu veux dire Ouais. Ok. Donc là, il a, maxi... enfin, il a au mieux King-Eye et moi j'ai au mieux Queen-Eye, donc je suis toujours devant, donc on continue à miser. Il a brelan de 5 là Il a peut-être brelan de 5 quoi. Voilà le brelan de 5 On joue ses cartes et c'est très important bien sûr de bien réfléchir aux cartes affichées et pas seulement à la valeur de notre main hein, pour mettre la pression à ses adversaires. Et du coup, on passe à 28 500. Enfin un peu d'oxygène sur ce tournoi de RADS et on va repartir à l'attaque avec un 2 affiché. Ouais, Jonny Valou a l'air de jouer ses cartes, effectivement. On part en break à la fin des, des deux mains qu'il nous reste à jouer, la paire de 7 et la paire euh, la Dame suité. On est bien parti hein, sur cet event euh, numéro 9 avec euh, un stack au-dessus de l'Average. On trouve tirage quinte par les deux bouts. Pendant ce temps, sur le top of the pack, une paire de 7 qui a misé en protection value. Là, on deny un peu des kitty euh, à certaines cartes et puis on value contre des tirages aussi euh, ou des hauteurs races chez New Normal qui va give up. 32 000 au milieu, attention, le pot s'énerve un peu. Sur l'event 9. Ah, bet petit et... mmh. Probablement Chauve-Ariver. Hein. Hein. Ouais. Je pense qu'il va bête tout le temps, c'est gros... ses gros pics, quoi, à part s'il a As-10 avec l'as de pique ou AS3 avec l'As de pique. Sinon, il va tout le temps bête, c'est gros pic. Il y a une range qui est composée de beaucoup de middle pick, quelques 10 pas beaucoup de rois. Je pense que les rois, il va souvent miser deux fois. Il peut, ouais, avoir, deux, il peut avoir deux valets avec un pick. Il lui reste du tapis s'il fold, hein c'est ce qu'il faut se dire aussi. Ouais. Voilà, parfait, ça a fonctionné. Allez, on part en break. Rendez-vous dans cinq minutes pour la suite de Stop of the Poker. Guillaume Diaz sur les summer shots. J'ai des tickets à vous faire gagner. Du coup, vous, restez avec nous. Allez, juste prendre un petit verre d'eau et après, on repart sur les shots. A tout de suite. Et on est de retour pour la suite de Stop of the POC spécial Summer Shots avec Guillaume Diaz. On a du Rads, on a du, on avait du PLO5, mais il n'y en a plus. Et on a encore deux tout beaux tournois, dont un, un 50 euros Monster Stack sur lequel on est tombé un petit peu en dessous du, du démarrage. Mais regardez, on a un trois de cœur pour se rattraper. Je te propose de t'inscrire euh, au Show One à 20 euros qui se lançait à 22 heures. Et euh, oula, attends, il faudrait du cœur. Oh, non, non. Léo, pourquoi tu me fais ça On se réinscrit, bravo euh, à Léo Marguet qui t'a sali. Euh, tu avais, avais 20 blindes au début Non, même Oui, ouais. c'est ça. Ouais, oh, bon, bon. Rien de spé. On part à tapis également avec perdu 6 contre perdu 10. On a gagné 20-80 tout à l'heure. Est-ce qu'on peut en gagner un nouveau C'est non. Le voilà, voilà. Comme ça, on peut mettre le. Le tournoi privé euh, en haut à droite, hein, il sera toujours là, vous inquiétez pas. Moi, je l'ai à l'écran, donc je pourrai suivre. Si quelqu'un élimine Guillaume, il ne pourra pas se cacher et je lui ferai gagner son ticket, bien entendu. Il y aura un petit quiz qui va partir dans quelques instants, le temps que euh, Pierre, il avait eu un petit une petite gastro, là, il, il a dû courir aux toilettes, mais il revient bientôt. Je vous ferai <laughs> gagner un ticket juste à son retour. Ne lui dites pas que j'ai dit ça. Hein, c'est évidemment, il m'a il demandé de garder le, seul, le silence, mais, euh, mais c'est pas Non, il est juste allé ouvrir un livreur. Il arrive et je vous ferai gagner un ticket dès qu'il est de retour. Bien entendu, je comprends rien à la première table, nous dit Maxence. t'inquiète pas, c'est pareil pour la plupart des adversaires de, de Guillaume. C'est une variante un peu obscure, le RADS. Dis-toi juste que le but, c'est de faire la, la plus petite main possible. Cinq cartes euh, bah, dépareillées, tout simplement, sachant que les quintes et les flushes ne comptent pas. La meilleure main possible, c'est A2, 3, 4, 5. Même si c'est de la même couleur, ça reste euh, la meilleure combinaison possible au RADS. On l'appelle la roue, the wheel, tout simplement. Un qui te pose une question sur les variantes. Quand on joue des variantes du type Stud, Stud ILO ou RADS, on est normalement censé suivre les cartes révélées des adversaires. N'est-ce pas trop dé gênant N'est-ce pas gênant du coup de trop multitabler lorsqu'on joue ce type de variante Bonne question, Et effectivement, ça paraît euh, cohérent. Euh, on est censé voir un petit peu les cartes euh, ouvertes. C'est une information très très importante de nos adversaires. Et euh, de s'en rappeler tout au long de la main, du coup, bah, c'est sûr que si on a 8 tables en même temps, on aura du mal à toutes les retenir, bien sûr, voire même on va s'emmêler les pinceaux. Euh, c'est logique ce qu'il dit là. Ouais, ouais, clairement, ouais. Ouais, c'est très logique et c'est bien plus, bien plus embêtant qu'en qu nos limites ouais. à thème. C'est clair, il faut être bien plus attentif, il y a beaucoup de travail de mémoire, donc euh, c'est dur de, de jouer plusieurs tableaux en même temps. Ouais. Et en Studio Ilo, ça peut en plus être plus compliqué. Pourquoi Parce qu'en Stud Ilo, le Studio Ilo, c'est un jeu euh, qui mélange les combinaisons high et les combinaisons low. En RADS, il n'y a que des combinaisons low en PLO5 par exemple il y a quoi des combinaisons A donc le sud l'eau, c'est les deux vous avez cette carte et ça fait que comme en fait vous avez la possibilité de gagner la moitié du tableau en A et la moitié du tableau en lot il y aura souvent plus d'adversaires qui vont euh, tirer sur les premiers tours du coup plus de cartes révélées que vous allez devoir retenir et, euh, et noter et euh, c'est ouais. vrai que voilà on peut pas on peut pas et d'ailleurs pour les ah, variantes ah, en général hein, c'est rarement une bonne idée de mélanger cinq variantes sur cinq tournois en même pfff. temps euh, pour pas s'en mêler euh, les pinceaux, parce que parfois on va croire qu'on est sur une table de Raz, alors qu'en fait on était sur une table de Stud High, etc. Euh, c'est quelque chose qui est déconseillé. En revanche, les tournois de mix-game, c'est différent, puisque chaque variante se joue l'une après l'autre. Mais euh, bon, de la même manière, il faut éviter d'envoyer de, trop de, de mix-game en même temps, etc. Euh, et plutôt essayer de se spécialiser. On est pas mal avec 2-3-4, mais notre adversaire a 2-4 également. Ok, ouais je pense, je pense qu'on va la bluffer. Je pense que le fait d'avoir 2-3, c'est pas mal. Ah, ah là là, 2-3-4-8, il est si bon. Il tire un 3, là maintenant, ça devient très dur de, de bluffer. Je pense que je vais juste give up. Ouais, parce que, que main, ce 3, t'en as deux. Du coup, ça lui il renforce certainement sa main. Il y a peu de chances que ça lui ait donné une paire. Ouais, ouais, il a une main très forte. Et toi, tu, tu te retrouves avec quoi Avec 2-3-4 valets d'âme. C'est pas fifou. faudrait qu'il ait 3 euh, paires il a hey, trois paires et là il faut gagner check oh il le fait on Alors, peut je gagner pense hein. a... je pense qu'il aurait, aurait dû lead la terre et qu'il a une très bonne la ouais. ouais ah bah ouais, il, avait... il, était il, il, était il avait... 2, 3, 4, 5, 7 il avait ah bah ouais et dis donc il a pas il a préféré me laisser bluffer quoi. Ouais, ouais. il a je pense c'est ça le truc c'est quand t'es joueur de No Limit Hold'em tu t'as trop l'habitude de... de check call le flop snap check la terme tu vois et ouais. c'est un que tu disais tout à l'heure ça Ouais, c'est un leak de beaucoup de joueurs. <coughs> 5-8 et 4. Euh... C'est pas si évident que je dois défendre. Après, lui, il va au pédé et tout, quoi. Mais... Ouais, je peux quand même défendre, je pense. Allez, c'est bon, je peux leur faire un petit quiz, c'est parti. On a trouvé un 8. Ah, il a trouvé une dame. Hmm. Ouais, on, va give up, hein. on va give up ce, ce 8 est, est, était trop mauvais pour nous même euh, même si évidemment il était mieux que sa dame euh, on se retrouve toujours avec Kinga et en plus on a une paire, euh, même s'il ne le sait pas euh, petit quiz immédiatement pour l'exclamation quiz plus loin la réponse dans le chat de winamax.tv point d'exclamation quiz que plus long la réponse uniquement dans le chat de winatv ceux qui sont sur Youtube et Twitch rejoignez-nous dans le chat de winamax.tv avec vos identifiants winamax pour participer dites-moi combien de joueurs ont deal l'event numéro 6 hier combien de joueurs ont deal cet event sur lequel on a on a passé une bonne partie de la soirée avec Kevin Zinzin à vous de trouver la réponse dans l'article récapitulatif des perfs d'hier soir publié ce matin par la rédac de Benjo. Flegmatique et Routsa, combien de joueurs ont deal l'event numéro 6 Bonne chance à tous, sur y à 10 euros à gagner. Ça vaut le coup de tenter votre chance. Père de Valais a trouvé du bonheur hein, sur un flop avec que des high cards. as roi -dame. tout va bien. Ma foi, c'est un bon spot pour bluffer. <laughs> c'est génial de se retrouver à bluff del flop avec une Ça. Père de Valais, on est ravis. Ah, C'est pas la meilleure carte à bluffer en revanche. <laughs> <laughs> euh... Ouais, vas-y, on un va kill up. Et ici. Si... Est-ce que je me joue un check ou plutôt là, Je crois. À 50 000 au milieu déjà hein, sur ce petit tournoi 4 max qu a lancé, euh, qui s'était lancé à 20h, qui est là depuis le début de l'émission. At. Hum, mmh, avoir check back brelan mais je crois pas trop. Je pense que je vais payer. Ouais. Oula, oula, qu'est-ce qu'ils font Ouais, ouais, ouais. Ils se chauffe un peu avec As-10 de carreau. J'ai l'impression que tout le monde surjoue cette main. Allez, hop, un bounty remporté. On passe à 255 000, top 55 du tournoi. Ça fait plaisir. Pendant ce temps, vous ne le voyez pas, mais euh, il est tout simplement chip leader sur le tournoi privé Top of the Pog. Vous pouviez vous inscrire jusqu'à 22h11, le temps que vous entendiez ces paroles. Ce sera terminé. En tout cas, déjà 282 inscrits euh, actuellement et 190 encore en course. Bonne chance à tous. Je ne sais pas si je dois défendre. Je sais qu'il va open any tout c'est sûr. Avec un 2 affiché quand on a Roi, Roi... Okay. et là on okay. doit jouer ou pas là avec paire de roi contre okay. 5 et 2 qu'est-ce qu'on fait alors attention Johnny Valou qu'est-ce qu'il nous vend là attends mais euh... what il a défendu Valet 8-10 il a pas compris le jeu je crois oh euh, là je crois que je vais payer mais oh là là il gagne il gagne si c'est oh passé bah, il bah, a gagné fait... Jack quoi le truc qu'il avait, c'est que Storval, il était très polarisé, entre guillemets, il pouvait avoir une main de départ de merde, il aurait très bien pu avoir euh, dame dame dans sa main, hein, et, et quand même ah dans parce qu'il avait un spot. Ouais, mais tu, tu, tu perds de l'argent sur le long terme ici. Hein. Bon, il finit 10 oui. high, mais il, il perd de l'oseille. Hein. clairement, ouais, euh, sûr. ça peut pas gagner euh, sur le long terme. Ouh là là, on a hauteur 8, et euh, on a un adversaire qui agresse. Attention, maintenant on a la meilleure main, quoi qu'il arrive, hein, vous voyez, donc là c'est mathématique, on a forcément la meilleure main parce qu'il a une paire affichée que nous, on a cinq cartes distinctes, en revanche ce 3... Euh, n'est pas bon et évidemment il passe devant mais on a un 3 aussi ouais mais je vais avoir 6000 à payer ouais mais il a souvent 7 aïe ou quoi je suis souvent en niqué mais je crois que je peux pas folder ah, il peut même avoir 6 aïe oh, hein. on trouve 8 tailles ça peut ne pas suffire ouais est clairement est... Bah, il avait peut-être Andro des... était peut-être dead hein. ah il a 7 aïe ouais il dit GG il sait il a compris il le sait il le sait dommage Dommage, dommage, ce petit stud. Ah, c'était bien cool, c'était bien cool. J'aime beaucoup le RAD, mais malheureusement, on ne peut pas se, réentrir, se, se réinscrire de nouveau. Et de toute façon, la période de l'hightage était terminée. On va repartir à quatre tables. Avec toujours notre tournoi privé, vous le voyez, 113 000 jetons pour Guillaume. Voilà, fin de, fin de la migraine. Pour tous ceux qui comprenaient rien, au RAD, <laughs> c'est fini. Allez, on, on revient au basique on revient à des choses simples. Bah, on pourrait se voilà. faire des là qui nous dit ⁇ Mettez des tables de razes en micro-limite ouais, ⁇ On pourrait se faire des émissions comme ça, mais le problème, c'est qu'en réalité, il euh, y a trop peu de joueurs pour que ce soit vraiment des... Aïe, 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 aïe la paire de valets pour le gros pot sur le tournoi privé. Il y a trop peu de joueurs pour que ce soit vraiment euh, value de faire des streams là-dessus et de vous de vous expliquer les tenants et aboutissants de ces variantes. Ça reste passionnant et je vous invite vraiment euh, à aller découvrir ces variantes. C'est une manière aussi de, de changer un petit peu votre quotidien si vous jouez régulièrement au poker en découvrant d'autres choses. Et Il euh, y a, y a, y a de, de bonnes choses à apprendre dessus et surtout, c'est très, très fun. Euh, donc, n'hésitez euh, pas à aller jeter un œil aux au tables de cash game en micro-limite et puis aux petits tournois comme ça qu'il y a pendant certains festivals. C'est euh, une super idée de le faire. On a trouvé Broland7 contre MOHT sur un board 7-8-9-7. Ça gagne Un valet off contre un open chauve de Seb 22-150, qu'est-ce qu'on fait ici si Anjo fold On va payer si ça fold Ah il y a un gros bounty, hein. attention, c'est un buy-in à 5 euros donc là le bounty il est énorme, il vaut quasiment le buy-in Il a un bounty correct Ok on est en flip il faut un roi ou un valet le valet qui est trouvé delta, n'est pas de oui. 8 river, let's go Superbe, superbe 300 000, on est bien sur celui-là Superbe ah, T'as un stack très dominant à la table, c'est toujours agréable sur un tournoi KO. Mais, oula. Allons-y. Bah, Allons-y hein. allons gaiement. Le mot de passe du tournoi Top of the Box, Frédéric, c'est trop tard. Hein, le temps que tu m'entendes, mais c'était Winamax oui, TV en minuscule. Il était écrit, regarde à l'écran, hein, il était écrit euh, pendant toute la première heure. Cet astern qui ne suffira pas, bien sûr, face au brelon flopé d'Anjo. Mais c'est toujours le même. En tout cas, pour la prochaine fois, Frédéric, tu peux t'inscrire jusqu'à 22h11 avec le mot de passe Winamax TV en minuscule tout attaché. Ça coûte 2 euros. Et euh, tous les dimanches, tous les lundis, dès qu'il y a un top of the pot, il y aura un tournoi privé à côté euh, sur lequel sera notre invité. Allez, on a trouvé Bottom Pair avec euh, Roi 6 contre SQDR VLC qui a un très beau bounty lui aussi. Check, check au flop. Turn 2 de trèfle qui fait rentrer la couleur. Ici misé cette fois par euh, SQDR en small blind. On paye et on trouve deux paires, six et deux, Kicker roi. Et Scuder qui décide de check. Et waouh Avec top tout flopé. Tant mieux pour nous. Trois paires. Trois paires, le monsieur. Trois paires. Trois paires, ça check. Oh, ben, on a Mounter. Où ça jalouxine là, là, sur le 50 balles. Incroyable, en face de nous, absolument. Le beau people. Avec un petit tapis, ma foi, fort fort décent hein, de 58 blindes pour un average à 35. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal du tout. Hello, Crunch of Poker, des bisous. crâne Poker. Crunch Poker. Salut VIP RRR. Et hello Chip Fonifleur. Et regarde le Jalouxine qui ne perd pas de temps immédiatement pour aller busto un joueur. Il est là, papa. Alors on est un peu moins là, nous, avec nos, nos 70 000 jetons. Starting à, à 100 000. On a déjà rien hunter fait trois bêtes pendant ce temps sur l'event 13 avec Rodamov en main. C'est du Show One, hein. Freeze out Show One, c'est pas un chaos. Ah ouais, c'est stylé ça. Check de notre trois better killer Zen qui va call la mise de Guillaume 45 blindes au milieu désormais on possède évidemment deux over et open and deep straight draw, on joue les as les 9 pour faire quinte, killer Zen qui va checker encore et qu'est-ce qui va nous Qu'est-ce qu'il nous raconte là Il a carré flopé. Il, a, ouais, il, a... il nous raconte qu'il a SI, essayé. Hein. Il a full floppé qui s'est transformé en carré. Il nous raconte qu'il a essayé SI et qu'il va sûrement nous les recall, mais bon. Ouais, il a le droit de fold ASAI quand même là, c'est un gros pot. Il a le droit, il a le droit. Il a le droit, mais, ouais, a le droit, mais... <laughs> qui a le droit de faire ça hein Il a le droit, mais il a le droit de pas. Allez, faire on, variant, variant, on va réhunter, bravo à lui, nice call. Ce sont des choses qui arrivent. à Roi, là, en big blind, sur le 5 euros. Un beau spot. C'est, On n'est pas loin de l'argent. Ah oui, on est à 20 places de l'argent, bien vu. Ouais. Un petit peu la pression sur nos adversaires, malheureusement. T'as déjà bien rentabilisé ton tournoi puisque t'as récupéré, euh, eh bien, ma foi, 10 euros en bounty. Oh, waouh! Wow. Il va regretter ça parce qu'à la bulle, on était armé. Peu fold, hein, peut-être. Non, oh, on il y avait encore peur de 4. De 4. Ah, pas deux fois. Pas deux fois avec peur de 4. Oh, <laughs> pas deux fois avec peur de 4. Vamos. Et un bounty de plus. Vamos moche, quel bracelet attire le plus, hormis évidemment celui du main te demande David Iki Bai. 6 Max Ouais, 10 6 Max, c'est pas mal. Bah, ouais, après, je te dis, tu vois, sinon, euh, genre le One Drop, tu vois, mais. Non, ou ah, le, oui. le Player Championship Ouais, ouais le Player Championship. Ouais, voilà, mais je te, je te parle de trucs réalistes pour, euh, disons, la, la prochaine année ou l'année d'après. tu vois. Ouais. Je pense pas que je pourrais jouer le One Drop ou je pense pas que je pourrais jouer le. Le, le, le championship. Il y a peut-être plus de chances que je puisse jouer le one-drop que le championship d'ailleurs. Je sais pas. <laughs> le mini-main, il est pas mal aussi. C'est celui de Jérémy Saderne. Vrai, celui de Jérémy est pas mal. Ouais, c'est clair Toi, c'était sur le 888 que t'étais pas passé loin. Ouais. en vrai, tu vois, tous ces tournois, il y a plus à gagner que sur du Cassis Max. Donc, euh, c'est vrai que... Genre, le, euh, le millionnaire Maker, là, ou le monster stack. Ouais, c'était avec... euh, Hugo Pingré, là. C'était quoi celui-là ouais. C'était un million deux, c'était le monster stack. C'était un monster stack, est ça il était incroyable celui-là. Il était énorme. Ouais. Il emporte face à Joe McKeon, le futur champion du monde. Ouais. Joe McKeon qui, qui a des résultats les plus insane sur des gros fields. Ouais. Il s'en sort irréel. assez bien. Ouais. C'est irréel. C'est le docteur Bayard du live. Ah il, ouais. Il est là, hein. Quand il y a 2000 joueurs plus. T'inquiète pas. Euh, seconde paire plus backdoor euh, flush draw Bobby Joe qui choisit un sizing 50% du pot qui va pas nous faire fold évidemment. Euh, Est-ce qu'il va décider d'engager tout là Très étrange parce que c'est un peu trop bête J'ai trois bêtes du coup, c'est assez, assez bizarre. Ouais. ouais. Il va checker. Euh, je pense qu'on va protéger. On a peut-être de la value sur un 5 et 6 ou un 5 et 7, je sais pas trop quoi. Je pense que de toute façon, on a d'intérêt à protéger. Checker l'arrivée. Vu son sizing, on a vu son stack size, on n'a pas besoin de faire cher. Même si on avait deux as, pour en 4, Brunland 5, on voudrait faire sizing. Ouais, il va folle, il va folle. Il l'a joué un peu bizarrement ce coup-là. J'avoue, je suis pas convaincu. On est à la verribule. Attention, 5 places de l'ITM. J'hésite à open. On va pas abuser non plus. Allez, Moundir, fais-moi doubler. Oh. Ça va, hein, on, on se plaint pas. On se plaint pas d'être encore en vie et de prendre euh, les blindes directement. On prend, on prend. On prend tout ce qu'il y a à prendre. Oh le 8! Oh le roi! Oh, <laughs> le 8. Il n'a pas volé. pas <laughs> volé. 34 000, ça va. On le laisse à Marty. Bravo à lui. Attention à 6 contre 5 et 3 contre spot de vilain qui était très short et qui va pas améliorer. Euh, ok. J'ai toujours okay. tendance, toujours tendance à penser que même si on est tombé très short, après bon, il y a le play for entry quoi. Il a juste envie de, de re-enter directement et de pas se faire suer à remonter un stack en partant de 5 blindes, mais il est quand même une très très mauvaise main pour partir à tapis. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'on peut, on peut, on a l'option de repartir tout de suite à 80 blindes dans un passe euh, tortillé du cul pour chier droit. Et on y va. <laughs> c'est la bulle. Ça y est, main par main directement sur ce 5 euros qui sera notre premier item De toute façon, on a déjà récupéré plus de 11 euros de bounty. On était dans nos frais. Mais euh, ça fait toujours plaisir d'aller voir déjà une première bulle pour ce soir. On trouve un Nas à la river contre euh, Daffy Duck sur le top of the pock. Poc, poc, poc. I bluff, euh, roi, 8, 6 et 4. Où trouver des cours théoriques de poker, bras Louis bah, Sur euh, winmax.fr, tu as euh, toute une section qui s'appelle la Poker School. Tu peux également trouver nos vidéos dans la, sur notre chaîne YouTube avec euh, plein de tutos de pros. C'est des vidéos de, de conseils qui ont été réalisés par tous les, les teams pros depuis des années maintenant. Tu peux regarder aussi les dans la tête d'un pro les replays des émissions Top of the Pock. Euh, dans lesquels tu apprendras beaucoup de choses, des stream -gang également, puis après il y a des sites comme Kill Tilt euh, sur lesquels tu as des vidéos disponibles gratuitement pour t'aider à, à débuter et à progresser, ou euh, également des forums de poker, euh, Wam-Poker.com, le Club sur lesquels tu pourras échanger avec plein d'autres joueurs et, euh, et chercher à progresser. En tout cas, il y a énormément de contenus gratuits qui t'aideront à théoriquement dès le début, à avoir de solides bases pour pouvoir après, bien sûr, pratiquer, car la théorie c'est bien, mais la pratique c'est très important au poker, et euh, déployer tes ailes, découvrir ton style, et euh, peut-être devenir un très bon joueur de poker, comme euh, les invités de cette émission, euh, Guillaume, premier du nom. Double belly buster avec backdoor flush draw, ça c'est des mains que j'aime. Il n'y a pas de bounty, évidemment. Regardez ça, la shot straight flush. On a fait straight flush hier avec Kevin Zinzin. Donc, normalement, on doit en faire une ce soir aussi. La dame de carreau est appelée on the river. C'est intéressant parce que maintenant, il y a un bon side pot à bluffer avec notre auteur 10. Et c'est le cas. Et bien, auteur 10, ça gagne. Ça gagne, auteur 10. You. Un petit as valet, la bulle est passée. On est ITM, c'est officiel sur l'event 9. Et on a des profondeurs très shallow chez nos adversaires. Hein. Peu profond, peu de marge de manœuvre pour nos adversaires. Tandis que toi, tu as 90 blindes, tu es un peu plus détente, 2 average. Bon. Ça va partir à ta c'est du 4 max, hein. c'est complètement classique. Alors, on est tombé sur une très bonne main. 3, ça va être dur. Très dur. 0,0%. Pas évident. Pas évident, pas évident, ce genre de choses. Ouais, Il n'y a pas grand-chose à faire des deux côtés, c'est bien joué. Est-ce que vous entendez dans le micro les gens qui hurlent à côté de moi Non Non. Moi, je pas en tout cas. Tapis Avec moins de 10 bébés. Ok, allez, on va trouver un petit split ou un petit 4, par exemple. Non, oh non. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de chialer. J'ai envie de tout plaquer et de rejoindre Papa Johnny. Tristesse. Okay. On va garder trois tables pour l'instant. Euh, 22h23, je vais regarder ce qu'il y a au programme actuellement. Il faut lancer des tournois qui sont euh, à structure rapide, hein, pour pas se retrouver avec euh, des tables déconnectées. 22h15, c'était il y a 8 minutes. Est-ce qu'on peut le lancer, celui-là, juste pour le plaisir Oui, tu peux. Le, le trident à 5 euros. Le roi des tridents. Voilà. Attends, oui, c'est ça, il est 22h15. Oui, oui, c'est ça. Je, je l'aime, celui-là. Oh, oui, oui, il est vachement bien. Oh, regardez comme il est beau. Regardez comme il est beau. Parfait. J'ai ouais, euh, vu une question sur Twitch de Chase Effer. Coucou à toi. Est-ce qu'on a eu une chance de voir les mini de cette année sur Wina Alors, plus qu'une chance, hein, c'est même quasi sûr. Euh, le partenariat avec, euh, avec les WSOP qui est toujours d'actualité, on devrait pouvoir vous qualifier pour vous y envoyer et du coup on va en profiter également pour vous proposer un festival pour ceux qui restent à la maison avec euh, les buy au centième pour jouer les mêmes tournois online mais avec des buy in réduits à 1% avec un main event à 100 euros etc. On a déjà bust une fois, on va les compter hein. une fois. C'est pas fini. Et le, et le... Pour moi, celui qui win le Player Championship est le meilleur joueur du monde. Même Alex Luno avait ce bracelet dans sa ligne de mire pour lui. S'il y a un bracelet à prendre, c'est le Championship. Oui, bah, je comprends tout à fait, David. Bah, surtout que Alex on the Moon, Alex on the moon était un, un, grand, un grand spécialiste aficionado des variantes auxquelles il doit tout simplement toute sa carrière. Euh, en tout cas, une bonne partie de sa bankroll. Du coup, évidemment, c'est sûr qu'il avait le prestige de ce bracelet-là en tête. Et la bankroll pour jouer le buy-in aussi, hein, parce que 50K, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais moi, moi, oui, c'est vrai que perso aussi, ça me ferait un peu rêver comme toi, david Je suis d'accord. Euh, Shakiri, kiri, -Kiri j'ai pas compris. Est-ce que Winamax envisage de venir sur le marché CH C'est quoi le CH C'est... Euh, Autrichien. Suisse. suisse. Bah, c'est pas nous qui décidons. Hein. Malheureusement, c'est la législation suisse qui nous empêche d'opérer là-bas. fut un temps, où on pouvait. Mais après, ils ont ils ont cloisonné et fermé l'accès aussi de Poker.fr. Du coup, il faudrait que la Suisse rentre dans le, le marché. Euh, euh, aux liquidités partagées avec euh, la France, l'Espagne, le Portugal et euh, d'autres pays euh, peut-être bientôt, mais en attendant, n'est pas du tout nous qui sommes décisionnaires en la matière, même si on aimerait bien. Oh là, là 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 là, je faisais exprès de rien dire. <laughs> Bobby Joe, Bobby. Est-ce que la stratégie de jeu est différente en show one du coup Merci pour la réponse, bonne question de Marie-Guérault. Est-ce qu'elle est vraiment différente parce que c'est du oh. show one non, non, pas trop. Non, même pas du tout. C'est juste, à plus d'informations. C'est plus pour le côté fun que... Ouais, t'as plus va... d'infos, mais ça va pas forcément... Du coup, ça va... en fait, le fait d'avoir plus d'infos va influer sur ta stratégie contre certains joueurs. Ouais, voilà. En des infos en plus, mais toi, ta stratégie perso ne va pas changer. Surtout, Marie, qu'on ne choisit pas la carte qu'on montre, euh, c'est du hasard. Du coup, bon, pas grand-chose à, à, à en tirer. Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, tu c'est sais toujours qu'une carte. Donc, en fait, l'info que t'as, elle n'est pas non plus... Mm. Si incroyable. Bon, ça s'est mal goupillé là sur le l'evento 9. On était à 80 blindes il n'y a pas longtemps. On a perdu deux coups à tapis. Ouais. Bobby Joe, il nous a fait mal, Bobby Joe. Allez, on va doubler sur le tri dans une bonne nouvelle. Boom. Et un joli roi-valet de pique sur l'event 13 qui vient de démarrer. Était toujours bien hein, sur le top of the poke. Faut pas croire, hein, on a que 30 blindes, mais ça fait quand même 100 000. C'est pas mal, voilà. c'est très correct. On est toujours au-dessus de la bridge, tranquille. qu'il qu'il paire de valets tiens, pour euh, peut-être aller récupérer quelques pions chez nos adversaires. Est-ce que quelqu'un te couvre? Oui, Dodd Dance. non Dot Benz te couvre. Attention à lui. On a trouvé un as 5 off sur euh, l'event euh, 9 et sur le trident. On a trouvé Open Ended et maintenant Flush Draw Backdoor, à hauteur 10. Et on va se prendre le plaisir de, de miser. Steph Fred qui a open 5 big blind. Étonnant avec euh, 15 blindes. Bon, il nous signifie qu'il compte partir à tapis. Mais je ne sais pas si 5 BB, c'est optimal dans ce spot. Il va payer avec As-9 off en tout cas. Pour l'instant, pas de bonheur pour lui. Voilà, monsieur. Oh non, Qu'est-ce qui s'est passé Et de deux. deux. On, a, on a bluffé notre Roi-10. On s'est fait catcher. Aïe, aïe, aïe. Taber, c'est ma bébé, qu'est-ce qu'il dit Eh hey, Volata, on s'est joué en live, apparemment c'est un dans le chat du Top of the Pock en 2017, mais c'était sur quelle table C'était sur le Sismix, le WPO, c'était où En 2017. Ouais, ouvre le chat du Top of the Pock, on va voir ce qu'il t'a dit précisément. C'est joué en live, Roll, Winamax, Grenoble, Ah oui, le Whippity. Ah. Grenoblois donc. Bah, là, je ne suis pas sûr que la BR de Guillaume soit, la, soit ta bébé. Et ton tapis, en revanche, euh, il n'est pas énorme non plus. Hein, donc euh, fais un effort. Fais un effort, ta BR, ma bébé. <laughs> École de poker évolution masterclass marche pas dans Poker School. Oui, oui, il y a pas mal de trucs qui ont sauté parce que la technologie euh, Flash est devenue obsolète. Je ne sais plus si c'est Flash ou Java, j'oublie toujours. Je crois que c'est Flash. Mais... Euh ça va revenir ouais c'est flash je me confirme Pierrot dans l'oreillette du coup on a plein de trucs mais du coup on est en train de travailler pour les remplacer justement pour vous proposer une nouvelle euh... une Poker School toute belle toute neuve ça va venir ça va venir vous inquiétez pas tant que vous. ouais et ouais bah c'est des choses qui arrivent Pierre qui est arrivé complètement sous le la veille. <laughs> pas de chance Aïe, 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 il a dû se faire taper dessus par le, par le coach. Non, c'était pour un free T'inquiète pas. Ouais, attention quand même. Il a peut-être vomi sur, la, sur ses adversaires. <laughs> ouais, <bon. rire> Florian, qui nous pose la question, pourquoi voit-on la meilleure carte du joueur qui remporte le coup sur le Summer Shot 6 Max 20 euros de 22 heures bah, Il est à l'écran, c'est en bas à gauche, parce que c'est un tournoi show-one. À chaque fois qu'un joueur remporte un coup, quelle que soit la manière dont il a gagné le coup, enfin, euh, si c'est aller au showdown, down bah, de toute façon, on voit ces deux cartes, mais s'il l'emporte sans aller au showdown, même pré-flop, même sur un walk, quand tout le monde fold jusqu'à la big blind, il bah, y a une de ces deux cartes qui est automatiquement révélée. C'est le principe du show-one, tout simplement. Bah Voilà, Florian, je t'ai répondu. Ah, c'est ça, CH, c'est Confédération Helvétique. Ah, ok, merci. Euh, c'est pour ça qu'on dit CH. Merci, bravo Nadia. Non, ce n'est pas ouvert euh, en Suisse. Non, 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 ce n'est pas ouvert. Il y a des Allemands qui sont en train euh, justement de, je crois, de réfléchir à rentrer dans le processus de, de partage des liquidités. ou bon, En tout cas, Winamax va peut-être. Euh, je crois que Winamax a ouvert en Allemagne, va ouvrir pour le betting. Les Belges, ils font quoi Ils font un truc de leur côté. Ils continuent de leur côté. Ils veulent pas se ouais, mettre dedans. C'est point BE, mais euh, je sais que les Pays-Bas réfléchissent aussi au partage des liquidités. Donc les Belges vont peut-être finir par venir avec nous, mais ils ont une loi à eux, les Belges. Ouais. C'est un truc ouais. très spécifique. Bon, après, les Belges, c'est tellement de bordel euh, dans leur gouvernement que j'imagine. Oui. Pour changer une loi. Ouais, euh, c'est ça, c'est ça. ça que les enfin, en même temps, euh, oui et non, parce qu'au final, ils s'en sortent. Quoi. Ils réussissent quand même à finalement. C'est un peu aussi la preuve de l'inverse, parce que c'est la preuve qu'un tournoi peut. Ah, un, tournoi. un pays peut tourner sans avoir un gouvernement euh, constitué. Ouais. Mais en revanche, comme tu dis, les évolutions législatives sur les trucs un peu de fond comme ça, c'est peut-être compliqué. Ouais, ouais, ouais ça ne doit pas être leur priorité. Ah ouais, ce serait cool, hein, parce que ce n'est pas un gros marché pour, pour nous, ce n'est pas quelque chose qui est forcément important. Mais bon, la Belgique, ça reste un pays francophone dans lequel on serait ravi d'opérer euh, entièrement légalement et, euh, et de pouvoir proposer euh, aux joueurs belges de nous rejoindre. Surtout qu'on les a bien titillés pendant la Coupe du Monde 2018, ils se sont bien un petit peu vengés depuis. Bah, bon, ouais, non, et puis. Fin... Ouais c'est clair, il y, a, il y a une possibilité d'avoir un gros marché quoi, imagines, tu imagines, tu mets toute quasi toute l'Europe, ça peut vite ça peut vite être gros quoi. ça, a fait une collab avec un casino suisse et donc on peut à nouveau jouer sur PS et j'espère la même chose avec Winamax. Ah oui, ok. Euh, non, je ne suis pas sûr que ce soit prévu pour l'instant, Chakiri. Kiri, c'est pareil, hein. c'est des petits pays en fait. Il faut, faut que vous compreniez que pour que nous, on ouvre dans un petit pays comme ça, il faut que ce soit très facile pour nous de le faire et que ce ne soit pas coûteux parce que ce ne sont pas des gros marchés à conquérir. Donc euh, on ne va jamais faire des gros investissements, euh, ni en temps, ni en argent, pour rejoindre ces pays. En revanche, si demain on nous dit, bah, vous pouvez. Enfin, euh, désormais, les, les Suisses peuvent rejoindre, peuvent jouer sur Winamax. Bah, ça ne nous coûtera rien euh, qu'ils nous rejoignent. Donc, du coup, ce sera automatique. Mais euh, voilà, ce sera plus dans ce sens-là. On va pas faire des aménagements et des développements et des investissements euh, qui seront euh, coûteux pour, pour rejoindre ces pays-là. C'est comme pour le Portugal. On a mis beaucoup de temps à ouvrir au Portugal euh, parce que, bah, au final, ils nous refusent à les expresso par exemple. Du coup, pour nous, ce c'était pas un super euh, investissement que de devoir recruter des gens et des spécialistes portugais pour pouvoir simplement ouvrir du poker sans pouvoir jouer des expresso pour un tout petit pays. C'est des considérations comme ça qui font aussi ça, mais la plupart du temps c'est surtout des considérations réglementaires et légales et c'est le cas pour la Suisse et pour la Belgique par exemple. Euh, oula, ça s'est un peu excité là Halfpod qui a décidé d'envoyer un, une belle relance Sur cette river qui nous donnait top pair On va, on va give up, sans hein. kicker Il nous raconte qu'il a une quinte l'ami Halfpod Peut-être, ou deux paires supplémentaires Ouais C'est ce qui... l'histoire qu'il nous raconte On va lui faire confiance Merci à toi, Marie, merci à tous ceux qui sont avec nous. Hein. Vous êtes nombreux là, il y a plein de plein d'échanges, ça fait plaisir. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, on discute un peu de tout, on commence à discuter aussi, et ça, ça fait super plaisir des WSOP SOP qui arrivent. J'anticipe hein, immédiatement, pas de nouvelles du côté des lives de Winamax. Ça commence à sentir un peu le roussi pour 2021, ce sera sans doute en 2022 qu'on se retrouvera. Voilà, Adopt Dance cette fois, c'est une élimination pour lui, et toi, tu passes énorme, hein. 57 blindes sur le privé, là, premier de nouveau. On va aller se gagner ce petit privé là, on l'a jamais gagné, euh, c'est pas normal ça. Il faudrait, il faudrait. Alors voilà, on va à ça. Eh mais t'es es à la bulle là en plus hein, c'est pas ouais. mal du tout. J'ai <laughs> envie de jouer contre des Teutons en sandalettes, bah rendez-vous sur les plages de France. Hein, si vous voulez taper le carton avec eux, ils seront là comme chaque été. Nos voisins germaniques et leur plus belle tongs euh, tong chaussette chaussettes qu'on aime tant. Difficile de critiquer les touristes allemands parce que les touristes français, c'est quand même les pires au monde. Du coup, euh, bon, on les aime. <laughs> Guillaume va faire monter le price pool du trident. Bah, finalement, non, ça s'est un peu calmé là. On n'a pas mis de, de troisième balette pour l'instant. Enfin, si, on en a pas mis une quatrième plutôt. Ouais, ça peut-être pas mais... tarder. Je vous rappelle sur le top of the pack que le Bubble Boy, celui qui terminera euh, 39e, remportera un ticket à 10 euros. Préparez-vous, les amis euh, qui sont shorts là, il va falloir se batailler pour ça. Y aura-t-il un double SOP Ah voilà, tu vois, j'ai anticipé. AIM 10-20-01, y aura-t-il un double PO un Dublin cette année Non, ça va être compliqué. Je ne peux pas vous garantir à 100% qu'il n'y en aura pas, mais en tout cas, c'est n'est pas favo du tout. Outre le temps qu'il faut pour l'organiser dans des bonnes conditions, pour aussi inviter tous les joueurs, préparer tout de manière optimale, il y a aussi l'incertain, le... Bah, le... Hein, tout simplement. On n'est jamais à l'abri d'une quatrième vague ou de nouvelles restrictions, etc. Et on ne pourra pas se... On ne va pas s'amuser à prendre le risque d'organiser et de mobiliser toutes les forces qu'il faut pour organiser un event comme ça, euh, pour finalement devoir l'annuler deux semaines avant, comme on, avait, comme on avait dû faire pour la finale du WPT à Espagnol à Madrid. Ça nous avait déchiré le cœur. On avait même des gens du staff qui étaient déjà sur place euh, à Madrid et euh, à qui on avait dû dire Bon, bah allez, c'est pas grave, les gars, faut rentrer, c'est fini, il n'y aura rien. C'était horrible. On a fait quinte, bravo sur le Trident. Il y a pas mal de rois, mais bon. pas de temps non plus. Ouais. GG et sur le marché belge, absolument. J'ai vu ça. XS, ouais. ils viennent d'arriver. De... Bah, écoutez, pour l'instant, ils n'ont pas obtenu d'agrément de... auprès de NG en tout cas. Mais on verra s'ils si, euh, débarquent aussi sur le marché français. Ce sera intéressant. Waouh, notre adversaire qui nous dit qu'il a clairement un roi ou mieux. On va lui faire confiance. On est croyant, on est croyant. <laughs> Tout le monde me demande s'il y aura un WP cette année, du coup. Je, je l'avais bien senti venir. <rire> <Ouais>. <rire> belle, euh, belle anticipation. Ouais, je ne savais pas, hein, pour le coup, euh, de PS en Suisse, mais intéressant, du coup, Nefarius. Mais voilà, bah, je pense que j'ai répondu aussi là-dessus. au trois bêtes contre Klegan. Klegan, c'est quoi C'est Game of Thrones, ça, Klegan. La montagne de jetons. Et il nous montre un roi, voilà, ça c'est des petites infos, on pick up comme ça, s'il nous avait montré un 6 de trèfle, bon bah, c'est pas les mêmes infos que quand il nous montre un roi. On est tombé bien bas, hein, à 383 restants sur le l'event 9, moins de 20 blindes. Ouais, on n'est pas très très frais. On n'est pas très très frais, mais bon... Ouais, tout à fait, Florian. Euh, c'est pour ça que ça s'appelle Show One. C'est fun dans un sens. Bon, c'est ça, en fait. C'est pour rajouter un petit peu de fun euh, supplémentaire. En fait, ça, c'est des tournois, vous voyez, pour ceux qui monotables ou qui ont peu de tables quand ils jouent une session. Donc, pas pour les, les réguliers qui jouent euh, 10 tables en même temps. Mais eux, ça leur rajoute du fun. Euh, Peut-être même un peu plus de fun que sur un, un tournoi classique par rapport à un, à un régulier. C'est qu'ils euh, auront cette information en plus qu'ils pourront s'amuser à voir à chaque fois, à noter, etc. C'est pas inintéressant. Ça change pas grand-chose, finalement. Mais vous avez un petit peu plus d'infos, à vous de vous en servir. Et euh, pourquoi pas, si ça peut augmenter votre plaisir de jouer, bah tant mieux. C'est le but de ces variantes aussi. On a trouvé les nuts, hein. Del Turn sur le Trident. T'as checké pour essayer d'attraper un petit peu Léon. Léon TGN. Et on lui envoie une belle banderie là. On a size up sur la river, 6,5 dans 8,4. Le prix est cher, il va passer. Dommage, on revient à 18 blindes. Dommage, dommage. Bonsoir Ponspé, peut-on jouer du Cambodge bah, J'imagine que oui, mieux normal, puisqu'il y a toute la villa de notre serre qui était et qui est en camp. Je crois qu'ils sont toujours au Cambodge, donc a priori oui. Je ne connais pas la législation de chaque pays, mais euh, si, euh, si notre serre a sa villa là-bas, c'est qu'ils avaient étudié la question avant et qu'on peut jouer au Cambodge tout à fait. On est pas mal avec As-Dame sur Dame, 9-6 avec trois trèfles, les lasses de trèfle en main. Euh, je ne m'attendais pas à un check raise de Sacha Kim, alors qu'il lui reste 12 blindes derrière. On ne va pas folle, évidemment. Je m'attendais pas à ça. Il va tout mettre, euh, j'imagine Sacha, s'il est cohérent par rapport à son check raise. Va les 10 qui est rentré éventuellement dans ses bluffs, va 10 avec un trèfle, par exemple. Allez Sacha, allez, allez Sacha. Je, je, Sacha. Il n'avait pas menti, c'était ça, les mains en value, on l'avait bien compris, hein, qu'il avait des, des flushs en value ici. Ouais les seules mains qui nous battaient, mais euh, dommage, on n'a pas trouvé notre cinquième trèfle. On tombe du coup à la moitié de la moyenne. 20 blindes pour 45 BB d'average. Toujours chip leader sur le top of the POC, avec un joueur à tapis en étant absent, l'ami Rafik. Ouais, on a tenté un petit, un petit 3-bet euh, proche bulle, mais c'était un peu ambitieux. On se fait kiffer. Hey. Ah, il avait autant hein. ouais, hein. Il s'est fait kiffer avait... aussi. Il y avait moyen de le faire folder, mais, mais il en a décidé autrement. Mmh, ouais, bulle exacte. Ah, c'est pas encore la bulle exacte. Ouais. C'est à la bulle exacte que faut que, faut que je me dise que c'est plus la bulle, quoi. Il ressemble à Sardoche, Guillaume, ah un non. peu. Oh non, pas du tout, DJ Ponzi. Il est quand même beaucoup, infiniment plus beau que Sardoche. Oh. Sardo a beaucoup de qualités, mais le physique n'est pas son, sa première qualité, quand même. <laughs> ouais, il n'est pas, pas moche, hein, mais bon, tu es quand même bien plus beau que lui. On ne va pas comparer. C'est gentil, c'est gentil. Je, je prends le compliment. Le jour où le 6Mix revient, je veux faire une soirée non alcoolisée avec Guillaume et toute la team. Ah bah, le jour où le 6Mix revient, je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de soirées non alcoolisées, David euh, qui baille. Hein. Là, je t'assure qu'on va, oh, va, ouais, va leur faire payer. Hein. <rire> <rire> Léo ZDDBN salut pour Spay Guillaume pour info Clegane9 sur le Summershot est aussi un bon joueur qui est sur PS bah après il a peut-être le même pseudo ouais Clegane9 j'avoue s'il y a même le même chiffre ok bon on prend l'info merci Léo euh, il a l'air d'avoir des jetons en tout cas le, le bon clégan The Raven c'est sa soirée deuxième quiz remporté consécutivement incroyable Au revoir oh, toi 18 blindons, on se maintient cette paire qui ne nous a pas rapporté grand-chose sur l'Event 9. Non, on a du mal à remonter. Allez, je vais vous faire un autre quiz. Je sais qu'il y en a qui doivent être jaloux de, de la réussite de The Raven. On va faire un autre quiz, comme ça vous aurez une chance vous aussi. Je vous parie qu'il fera pas le triple. et points d'exclamation quiz, vous êtes plus dans La réponse, à quelle place a terminé Kevin Zinzin sur l'event 6, hier, c'était en direct sur euh, l'antenne de euh, Winamax TV, en plein top of the pack, il a bien dit « run » sur 2500 joueurs. À quelle place a-t-il terminé précisément Point d'exclamation, quiz, QZ. -quiz plus loin la réponse sur l'event numéro 6 des Summer Series. Tapis, directement, on a pris l'option la plus agressive avec notre énorme bounty. Et si c'est cette suite, ça passe, les jetons commencent à valoir cher. Hein. Les bounties, évidemment, euh, ne pèsent plus si lourd. Mais ton bounty il vaut combien là Il vaut 6,70, donc il vaut un petit 30 000 quoi, quasiment. C'était quoi le truc de départ C'était 1,50€ du coup Ouais non, il vaut 50K, il vaut 50K hein, jetons, comme ça. Par lui il m'en fout, il m'en fout. Mais je ne vais pas folder, je crois, il fait n'importe quoi depuis tout à l'heure, il fait que des dons bêtes, je ne peux pas folder. Je ne peux pas folder. Et ah puis pot, pot size bet. Ouais, tout à l'heure, il a fait pareil. Il fait pareil depuis tout à l'heure. Bobby Joe. Ouais. Soit, soit à chaque fois il fait top pair et il tombe bête pas top pair, mais là, là, je veux pas le croire. Ah, en tout cas, il l'a fait une fois où il a give up après, contre toi dans ouais, un ouais, spot ouais. 3 bête là. Ouais, ouais. non, je pense que je pense qu'il fait des trucs un peu chelous. Ouais, voilà. <laughs> quoi ouais, Je pense que depuis tout à l'heure, depuis déjà, j'ai eu deux, trois spots où je voulais le hero call mais j'avais vraiment rien. Mais, mais, genre, mais Bobby, euh... <laughs> qu'est-ce qu'il fait, Bobby Oh, oh terrible 8 bah ouais. et 9 Bobby Joe Il m'a pris tous mes jetons hein, Depuis tout à l'heure Il a gagné tous les pots contre moi ah bah Du coup c'est peut-être euh, le, peut le poker 2024 hein, Qui te propose Ouais euh, Je vais chauffe directement ici Il ah, y a des beaux bounties Chez tes adversaires d'ailleurs On a pris un petit As-10 Contre as 3 Contre Léon là On a trouvé le 10 Ça fait plaisir Ouh le brelon Ouh le brelon le 3-bet As-Valet. Attends, regarde le brelan d'abord. Bah, il est à tapis déjà. On va prendre le bounty. Ça fait plaisir. Euh, J'ai failli me jinxer. Hein. Le 3-bet à As-Valet, c'était bluff ou value Parce qu'en bluff, ça me paraît un peu fort et en value, un peu faible. Pour 3-bet versus raise. Under the Gun nous demande Madovsky. C'était sur quel tournoi, ça C'était sur l'event le... 13, non Oui, oui, il a 4-bet chauve, Klegan. Ah ouais. Euh, oui Boum, le gros bounty C'est un 3-bet en value. Euh... En value, quand même. Ouais, un... Tu peux considérer ça en value, tu te fais payer par, des mains, par certaines mains. C'est ça, parce que ce qui, de... par as ce, qui, ce qui est contre-intuitif, c'est que ce n'est pas parce qu'on 3 bet en value qu'on n'a pas le droit de 3 bet fold. Parce qu'en fait, quand on 3 bet en value, le but, c'est de valoriser contre certaines mains qui vont nous payer, comme des as inférieurs ou des, des mains qui vont, euh, qui vont avoir une équité qu'on pourra deny post-flop. Mais c'est pas pour autant que euh, quand on 3-bet fold, on n'a pas le droit de 3-bet en value en fait. C'est on a le droit de fold quand on estime s'être isolé contre un morceau de l'éventail adverse qui domine trop notre as-valet, tout simplement. Ouais, un truc qui est pas intuitif pour la plupart des gens, c'est que c'est pas parce qu'on se fait payer par as-dame et donc qu'on est en train de se value cut contre certaines mains, oh, qu'il faut pas qu'il qu faut pas le faire quoi. Ouais. C'est un peu c'est un peu la même chose post-flop. Il y a des fois. Où il faut miser en value, même s'il y a une partie de la range contre laquelle café. on perd. On Parce accepte que... de ce value cut, euh, absolument. Ouais, Et GG à TopKika, qui fait euh, la bulle. Bravo à toi, mon, mon grand TopKika. Hop, on va demander ton ticket à 10 euros tout de suite. Et après, je vais aller tirer des Lucky On Pour avoir des tickets à 5 euros. Alors, qui on va prendre On va prendre Wolfie871. C'est pas Wolfie. C'est son frère. On va prendre Ratjegius, mais t'as gagné toi déjà hier en plus, chatard On va prendre Binu, 72. Il y en a, je sais pas comment ils choisissent leur pseudo, putain. Et enfin, Vaccinity. Ah, c'est... Attention, pas de débat. Vaccinity. au pif, ne vous lancez pas dans un débat, sinon ça va barder. Bon, bah on est super bien remonté du coup sur l'Event 9, on est toujours en tête sur le top of the pock et euh, toujours en place, à défaut d'être bien sur euh, l'Event 13. Le trident, euh, bon, c'est un trident, on rien à dire, on verra, on verra plus tard. Ouais, je vais faire un chauffe peut-être un peu lousis là, à la bulle, mais bon. Ouais, c'est la bulle, là, c'est ça, c'est ce que je vois là. c'est ouais, euh... la bulle, ils avaient 6, 7 bébés deep, euh, j'ai chauffé 6 et 8 off au bouton, ce qui est très très loose, mais alors, entre le facteur bulle plus le chaos, jouer pour le chaos quand il paye, je pense que c'est ok. Des rumeurs disent que Patrick Bruel est parti de Winamax, c'est vrai. Non, non, ce n'est pas des rumeurs, c'est juste qu'il y avait eu des articles où il expliquait qu'il avait vendu une partie de ses actions, puisqu'il faisait partie des fondateurs du site, mais euh, il est toujours dans le team Winamax, et euh, de toute façon, étant parmi les fondateurs du site, il n'a jamais eu le droit de jouer sur Winamax.fr. En revanche, il est toujours membre du team et représente toujours les couleurs de Winamax. Bah, le roi qui ne jouait plus, on ne jouait que les trèfles sur le, le tournoi privé. Donc euh, ce n'est pas des rumeurs, mais ce n'est pas non plus une info très intéressante, quoi. Je ne vous cache pas que en 4 ans, je bosse depuis 4 ans à Winamak, je n'avais jamais vu Patrick Bruel dans les locaux. J'avais juste croisé à Dublin quand il était venu faire coucou au WPO, c'est tout. ça ne change pas grand-chose qu'il ait vendu certaines de ses actions. Oh Et elle est toute belle. Toute belle flush. Je vais à jouer Ricky. Un 10, ok, intéressant, qui fait, euh, qui ouvre des, des tirages quintes, peut-être des combos de roue même à notre adversaire, s'il si a la dame de carreau, par exemple. Qui tirait vers les notes et vers la quinte, désormais. Ouh, on est mal tombé, Allez. le 6 Oh, dommage. Allez, 25 blindes au milieu, avec notre flush flopé, un As qui double à la river. On peut espérer que notre adversaire aurait barré le Delflop s'il avait trouvé deux paires pour se transformer en full maintenant. Le virus qui est peut-être derrière, quand même assez souvent. Ouais, on est chaud à de se faire payer là. checker pour le laisser peut-être tourner en bluff un 10 et laisser value lui-même un As. Mais j'ai peur qu'il, qu qu des fois, ne value pas un As. Donc... Écoute, on, on se maintient à 56 bébés, ça fait plaisir. Un bon. 7, un carreau, un truc Voilà oui. Quand même Quand même Too many outs. Non oh. Je voulais inscrire ça sur mon CV. Très bon, je touche du bois. Il voulait t'éliminer. L'achievement, <coughs> Ce sera un pour le prochain. Ouais, je suis en train de m'étouffer. Meurs pas, meurs pas. Un 7 Oh oui Ouah, Bien joué. Bien appelé. <laughs> J'ai plus de voix, mais j'arrive encore à trouver les outs. Allez, un bounty. Putain, mais t'as un... vu as la gueule de ton bounty, là, sur l'event le... sur 9 C'est un 5 euros, quand même. Ouais, hein. <laughs> J'avoue. C'est monstrueux. Ah, oh, mon Dieu. Euh, event 9. T'es même pas le premier en prime. Euh, ouais, sur, sur, sur des 4 max, ça, ça peut. Ouais, ça ouais, peut ouais. Se... Il y en a qui ont plus taffé qu on que toi. Ouais, même pas ah, il a... il a lipé 2 as et il a checké deux fois. Ah, waouh. Il a osé faire, ça. Ah, ouais, je crois que personne ne bluffe ça. Quoi. <coughs> ah, attention, il va y avoir un spot pour le CV. Peut-être pas, en fait. Allez, à tapis avec 4 3 suité contre Léon qui a décidé d'open avec euh, 6,9 blindes. Mm -hmm. Il est temps on de se poser pas. la question là de ce qu'on fait. Oh, okay, <laughs> les... wow. C'est une meilleure main à chauffe, ça, monsieur. 6 ah, bon. Oh. Bon. Bravo à lui, bravo à eux. On sera quand même ITM. 7 euros, on peut laisser cette table. Il y a une dernière table qui va se lancer à 23h de toute façon pour notre soirée euh, Summer Shot et on est à 20 left. Du tournoi Top of the POC, Ça commence à être du concret. Euh, déjà deux items avec ce trident. Trois items. Trident, Top of the POC et Event 9 que vous avez en haut à droite. On est déjà dans les places payées. Un petit peu plus loin du compte en revanche sur l'Event 13. Et malheureusement, la, la table la plus chère de la soirée, c'était le 50 euros. On s'est fait euh, exploser, entre autres par euh, la coéquipière Léo Marguetz. Mais là, le Capadoc, il est deuxième du, du 5 euros. <laughs> Attention! Il est là avec un Effectivement, le vainqueur du King 5. Enfin, aussi, qui est à 8 hein, le membre du Stream Gang. Il y a deux membres du Stream Gang dans le dino top 10, ça fait plaisir. Et oui. toi qui est pas trop mal également. Oui. Alors, Open Ended contre O Label Vie. Vie. Putain, vous étiez 5000 hein, dans l'event 9. Hein. Ça va ouais. ouf, à toute vitesse. Ouais, ça a bien à faire. Ça, je pensais pas que c'était possible qu'il y ait 5000 joueurs. Euh... bah enfin, c'est un ouais. 5 euros, donc euh, on met le petit billet. On sait que c'est des structures un peu rapides, du coup, ça fait plaisir. Et puis, si on bosse, c'est pas bien grave. Ouais, non, mais je pensais même pas qu'il y avait. Enfin, tu vois. Je pensais pas que sur le site, ouais, en ouais. ce moment. Il y a avait 5000 joueurs. Bah, le... Ouais, c'est uniquement parce qu'il y a le festival, quoi. C'est sûr que la semaine prochaine, tu les. Après, euh, franchement, euh, je dis ça, sur le sud euh, contre le reste du monde, euh, on doit pas être loin de ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais c'est vrai. Sud versus reste du monde. Ah non, 2500. Alors que c'est un, un, un 2 euros. Donc, non, quand même, tu as raison, ça fait beaucoup 5000 en ce moment. Ah, je regarde les derniers jours, la fièvre, au genre en semaine, je crois que c'était 15 000, 18 000, 20 000. Genre. Ouais. Euh... ouais. Coucou Anthony Gilles, des bisous, mec. On joue les Summer Shots. Trois tables left sur le Top of the Pock. On va partir en break dans deux minutes. Il y aura un nouveau quiz pour vous dès la reprise. Ah ben non, il y en a déjà un en cours, qu'est-ce que je dis Bon, on tirera au sort au début de l'heure prochaine et je vous en ferai une autre. Bravo à tous ceux qui ont gagné l'étiquette sur le tournoi privé. Ils ont déjà été crédités. Il y en a un qui va encore en gagner un. C'est celui qui parviendra à t'éliminer. Et si personne ne t'élimine, j'en donnerai un au deuxième et j'en donnerai un au dernier. <laughs> au dernier Uniquement dans ce cas. <laughs> quand les prochains Winna Series flow c'est toujours la même chose hein. c'est janvier avril septembre le premier dimanche du coup ce sera à partir du dimanche 5 septembre sur winamax.fr open show direct avec As9 off ici et un spot qui se dessine sur l'event 9 car on a trouvé top pair on a double belly buster également on joue les 8 et les dames sur le top of the pot pour faire quinte on va payer payer le 5 qui ne nous arrange pas. Je sais pas si contre SB, je n'aurais peut-être pas dû checker. Mais bon, une fois qu'on est là... <coughs> Il y a une vie vieille dame valée. Je ne peux pas folder. Ouais, wow. dommage. Il y avait deux dames. Potrap, Potrap. Ouais, je peux peut-être checker au flap, mais j'ai l'impression que c'est quand même cool de mettre de la pression sur des 9-7. Il s'est mis bien sur ce coup-là, hein. 36 bébés. Mais ouais, ouais j'étais 6... deuxième, il était troisième, je crois. Donc... Ouais, euh... bah, il passe chez Pidor là, effectivement. Oh, le mégalodon qui va s'incliner à se valer contre As3, c'est gagné. Un petit pot et un bounty de plus pour Guillaume. On part en break pour 5 minutes 30 et on revient juste après pour continuer cette session sur les Summer Shots. Vous restez avec nous, j'ai encore des tickets à vous faire gagner et surtout, on va encourager Guillaume jusqu'au bout de cette session sans alcool mais sans modération. A tout de suite. Allez c'est reparti pour la suite de Stop of the Pack sur les Summer Shots. Ça peut aller très vite pour cette dernière heure euh, d'inscription, dernière heure de tournoi. l'event le, 14 vient de se lancer. Le déglingo à 5 euros 3 max. Ça va être euh, un régal. Et euh, effectivement Diane Bobo 31 qui me dit il y a les championnats du monde de trap trap sur l'équipe. Alors je suis sorti de la pièce où je stream pour découvrir ça. Il y a effectivement les championnats du monde de chat sur l'équipe. Euh, on est quand même de la, dans de la grande discipline sportive. Euh, je suis champion du monde de chat. C'est-à-dire que le gamin à 5 ans il était fort. Il s'est dit je vais en faire ma carrière. <laughs> Mais pourquoi pas oh, Quinte c'est bien Oh non on peut même pas quinte, prendre un jeton bon. dans cette affaire bon, On a pris un tiers denté ah, On a pris pas mal On a commencé la main avec 2.4 On finit avec 3 C'est hein. <laughs> ça bon. Alors, on, a pris, on a pris un tiers des dentés absolument C'est mieux que rien C'est mieux qu'un a... qu coup de pied au cul <laughs> euh, les petit quiz pour l'exclamation quiz plus loin, la réponse dans le chat de winamax.tv pour vous faire gagner des tickets. Est-ce que le quiz en cours est terminé Pas du tout. On va on va tirer au sort dans quelques minutes. Euh, je vais trop vite en besogne. Euh, mais après, je vous fais un quiz. C'est premier, on va vous faire gagner des chtons. Oh. Euh, des tickets avant de gagner des chtons. On commence par le ticket. On a trouvé un beau full contre Sacha Kim. Cette fois, c'est terminé pour Sacha. Pour Sacha. Qui pourra encore se réinscrire. On est dans le dernier niveau d'inscription de ce, cet event 13. Show 1 à 20 euros, si je ne dis pas de bêtises. ouais Et on se retrouve en Big Blind à 13 left sur le Top of the pot avec 10 et 3 off et 1,2 bébé derrière. C'est un bon flop sur le déglingo. On accepte. Euh, ben non, je peux pas folder, hein. J'ai oh, C'est un bon flop aussi euh, sur l'Event9. Oh, bah, bravo pour le Top of the pot, C'est terminé. Je ne <laughs> sais pas comment on s'en sort là. <laughs> Adieu. Il falloir être très fort sur la Turn et la River là. Vraiment même Drose déjà dead contre Flush oula ah bah c'est le cas bravo à Pigeon Signo qui nous élimine GG GG et on prend 10 balles quand même 5 buy c'est pas mal c'est pas mal euh, Pigeon Signo il est où avec un J je l'ai vu hop là voilà Pigeon Signo 37 qui va prendre le ticket à 10 euros né à la barbe de tous les joueurs restants demi-finale bonne chance à vous les amis Oh, t'as réussi à trouver flush en face incroyable pas mal c'est pas mal on a joué un peu tricky ça a payé ça a payé Allez, du coup on a une table en 3 max une table en 4 max et une table en 6 max ça va aller très fort très vite mais on est ultra bien sur l'event 9 à 200 joueurs restant 72 bébés pour en average déjà 42 il y a du beau monde dans le field encore ça peut être passionnant, ça peut nous tenir quelques heures encore en haleine et on ne demande pas moins. Ah c'est un déglingo mais non chaos en revanche. OK. Ouais. C'est pas mal. C'est pas une structure trident du coup. C'est vraiment une structure déglingo à l'ancienne. N'hésitez pas à continuer à poser vos petites questions dans le chat, dans les différents chats. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Merci à ceux qui nous rejoignent. Ça fait plaisir de passer ces petites soirées d'été en votre compagnie, les amis. Je vous ai promis un quiz. On va le faire dès à présent. Point d'exclamation quiz êtes Plus en la réponse dans le chat de winamax.tv. Uniquement dans ce chat, s'il vous plaît. Ne répondez pas ailleurs. Et dites-moi qui a gagné le Purple hier. C'est vrai, ça. Qui a gagné le Purple hier eh ben, Dites-le moi dans le chat de Winatv pour gagner peut-être. Un ah, des 5 tickets à 10 euros mis en jeu sur cette question pour pouvoir vous, vous payer quelques shots, vous aussi, quelques summer shots euh, ce soir ou demain. Voilà, plutôt demain, du coup, parce que c'est un 5 euros le dernier. 860 joueurs restants. Les inscriptions sont terminées sur euh, l'event 13. Il y aura 205 joueurs ITM. On est encore très, très loin du compte. A noter un très très beau bounty au-dessus de la tête de Guillaume sur l'event 9 qui a déjà bien fait le boulot. Et euh, il reste encore quelques joueurs à éliminer avant de pouvoir prétendre aux hmm, 2000 euros Trôle. et quelques de la victoire. Hein. Il est beau, il est beau. Pour un 5 euros, c'est pas mal. Ouais, c'est sacrément beau. Franchement, je, je pense qu'on ne le fait pas, mais il faudrait envoyer des petits shots. Euh vainqueur, tu vois. Un petit shot avec marqué euh, le nom du tournoi ou juste le. Non. Ouais. Ça c'est les, les petits accessoires pour brague en société après. Ouais carrément. Ça ça vous même... un, petit un petit coffret de 7-8 shots que tu peux sortir. Bah oui. Ouais ouais ouais. Ou juste un shot, ça te fait card guard quand tu le ramènes au WPO, c'est pas mal. <laughs> Limpen show de Don sylve intéressant sur le sur le Deglengo. Tu peux peut-être ouvrir euh, le, le ton la privé pour suivre un petit peu la fin. Ah, ça ouais. te comblera l'écran. Et puis comme ça on aura la TF quand ils seront plus que 7. Pour l'instant, ils sont 10. On va suivre Burger Squeeze, tiens, celui qui t'a fait du mal un peu. Ouh, un bien bel asroi. Macbulu qui a décidé de juste payer au bouton. Et qui va payer notre relance à 4,5 blindes. On trouve notre bonheur sur le turn, un beau roi. Coucou Mec Iléon, comment tu vas Des bisous Mec. Sirius qui part à tapis pendant ce temps contre Az 9 et Valet qui a trouvé Flush Draw et qui va te transformer en Flush River. On n'est plus que 8. C'est la bulle de la table finale sur le tournoi privé. On va la suivre. Wak Legan qui fracasse. Père contre Père de Roi contre moi Et ça fait foule en plus. Et toi, tu as trouvé presque quinte, mais ça suffira pas pour gagner le coup au showdown. On va quand même faire croire qu'on a quinte. Voilà, c'est ça l'idée. <laughs> non, pas qu'on a quinte, mais qu'on a un 10 ou un 9. Contre Tech My Chips, ouais, qui avait un 10. C'était plus dur. C'est un Risty à tapis en small band avec Valet Dame suité contre Mr. Society. Qui va fold Tu peux ouvrir la TF euh, car elle vient de se former sur le tournoi privé. Bonne chance à tous les 7 du coup. Euh, elle n'est pas encore... Euh, ça y est, c'est bon. Euh, L1, DSI, Karim Marocco, Pigeon Signal, Little Angel, Ola V Burger Squeeze et Infinic Cake. In, Infinic Cake. Ok, chip leader officiel avec 1 million de Combien à gagner Il y a un petit 80, 90 balles à gagner quand même. C'est beau pour 2 euros sur un tournoi qui a duré 1 euh, et 30 Ça fait plaisir. Il y a même un championnat du monde de cache-cache. Ouais, le vainqueur en titre, ça fait 15 ans qu'il n'a pas été retrouvé, c'est ça. C'est Michael Jackson. <laughs> ouais, oh, Clegane Oh, Clegane qu'est-ce qui s'est passé Il venait de prendre un pot à 50 bébés, il a été éliminé. At the very next end, paire de neuf contre paire de roi. Tout est parti, pré-flop. Ouais. Il s'est un peu chauffé. Dur, ah, ça... dur, dur. Attends, attends, attends. Il a, il a... Il a fait quoi Il a 3 bets call Il a 4 bêtes shove. je crois. Non, il y a code, 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 code 4 Ah, ouais, ok. Mmh, ok, ok. Ouais. Bon, il est mal tombé. Sans blinde, du coup, pour mr pour Society, le fan de Dr. Robot. F Society, peut-être Non, je pense pas que ce soit ça. Je rien. Bon, F, F Society. Ça ferme vite le top of the pug. Tu es sûr que la flush a tenu ah oui, j'ai pas vérifié que c'était bien. Tu peux remettre la main où t'as été éliminé sur le top of the board Ouais, si la flush a tenu. Ouais. ouais, mais il est. Oui, il te couvrait. Non, bah oui, non, c'est forcément ouais, lui. Vrai, oui, il avait la meilleure main et il couvrait Guillaume, donc c'est forcément lui qui a gagné. Ouais. Il n'y a pas de doute, je sais qu'elle a tenu, ouais. Ouh, la meilleure main, tiens, puisqu'on en parle, elle vient d'arriver sur ce valet de cœur. Il y a rarement des pas de main, mais en même temps, je crois qu'on est obligé de commencer à bêter à terme. Du coup, on va bêter cher. On va lui sur les flèches draw. On va lui si ça attrape ici. Nice. Nice, on prend un beau bounty en plus, il y avait ah 17 Oui, oulala, oh énorme bounty On est pas mal. On est plutôt pas mal. Ah, C'est-à-dire que tu as pris plus de 30 euros en bounty là où, euh, là où actuellement tu es assuré de 7,50 euros. Donc euh, oui, on a fait le taf euh, sur les bounties. Bah, Clégan 9, Chip Leader, tiens, celui qui était euh, ta table sur le l'event 13. Et ouais. toujours Capadoc deuxième. Hello Moumout. Hello Lolo Cador. Ouais, J'ai vu Pigeon Signal, t'inquiète. Tu as dû, as dû le recevoir déjà ton, ton ticket, ou ça va pas tarder. 1000 joueurs, hein. tu as vu sur l'event 14 aussi, il y a du monde au final. Ouais. Des pas oh, Celui-là, c'est le bonheur. Même si là, ouais. tu es, es dehors, tu termines ton repas, tu as, as bu le petit Dijon. Ouais, c'est ça. Tu fais trop beau, tu es dans ta villa, en vacances, ou juste t es, t es, t es, t es, tu profites du, du, de la belle météo, tu te lances ça, quoi. Ça dure une heure, une heure et demie et tu t'amuses, quoi. C'est C'est vite fait, c'est bien kiffant à jouer. On va Quelque ouais. chose ici avec notre gut chute. Oula, 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 oula. Le 4, s'il vous plaît Oh bah là, on a tout perdu. on a tout perdu. On a tout perdu. Let's go. Bah écoute, c'est pas grave. On va passer en, en deux tablings. A priori, on va... Bon, pour l'instant on garde les trois. On va garder la TF parce qu'en fait. Euh, okay. Le déglingo, il peut peut-être se terminer vite. Et du coup, on, on gardera la TF pour mettre en deux tables. Ouais. Quoique, paire de 8, attendez. Je parle trop vite. Attendez. 160 left. Hein. Je vous rappelle qu'ils étaient plus de 5000 sur l'event 9. Le deep là là. est déjà là. Oh bah voilà, j'avais pas parlé trop vite au final. Adieu. Ah, ah, être... Tu peux rien te ouais. On a le droit, on a le droit. Ouais, Je ils ont crois que j'ai rien 100% des tournois que j'ai joués. Ah ouais, même le non, le top of the pack, tu l'as pas rien tri. Ah ouais, pas le top of the pack. Ah le 5 euros, tu l'as rien tri Je crois. Ouais. Ok, bah t'as bien bien fait. On a rentabilisé ce Reenter. On a déjà, je vous rappelle, trois ITM dans la musette. Et dont un, toujours en cours sur cet event 9. On aura plus de 2000 euros à gagner dessus. Attention, perdas sur ce Reenter. Contre le Limp de Tweeties25. Limp ouais. and Fold. Très rapide. Comme ça, à défaut de gagner le privé, je win un trident GG Charcot. Ça fait plaisir, ça. On les adore, les petits tridents. C'est bon, ça. <laughs> On passe à la télé. Ouais. Bonne chance, et une fine et tous les autres sur la finale du tournoi privé. Il y a des points marqués pour le leaderboard. J'ai vu qu'on avait demandé. Non, les tickets pour le deuxième trimestre n'ont pas encore été crédités. Je devais m'en occuper euh, la semaine dernière. Je vais le faire dans les jours qui viennent. Père de neuf, attention, ça va jouer ça. 12,5 deep. Mmh, ouais, on va plutôt. Jenny, qui va nous call Waouh, le setup, il avait trouvé paire de 8. Rien à faire des deux côtés. Et ça va tenir, le full au 10 par les 9 qui bat. Le full au 10 par les 8 de Jenny, Bigude. Il plein belles blindes. Très plaisant. As tu réussis à avoir un mec qui te couvre à ta gauche sur le l'event 9, quoi. Ouais. <laughs> Remarque es que 26 e hein, je dis ça, mais finalement, il est assez deep le tournoi. Hein. 41 blindes d'average. Euh... Ouais, les 4 max, c'est tout le temps comme ça. Ça, ça s'envoie tellement en l'air que. Ouais. Des fois, c'est même plus. Des fois, sur les 100 balles, euh, sur le 100 balles avec une structure assez. Enfin, genre 8 minutes de level, c'est souvent genre 60 blindes d'average, 70 blindes d'average. C'est des trucs un peu, un peu ouf. Allez, on va, on va prendre de la value. Ouh, on a trouvé du répondant. Hum. Je ne vais pas folder, je crois. Peu bluffer certains trucs. Oh là 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 là, quel titan. Il ouais, nous donné des bonnes odds. 66,6 blinds d'un stack démoniaque. Euh, Twitties qui part à tapis là directement alors qu'on a trouvé seconde paire, Gutshot et Backdorf, draw Hauteur Valet. J'hésitais à check back, euh, c'était peut-être mieux. Je me disais qu'ils n'avaient pas d'as dans leur range. Oh, on a réussi à trouver une main qu'on domine et on va la dominer jusqu'au bout. Nice, ouais, est ça, nice. On est pas mal, on est pas mal. Average inventé une blinde on est pas mal du tout avec 30 bébés. Ça part à tapis du côté de Karim Marocco contre Little Angel. Ça va tenir, Roi Valet. Et euh, ça cripple complètement le petit ange parti trop tôt. 150 lèvres, ça, ça buste à toute allure. Hein. On est déjà sur 8000, 16000 en même temps. Même si t'as un énorme bounty, encore une fois, il valent de moins en moins les bounty à côté des jetons, là, les blindes à 16000, ça, ça fait beaucoup. Ouais. chip leader en bounty, c'est Clégan. Il a déjà récupéré 50 euros en prime. Dibayin c'est beau. C'est de toute beauté. Oh, la belle vie qui part à tapis alors que Little Angel est dans le coup déjà commit. Ouais, il l'a fait avec A6. Et ça ne va pas payer. On ne va pas récupérer le bounty, mais on va récupérer des jetons quand même pour se faire plaisir. Seconde paire avec roi 6 sur 9-2-6 contre Gianni Bigoud. C'est relancé monsieur seconde paire également avec un 6, Valet 6 cette fois contre Winguru 14 sur l'event 9. Et ça va payer ce petit euh, roi 6, j'avais même pas fait gaffe qu'il s'était chauffé Jani. 51 blindes maintenant. Euh... Huh. Une carte qui touche quand même sacrément bien ma reine. Je pense que je peux folder tranquille. Sur quelle base sont attribués les tickets pour le Super Free Roll Alors, il y a plein de règles pour ça, Marie. Je te conseille plutôt d'aller regarder sur winmax.fr, dans le, dans le, sur la page du Super Free Roll. Tu auras toutes les explications. Plutôt que je me risque à te dire des bêtises. Tu as dû remplir un achievement hein, ou une des conditions pour récupérer les, les tickets Stade 3, tout simplement. Lancer des expressos Non, non, on va pas lancer d'expresso. On est bien là sur les summer shots. Le, le but de la soirée, c'est les summer shots. Donc, euh, on a notre petite TF du privé à côté. Ça va très bien comme ça. Little Engine qui est toujours là hein, alors qu'il était tombé à une blinde. Il remonte à 6 bébés et il se retrouve à 5 left. Allez. Et ça passe d'un mouêtre. Oh, pas à toi. Il essaye, mais il n'y arrive pas, Winguru un petit sauf c'était un peu louche. Il joue l'homme. Un... Un petit peu lousiche. Il joue l'homme. Il se dit, il est papa, il doit être fatigué, il va pas réfléchir. Et eh ben, il réfléchit toujours en fait, Guillaume. <laughs> oh, mais pas là on pour pas réfléchir. réfléchir hein. oh, on a réussi à être devant un petit peu moins sur ce flop quand même. Roi. Oh. Oh. Et ben maintenant tu couvres Winguru. Bon à prendre. Ouais. ouais, on peut aller chercher ce gros, ce gros Bounty. Ouais, vu qu'il se chauffe un peu post-flop aussi. Ouais, clairement. C'est pas si mal. Bon, Philopok qui grimpe à la quatrième place du tournoi à 2 millions de jetons pour Philo, Et Capadoc qui dégringole. Là. Il retombe en dessous de toi, il vient de perdre un énorme coup. Ouais, ils sont peut-être sur la même table. Non non, non, ils ont ah. c pas en même temps. Ouais, ils sont quand même du 4 max, il reste quand même, son 30 joueurs, ce serait malheureux. Heureusement qu'on n'en récupère aucun des deux d'ailleurs. Ouais, j'avoue que c'est... Tu <laughs> joues en 5 balles avec 5 000 ouais. joueurs et on avec 5 Canada. balles en 4 max, tu récupères Capadoc Philopoc et M Antonen. Ah bah super. <laughs> ah bah merci. Little Angel, toujours là, Little Angel qui remonte à 9 bébés. C'est beaucoup 9 bébés, hein. Troisième place, il, est... il lui restait une blinde. Quatrième place, pardon. On peut jouer de nouveau. Changement de table sur le Déglingo On récupère un, un roi de, sur les expressos, ça fait peur. Et un Tuanito qui a 52 belles blindes. Oh la belle vie. C'est terminé pour Bigeon Signaux. bourreau éliminé en cinquième place sur le tournoi privé. Ok, t'as au moins la position sur linote 06 qui a un énorme stack là. Ouais. 10 du tournoi. On va regarder les bounties. Ouais, il n'y a que Linode qui en a un gros, et gros story qui est pas mal, mais qui a quand même 50 blindes. Il va falloir cravacher. Ça va, c'est une table avec pas mal de jetons. Il y a moyen de monter un gros stack. Clairement. Clairement. Ça ferait plaisir. Hello Johan, comment tu vas? Des bisous. Ouais, merci, chance. Exactement. Vous êtes blancs les mecs, pas de vacances au soleil. Bah si, mais j'étais en Bretagne, du coup il n'y avait pas beaucoup de soleil. Clairement, il était caché. Mais non, c'est pas vrai, j'ai les couleurs. C'est juste les spots, peut-être, qui me rendent blanc comme un cul. Et Guillaume a été excusé il est excusé, puisqu'il est, est jeune papa. Ouais, pas, de, pas de vacances. Pas de son vacances soleil vacances. son soleil ne le fait pas bronzer, il lui donne des cernes, mais ça reste un soleil quand même plus sympa que celui wow. du Sud. C'est beau. beau ce que tu dis. <laughs> c'est du grand art. On trouve de paires en hein. attendant. Contre toi, en bataille de blindes, Paul Impé, on va checker, comme on le ferait avec. Euh... Une bonne partie de notre éventail demain, on va pas automatiquement miser sur ces textures-là. C'est dommage qu'on n'ait pas les pourcentages sur les races quand on est all-in. Oh, ça doit être calculable aussi, mais c'est pas très relevant, quoi. Des pro propos cartouche. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Oh, elle est peut-être belle cette river-là. Forte carte flush qui nous donne full. Alors, qu'est-ce que tu as envie de faire là Parce que ça peut être aussi. Euh, Bête petit pour le forcer à payer des cœurs et de temps en temps transformer en bluff à valer. Wow, il avait le 8 de cœur exactement, parfait. Une main qu'il aurait certainement voulu check behind bien vu. et euh, contre laquelle on a pu prendre un peu de valorisation. Trois joueurs left sur le tournoi privé. Wow, Linote qui va se charger euh, d'achever Bredin dans un gros point, hein. Je sais pas ce qu'il a fait Bredin, il s'est un peu chauffé là. On a encore fait euh, Brelan flopé, ok. Ok. Oh oui, mise en plus expresso euh, king là. Ah, on a plus brelan. On a fait quinte. C'est mieux. On a amélioré, absolument. Est-ce que tu préfères. <laughs> Est-ce que tu préfères faire quinte, couleur ou brelan caché Ou brelan caché ouais. euh... bah... Enfin, je préfère faire quinte à deux cartes. Ouais, ouais, quinte à deux cartes, ouais. Ah ça. ouais, je préfère faire facile. quinte à deux cartes. Ouais. Quinte à deux cartes, flush à deux cartes ou, ou brelan caché Ouais, quinte à deux cartes, j'ai l'impression que flush à deux cartes, les gens ils font plus attention que, que les quintes à deux cartes. Ouais, et, et même brelan caché, en vrai, Ouais. tu vas moins souvent prendre. J'ai l'impression que quand tu fais straight, c'est vraiment, genre, c'est très très fort, quoi. Bah, les mieux, c'est étant les, 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 les straight max de gapper, tu vois. Et là, tu es monstrueux. Ouais, voilà. Les, 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 ouais. les, les 4, et, 4 et 7 qui font euh, 3, 4, 5, 6, 7, c'est quand même compliqué d'aller te chercher dessus, quoi. Je suis si une mamie... Pas bah, il pense... Oh, pardon, oh la belle vie. Oh la belle vie, regarde. En plus, tu t'es attiré... Et voilà, tu t'es attiré. Les dieux du poker heads up. pour oh, la belle vie contre Karim, Maroc, euh, Ben bah, Notre mamie contre Karim. Bonne chance à tous les deux pour la future victoire et bravo. Euh au petit ange qui aura tenu jusqu'à la troisième place sur le top of the pack et qui récupère quand même 40 euros pour ça, 20 buy c'est beau bonne chance à tous les deux 50 big blindes, la structure qui nous a un petit peu rattrapé sur l'event 9, un pot de 5 blindes qui se développe, dame, di... dame valet contre roi 10, allez, un 9, un valet, une dame, voilà, on continue de grimper, 44 blindes, et ça se décante, hein, regarde ça, 400 joueurs, vous étiez plus de 1000 au départ, euh, event 14, vous étiez même, euh... oui voilà, plus de 2000, c'est ce que je pensais, 2300, il y a un beau, un beau billet à aller chercher sur celui-là aussi, 1800 euros, alors que ce n'est qu'un 5 euros, ça va aller très vite en plus. On a déjà perdu non, trois quarts du fil. 100 euros, c'est beau. Quoi. Ah oui, oui, oui c'est beau. Ouais. Avantage pour oh, la Belle Vie pour l'instant, qui a remporté ce, ce premier beau pot contre Karim Marocco. Coucou Groove Théorique 5 qui est ravi de, de te rencontrer à sa table. C'est gentil, des bisous et bravo à la Belle Vie. GG, et magnifique. La victoire pour Mamie. Bravo à toi, Karim, euh, qui euh, n'a euh, pas besoin de rougir, car il remporte euh, 50 euros. Et euh, belle vie qui remporte waouh, 110 euros. tFL le taf en bounty en plus. Magnifique, 65 euros de bounty, c'est monstrueux. Et bien, bah, GG, tu vas pouvoir fermer cette TF euh, et puis on va voilà passer en, en mosaïque, comme ça, Pierrot à la régie va nous mettre tout ça en deux tables et on va se régaler. Voilà, c'est fait dans la seconde. Avec quand même... À l'écran, pour ceux qui voient la créa, hein, le, le logo des Summer Shots, qui est quand même le logo le plus moche qu'on ait jamais fait sur Winamax, il est immonde. Ces espèces de shots de Jäger enflammés, là, c'est répugnant. Mais c'est pas grave. On les aime quand même à la... au, au pôle graphisme. Ça reste des bons gars et des bonnes filles. Des bons gars. Des bons gars. On va pouvoir focus. On va focus deux tournois, deux salles, deux ambiances. J'ai envie de dire avec un déglingo qui va aller très très vite et un event Neuf qui pourrait, même s'il va vite aussi, nous, nous régaler. Il y a beaucoup d'argent à aller prendre. C'est deux 5 euros finalement. Ouh, le Brelon. Le Brelon. Alors ici, il y a pas beaucoup. De... Ça n'a vraiment pas touché sa range et lui, pas tant non plus. Donc, je crois que je vais quand même checker, même si les 6 et les 4 ont niqué l'action que je vais prendre la value sur SI. Non, vas-y. Deux très belles mains, là. as 3 à gauche et surtout ce brelan. Allez, le petit chacal. Oh, dommage, dommage, dommage. Est-ce que Linode va tenter le, le plays Limp and re Il nous couvre. Hein. Un bubunti Ouh, 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 ouh. On craint pas grand chose là, on craint paire de 5 et à 5 Ça fait pas beaucoup de mains quand on possède en plus un As et qu'il n'en reste plus qu'un dans le paquet. On est payé en tout cas, 15 blindes déjà au milieu. Attention, Linode 06, attention. Capadoc vient de bust. Aïe aïe aïe. Ok. Size Sizebet qui a été créé contre Linode. Bon, là, s'il a évidemment un As, il y a peu de chances qu'il trouve le bouton Fold. On ne sait jamais, mais bon. Ça va créer un monster pot quoi qu'il arrive, Semblant au milieu s'il si paye. Linode 0,6. qui a peut-être juste un 5, mais il ne va pas trouver le Hero Call. Ce n'est pas possible qu'il nous paye avec un 5, quand même. Là, Il peut avoir une paire de 7, paire de 8, paire de 6, paire de 9. Mais ça paraît compliqué de Call 3 Street aussi. Bon, on target principalement les As, évidemment. Ouais. -à Allez, As-9. As-9 as payé. As-9, c'est payé, monsieur. Si la As-10, je, je te préviens, je trouve ton nom et ton adresse et je viens te chercher. <laughs> Linotte ah, C'est quand même un énorme pot. Oh, on trouve Ch le bouton fold. OK. Dommage, dommage. on est quand même très bien, on a, on a plus d'une fois et demie la moyenne, 105 joueurs restants, on trouve un flush draw du côté du Deglingo. J'adore ces summer somershots, ça va tellement vite, il y a de l'action tout le temps, c'est trop cool. Waouh, le petit chacal, qu'est-ce qu'il nous fait avec ses 9,3 blindes restantes Il nous raconte qu'il a un roi. Allez, montre-nous euh, Valet 8 de carreau. Ah, il a Roi 8. Carreau, 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 carreau. Ah. Bon. Restons blindes. Merde alors Merde Et Nadia. D'accord Il a fast play à Top pair On peut ouais. pas lui en vouloir. Sur un déglingo, Pas le temps de niaiser Clairement, mon... euh, on n'est pas si loin de l'argent. Ah oui, effectivement, on est quasiment à la bulle là. Ouais, je sais pas si toi, je... Voilà. On va pas folle cette fois. suite contre Roi 9. 2. Non. Dommage. Il nous avons eu le petit chacal. Bah, C'est pas grave. On va focus celui-là. Tu peux mosaïque. Et euh, Pierrot euh, va repasser en mono-tabling pour la suite euh, de cette session. Bonjour. Bonjour. Oh, il a bust. Non, c'est pas vrai. <laughs> il a perdu, il n'y arrive plus. Il est en train de faire une apoplexie, un infarctus. C'est bon. Regardez comme il est moche ce logo là. C'est Tu le vois sur Skype le logo ah. Regarde Guillaume, tu vois le retour ah, de Pierre ouais, C'est ouais, immonde. C'est merde, mais ça ça va ouais. pas du tout. Hein. Ça, ça, va... ça c'est comme, le... comme le déglingo de 8 max euh, rebuy là. Ça ça va pas <laughs> du tout. Hein. Faut plus faire ça. Hein. J'avoue. <coughs> a... Après, c'est pas évident quand même. Là, de se réinventer hein. ouais. que... Je suis très nul, euh... je pas du tout de créativité, du coup, euh... ah. ouais, j'aurais du, à... du mal à avoir des idées sur qu'est-ce que faire avec des sombershops. Bon, je pense que tu peux faire des des shots de couleur et tout, là, les shots enflammés, ça fait un peu euh, fan de Johnny euh, des années 70. Bon, non pas que je critique les fans de Johnny, hein, allumer le feu, on aime, évidemment, mais... mais <laughs> c'est pas, pas, de... pas très jeune, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait combien de joueurs ce soir sur le Top of the POC 303 joueurs, réponse Troman, merci. Oh, wow. Oh, wow, wow, wow. Qu'est-ce qui s'est passé Il a call, call, call mes trois blindes et call tapis. Avec euh, Roi Dame Ouais. Wow. Affreux. affreux. Affreux, 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 Alors, on a des backdoors mais euh, il reste deux blindes. Ah mais ça c'est énorme Ouais, c'est pour ça que j'ai open Ah euh, ouais, 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 ouais 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 oui oh, 8, 8 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. 8. Ah Dommage. <laughs> pas si j'ai raison d'abuser à ce point parce que en vrai il a ses jetons valent très cher par rapport à ses KO. je devrais peut-être pas abuser à ce point non là il a quand même euh, il a quand même euh... alors Marc ça vaut 3 blindes ouais. son chaos vaut 3 blindes ouais ça vaut pas grand chose ouais je sais pas trop mmh, intéressant Allez, on a trouvé Open Indeed. Tirage quinte par les deux bouts qu'on va relancer contre Groove Theory qui était si content de jouer contre toi. Et voilà, tu lui mènes la vie dure. Il va payer ouais, quand ouais. même. Simple, le milieu, attention, le tirage quinte pour l'instant qui n'est pas rentré. Et un deuxième tirage flush qui s'ouvre avec ce 6 de trèfle. C'est une carte intéressante parce que c'est une carte qui peut rajouter des bluffs dans ton éventail ouais. de deux barres. C'est ça qui m'embête sur le fait de nous barrer. Cette main, ah, ouais. il, il y va. Bon, bah, au moins, il nous empêche de faire une bêtise à l'arrivée. 25 blindes. Ouais. Après ce coup perdu, il s'est mis très très bien. C'est des pots énormes. Hein. Attention, on est quand même à euh, un niveau à, à 30 000 là. Il passe à 2 millions de jetons. Bon, il ouais, bon. y a la bridge qui est en train de rattraper un peu. Est... Ouais, 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 ouais. Ça bosse moins là. On est arrivé dans le top 100 et ça commence à se ralentir. Oui. Ah, le magnum s'est pas lancé. Ah bon? Okay. Il est peut-être fini déjà. Omar, je dis ça. Ouh, le roi qui va tenir. Et on remonte bien là. On remonte à 20 blindes. Hein. Ça remonte pas mal. Là. Et on a une paire de dames peut-être pour terminer l'inote. Voilà! C'est maintenant le bounty à 30 euros. Ça va peut-être chauffer nos adversaires en plus. Attention. Attention. C'est un énorme pot là. Hein, à ce moment-là du tournoi. Ah, Plus d'un million, pas de bêtises, gros théorie. Pas de bêtises, je sais que tu es content de jouer contre Guillaume, mais là... Une deux 10. Bye, une wave dame valet, dame valet suité, ça joue. Ouais, je, suis... ah, je préfère oh, trouvé une main. Wow. Oh 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 là là Carré, carré monsieur. 0% l'inote. Bon, bah, pour le coup, il avait vraiment une main pour le faire, mais là, c'était euh, euh, réglé euh, le flip perdu au flop, quand même, bien dire Benjo. Carré flopé pour Guillaume qui repasse à 45 big blind. Et Bounty au passage de 15 euros. Petit Bounty qui fait plaisir. Ah, carrément, hein, tu commences à vraiment euh, te mettre pas mal en Bounty. Là. On, on grimpe à la euh, top 6, euh, top 7. Top 7 ouais, des Bounty. Top 6, top 6. waouh elle est intéressante cette turn qui nous ouvre des tirages dans tous les sens. Mais pas non plus des tirages max, à part euh, par le 7. Évidemment, le 7 de Caron nous donnait... Euh, bah non, même pas les notes, il y avait déjà la flush, qu'est-ce que je dis. Et il va checker Groove Theory cette fois. Ouais. Je ne sais pas trop si je dois la bluffer, son sizing turn, il fait très, très weak. Je pense que je dois raise. Je les joue un peu passivement. Bon, ben bah voilà, on s'est bien remis. Oula. Oula Pardon Oula. Coucou Duxi -si. Des bisous, et oui, on est en live, bien sûr. Rejoins-nous vite, Duxi. -si. Euh, pardon Allô Ah oui, c'est monsieur Roi -Dame. ouais. Oui, c'est monsieur Roi -Dame, effectivement, je comprends. Ouais. ouais Sacré... bon, il, a, il, a, il a 7 et 9, quoi. Sacré... <laughs> Euh, bon, bah écoute, ok, hein, s'il est prêt à envoyer ce 2 millions de jetons comme ça au milieu, euh, ça peut faire nos affaires. Ça peut être pas mal pour nous, ouais. il peut se passer des bonnes choses. <laughs> Coucou Duxi! <laughs> ça se ralentit un peu mais on est à 80 left sur 5117 inscriptions hein. c'est quand même euh, très très beau deep run on bah, va aller chercher le top 1% le fameux Alors, on peut parler de deep run quand on est dans le 1% effectivement quand il restera 51 joueurs restants on, y sera, on est ça quelle table on est à la table 6 donc elle ne cassera pas avant euh, 24 left on est loin ça, ça c'est pas mal ça ça, ça fait une bonne bah ouais, parce que si on peut garder euh, un, un des mecs, je vais pas dire lequel, mais il y a un des mecs qu'on est chaud de garder. ouais Indice, c'est pas Groove Theory et c'est pas Duxie. Tu le Battle Royale, il y a des copains de dingue. Ah, il y a Volatili38 Le faux Volatile. Le faux Volatar qui est là Il <laughs> y a Volatile69 aussi, je crois qu'il est nouveau. <laughs> <laughs> si on gagne un Win a Series, sachant qu'on a déjà un logo pour un temps avoir, deux logos d'affiché. Non, il y a des priorités sur les logos Rasmuq. Euh, je crois que le logo Win Series prend le pas sur la plupart. Il y a certains logos que tu peux doubler, mais pas sur des festivals. Sur les festivals, tu peux en avoir qu'un seul. Mm -hmm. Ouh le clic Ça commence à partir dans des dynamiques. C'est du 4 max après, hein, donc c'est sûr que on va en avoir. D'accord. <laughs> c'est bon monsieur. <laughs> okay. ah, de toute façon, c'est ça Ces là cette fois, c'est mergé. Donc du coup, il va être dans la merde et folder. Souvent une meilleure main que moi. Ça c'est deux as de roi, quoi. Et donc du coup, j'ai pas trop envie de payer ma main. Foldé me paraît un peu, un peu weak. Allez, on a Open de 8 défendu par Duxy, on trouve Assassin's 10. <coughs> on a un Continuation Bet Range ici avec toute notre éventail de mains. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On va faire Foldé. Enfin. 25 dips, peut-être pas. Peut-être que 25 dips, il y a quelques mains qu'on veut checker, mais, mais pas beaucoup. On a tellement de mains qu'on va faire folder, on va tellement design de, de facilement. Wow. Slightly overbet. Légèrement au-dessus de la taille du pot, cette mise à la river de Duxy après le check-check-turn. 280 000 jetons demandés par notre viewer qui a dû nous rejoindre depuis... Ouais. C'est rare les carrés Ah bah ça je te le fais pas dire Bravo Nadir Des carrés de dames flopées euh... Avec les dames contre as On aimerait bien qu'il se passe comme ça à chaque fois nos flippin hein. Comme par hasard Tout à fait Milsabar Comme par hasard ah, Hier on a fait qu'un flush Ce soir on fait carré C'est pas mal C'est pas mal Top pair, en tout cas pour l'instant, contre Duxi de nouveau, en bataille de blindes. Cette fois, ça a été relancé et défendu par Guillaume avec son Roi 5. Give up dès le flop. Check and fold de Duxi qui ne demande pas son reste et nous laisse empocher ce petit pot pour nous remettre à 25 blindes et un A7 suité en small blind. Des mains euh, jolies, mais toujours délicates à jouer dans ces positions et avec cette profondeur. Ouais, chauver une option, défendre une option aussi. On trouve un flop 8-3-2 avec deux piques, qui ne fait pas vraiment les affaires de notre asset suité à cœur. Coucou le Style, des bisous. Steven, Faudrait que je passe vous voir, tiens, à la radio pendant que vous avez repris, je crois. Ah bah non, c'est la pause de l'été. Bon, je viendrai vous voir à la rentrée, alors. Et c'est misé, hein, un peu moins de la moitié du pot par Groove Theory 5 dans deux joueurs. lui laisser le bénéfice du doute ouais je suis on aurait payé en travail je suis pas je pense allez top père contre groove théorie <coughs> il va pas nous inventer un hein, don bête a priori là non, ce sera un check. coup d'Agrolar33, salut à tous, sur 80ème de l'event 14, 8,29€ pour 5€, c'est un peu la loterie, Oui, c'était le dingue ouais. Bah ouais, c'est ça, c'est les, les places un peu frustrantes. Hein. On ne prend pas beaucoup de buy-in, même si on a deep run. C'est plus tard que les places sont vraiment rémunératrices. Il a checké de nouveau après la doublette du 5. Il a payé en continuation bet. Le pot fait désormais 9 belles blindes. 315 000 jetons au milieu. Et on va continuer de valoriser notre 9 et 10. Pas de raison de s'en priver. Il y a encore pas mal de tirages qui pourraient payer. En voilà un qui rentre. Le 4 de cœur à la river. Oh, 700 000 quasiment. Il va checker. Ok. Bon. Si c'est 7 quoi. qui est rentré, ouais, c'est pas on une super perdre, carte ce 4 de On va perdre contre quelques 10. Mais... Ouais, il a 7 et 8. On va en ouais, ça, on avait souvent gagné contre un 8. Mais bon, je pense pas qu'on puisse trop value. Il avait un très bon spot de Richauve préflop. là. Ouais. Ouais, clairement, je pense que c'était mieux, mieux de Richauve. C'est l'impression que c'est vraiment une... un très bon candidat. quoi, plutôt que C'est pas forcément une main qu'on a tellement envie de slowplay hors de pause. Non, clairement. Je ne sais pas qui a pondu la structure du PLO 5 de ce soir, mais merci. Bah évidemment, c'est guignol. Euh. Benjamin et Jacques de l'offre. Et euh, tant mieux si ça te plaît, Van bon, Steel. J'aurais bien aimé les... ça c'est vraiment les tournois que j'aimerais. Euh, J'adorerais pouvoir jouer si j'en avais le droit. Excellent le summer shot, un peu deck d'être les busts, hors BR sur les expresso. Ah, faut pas faire ça, pour Uas. Au pire, tu te limites, tu, 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 tu crées des limites. Euh... Sur les expressos, tu t'y interdit comme ça, tu pourras te, te concentrer sur les, les tournois et profiter de ces festivals à fond. J'avais pas vu du Xy. Je joue depuis ma chambre crouse en monotable depuis 20 ouais. ans. L'étudiant dans le, dans le besoin. Bonne chance à toi. Ça ferait plaisir de te voir aller prendre un beau billet, en tout cas. Y a-t-il un âge avant de se lancer dans le poker Oui, 18 ans, NASCAR. Avant ouais. 18 ans, t'as pas le droit. Après 18 ans, il n'y a plus d'âge, tu choisis. C'est de, à... de 18 à 77 ans, on peut dire. Non, tu ne peux pas choisir ton logo, Stroman. Tu dois pouvoir demander en revanche au support. C'est quelque chose que vous pouvez peut-être faire et eux, ils, ils feront la demande auprès des gens qui ont la... le pouvoir. Parce que moi, j'avais demandé pour mes streamers que, le... que ça soit le... le logo principal. Même si, entre-temps, certains ont gagné le King 5, donc ils ont la couronne maintenant. 3-3 et 14 blindes au milieu, c'est intéressant parce qu'il y a Fares dedans, et j'ai envie de voir ce qu'il va faire. Ouais. Ok, cette fois, on choisit un sizing un peu plus cohérent, deux tiers du pot. Bon, c'est pas forcément une texture sur laquelle on s'attend à voilà. voir des, des sizing chers. Hein. Ouais, c'est ça. Surtout sur un pot 3-bet, surtout en position... Mais bon, c'est mieux que 10 fois le pot. Oh, Duxil, il l'a attrapé. Aïe, 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 aïe. aïe. Ah, oh aïe oh, là 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 là. Ah, c'est terrible. Ah, oh, c'est terrible. C'est terrible ce que vient de nous faire ce jeune joueur. Qu'est-ce qu'il fout, Fares Eh ben bravo, Duxi, hein. la régalade. Ouais, il l'a bien joué. Ah merci. Eh <laughs> oh là là. Et merci. Et là, je comprends pas pourquoi ils ne se partent pas à tapis directement la main suivante, ces joueurs-là, parce que du coup, ils regardent vraiment les cartes alors, parce que jusque-là, il n'a pas l'air de regarder vraiment les cartes. Hein. Bah, si, c'est ça le pire, c'est qu'en fait, il a, il a folle de beaucoup de mains. Hein. Mais oui, il n'arrête pas de folle, et puis une main sur dix, il pète un câble. C'est un peu ça. En gros, il joue, il joue les coups à, il joue les coups à fond, quoi. C'est genre. Il va flat Non, quand même pas. Il y a des limites. <laughs> Attention, gros, théorie, parce que là, la relance ne sera pas capée, ça peut être un pot euh, tricky, tricky. Euh... Ouais, il n'a quasi pas de. Enfin, il a pas de trappe, quoi. J'ai l'impression. Il peut même me payer moins bien dans l'idée. Il n'a jamais une main meilleure que moi. Ouais. Je Parce que c'est mieux de payer que de payer. J'aime bien aussi l'idée, ouais. On lui fait payer un peu son limp et on se retrouve fort oh. bien. Mais attention à ce oui. six, attention à les carreaux en plus. Voilà la totale pour Farès. Et encore un bounty. Allez, ouste. Bon, écoute, il n'avait pas l'air de vouloir le gagner, ce tournoi Fares hein. Non. C'était pas oh. le plan. Oh, il s'est envoyé en l'air, putain. Et ouais, le 4 max, ça chauffe les gens. Spoil, Guillaume va finir 58ème. Allez, bisous. Putain, pas mal, la trupe. Il nous annonce le... C'est Tenet. Il revient du futur. C'est pas si loin. C'est dans pas longtemps. C'est jouable, après, cette carte-valet là Ça peut, ouais. ça peut, ça peut être cette main là Vas-y, time un peu. Time un peu pour que... <laughs> C'est ça. Euh, ouais, je vais à 3-bet golf. C'est un peu chiant, vraiment. Il a open toutes ses ces, toutes BBB. Je pense qu'on a beaucoup de value à 3 bêtes, Des fois, il peut shove. C'est un peu de la merde. Coucou Gildas, t'inquiète tu pourras mater en replay, au pire on a eu euh, pas mal de spots intéressants là en début, on a fait full summer shot et euh, c'était très très bon, on a bien monté notre stack notamment sur cet event 9, tu le vois on est 61 left alors qu'au départ on était 5100. Euh, on trouve double belly buster sur cette turn, elle est loin d'être neutre pour notre équité. Ouais on va essayer de faire fold 8 et 9, une paire de 6, peut-être un 10 qui peut être en PLS, 3-10 ou quoi. Voilà Ouais. Ouais, contre un 10, au pire, on aura un peu d'équité avec deux over plus double belly. Ouais. Allez, ça passe. Je vois que ça se calme un peu au niveau des éliminations. La structure va commencer à, à dégringoler. La moyenne, je veux dire. Et on va placer un beau 3 bêtes avec une toute belle main. Duxy, attention, te level pas bro. Waouh! Wow. La... Waouh! Oh, oh, deux, deux. Oui, oui le pot de semblant. Oh, c'est huge. Ça va être dur de bust 58 e là. Oh là là. 58ème, ouais. Oh. T'as fait... récupéré euh, tout le... tous les jetons de, de Fares. C'est un peu ça, ouais. J'ai pas réussi à lui prendre un seul jeton, mais en fait, j'ai récupéré ses jetons. Euh, mm. déjà du... Désolé, Duxy. C'est un peu, un, peu un... un setup, en vrai. Il peut call sur le 3 m, mais Chaud, et pas dégueu non plus. Allez, Fredo, euh, Fredoc de B, un Corse qui nous a rejoint à notre gauche avec un beau bounty. On a 28,90 euros également du côté de Duxi. Bon, encore une fois, je le répète, c'est plus pour le, pour le plaisir parce que les bounties ne valent plus grand chose à ce moment-là du tournoi. Là, je peux vous dire que notre stack de 4 millions, c'est ça qui nous intéresse vraiment. 58 left, je crois qu'on va pas y arriver, on va pas bosser 58e. Non, ça va être dur. Ça va être très dur. Et on est top 3 du coup avec tout ça, en plus sur un tournoi très très plaisant à jouer et à commenter. Donc euh, t'as bien choisi ton, ton heure. Ça va, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mmh, 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 mmh. Oïe aïe aïe. Allez, 56 left. On va bientôt y être dans le 1%. On s'en approche tout doucement. Ouh, petite augmentation, là, on a, on a perdu notre stack à trois chiffres. On est retombé à 83 bb. L'average est à 36. Monstrueux, ouais. Et à un moment, on va mettre en millions parce que là, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. T'aurais quand même pu buzz 58e, hein, cette, cette paire de valets contre cette paire de cette paire de 10, contre cette paire de 8. Ça aurait pu y arriver à peu près. Ouais, c'est pas loin. Pour les épreuves individuelles, athlètes natation par exemple, est-ce qu'on pourra parier sur autre chose que les vainqueurs podium Ah, je sais pas du tout, euh, traca C'est une bonne question. Faut, faut envoyer un, un tweet à Winamax Tu dois, bah, sur les épreuves individuelles. Après, il y a les nations, mais bon, ça, c'est pas vraiment des, c'est pas vraiment sur une épreuve. Ouais, doit y avoir, j'imagine, qu'il doit y avoir des bêtes, genre euh, balle record du monde ou balle, non mmh, Même pas sûr. Hein. Non, non, je suis pas sûr du tout et et je vois pas trop quelle autre catégorie de bêtes tu peux avoir qu'effectivement euh, ceux ce sur la performance même. Podium. podium quoi. Non, podium il l'a mis, ça c'est sûr qu'il y a podium. Ah ouais. Mais tu vois genre dernier ou euh, top 4 sur 8 des trucs comme ça, je sais pas. Dernier. ne <laughs> finis pas dernier, tu vois. <laughs> je bête sur un mec qui va finir dernier, c'est quand même. Ah non, jour. en revanche, tu peux avoir tu sais dans les en fait dans les disciplines où tu as des ultra favos, parfois tu as des bêtes euh, contre le favo, tu vois, genre ne ne gagnera. Ouais, ouais mais bon à part ouais. ça. Non, faut, ouais, hésite pas à tweeter euh, Winnaux ils te diront. <coughs> 8, 9. Ah, vous en êtes au 8-9, ils disent, mais attendez, vous aviez le même flop que celui qu'on a vu. Là, oui, c'était euh, Fafares avec son 8-9 contre Dugsy à Dame. <laughs> Effectivement, ah, ouais. on n'a pas compris non plus, vous inquiétez pas, tout va bien, tout est sous contrôle. <laughs> c'était ma donation à WinaTV. Oh, il était pas si dégueu, je pense, Duxi, parce que vous aviez certaines fréquences tous les deux. Et on a vu plus grosse plus quand même. Alors, on se retrouve avec Isai hein, sur cette river. Notre gutshot n'est pas passé. Waouh, il size is tout petit. Le bon Fredo. Il a quoi Il a deux neuf, genre Il a pas bête le flop. C'est trop bizarre. Je vais pas folder, je crois. Ouais, roi Dame. Ok, il avait trouvé. Euh... Une main pour valoriser river. T'avais bien cool avec la, la meilleure main au turn, mais euh... ouais, quand il s'évade pas le flop, euh, c'est souvent souvent bon signe. Allez, bataille de blindes, polympé on trouve seconde paire. Value, hein. ici évidemment notre neuf on va se faire payer par un 5 par une hauteur par une paire inférieure tout simplement. Ouais, un peu un peu de un peu pour le un peu pour le level aussi alors si me raise je paye. Mm -hmm. Et on trouve de nouveau une seconde paire cette fois sur un side contre groove theory. Guillaume, tu lui dis qu'il va buzz 58e, ça le chauffe de ouf, ouais, j'avoue. Du coup, il a pris son blinde. Ouais. Dis-moi que je vais buzz 45e. Ouais, attention à le rythme qui s'est un petit peu ralenti. Là, on va augmenter dans une minute. La structure va passer en dessous des 40 bébés. Il est là, Philopoc, toujours premier. Ouais, ouais, il est bien. Il est bien, clairement. Il est en place sur ce tournoi. Il a pas en plus euh, chômé en Bounty, 70 euros déjà. Mais on n'a pas hâte de le rencontrer pour l'instant. Euh, je ne vois pas trop d'autres joueurs connus. Dr. Squeeze peut-être Non, j'en connais pas trop. Ah, Je vais folder, je crois. Il se laisse pas faire du Xi. Hein. Il ne s'est pas laissé abattre par ce coup perdu. Qu'est-ce que tu en penses de sa manière de jouer de 8 euh, tout à l'heure contre ta paire de 10 ça te... ça te paraît être un petit peu trop agressif ou ça te paraît plutôt standard hein, en 4 max Je pense que call est quand même mieux, mais, mais bon, Jam est, est pas horrible. Quoi. Enfin, Le problème de Jam, c'est que tu n'accomplis pas tellement quelque chose de si intéressant. Ça te rend la, la décision plus facile, mais tu t'isoles aussi contre. Un éventail de mains qui te domine beaucoup parce que ici tu vas pas le 3-bet call avec moins bien que paire de 8 a priori. Ouais, c'est ça. Que je peux 3-bet call jusqu'à 2-9 en plus. Mm. Donc, en fait, je vais avoir 2-9. Ouais. Ok, je vais avoir Asdam. Ok, il va 19 de l'équité contre certaines mains, mais C'est pour ça que c'est mieux de call. Ok. Allez, Fredo qui se retrouve dans une situation de push hors fold avec ses 15 blindes au bouton. Il ne sera pas payé. Pas des énormes bounties à la table. On ne les regarde pas trop de toute façon. On regarde plutôt le, le compteur défilé. 48 left. Et on partira en break euh, dans quelques instants. Il me reste encore un petit coup pour vous faire gagner des tickets euh, à la reprise. La prochaine heure va être passionnante avec 48 joueurs restants. 12 tables dans ce tournoi 4 max. Et Guillaume, très très bien en place avec ce tapis. Alors, 6 et 4 off. Un petit 3 bêtes et ça folle direct. Allez, on repart. En pause avec plus de 70 bébés. Rendez-vous dans 5 minutes pour la suite de ce Top of the Pock spécial Summer Shot. On n'est pas encore bourré, mais on va peut-être s'en mettre plein les poches. A tout de suite après le break. <laughs> Allez, on est de retour pour la suite de ce Top of the POC. On est à 47 joueurs du plaisir, du sésame, du titre sur le Summer Shot Event 9 à 5 euros. 5000 joueurs inscrits au départ. Il ne reste plus qu'une petite dizaine de tables, dont notre volatile national au travail et à tapis contre Fredo immédiatement. Ah, C'est pour ça aussi que je t'avais demandé pour le 8-8, parce qu'il se demandait s'il avait spew, comme ça au moins ouais. il aura, quoi qu'il arrive, reçu... Une petite analyse gratuite de notre coach du soir. Vraiment... <coughs> Combien pour le premier nous demande double nénette? On est sur. Euh... Un Petit 1327 euros plus les bounties pour le premier, donc il y aura 2000 euros à gagner à peu près, quelque chose du genre, comme te répondait Seb Marel. Merci pour la réponse. J'avais 8-8 sur ton asset. Là, Guillaume, j'ai voulu ma revanche. B2O Bogota, c'est lui, c'est Duxi. Ah, bah oui. oui, oui, le duc, le duc fan de Booba, évidemment. Ouais. Allez, concentre-toi, GL. Ah oui, c'était quand il a open show et que tu as hésité à call 22 blindes et demi, là, et t'as fold. Ouais. ouais. 73 blindes, 2 average pour euh, Guillaume. L'average est tombé à 36,3 blindes. Ça s'est pas mal ralenti. Pierre revient quand en sprime Yannick euh, Pas tout de suite, je crois. Il en a déjà fait énormément cette année, Pierre, euh, des streams. Du coup, euh, je crois qu'il n'était pas trop dispo pour le mois de juillet. Je lui ai laissé un peu de vacances, mais il reviendra prochainement. Et euh, quoi qu'il arrive, on le verra beaucoup pendant les prochaines séries à partir du dimanche 5 septembre, évidemment. Évidemment. Évidemment, pas mal une table qui nous offre pas trop de résistance avec ton tapis là, ça fait plaisir. Ouais, c'est pas mal. c'est On Je peut jeter un oeil au programme de demain du côté des Summer Shots. Vous aurez pas mal de nos Limit Hold'em, du Full Ring, du 4 Max, du 6 Max. Pas de. pas de... Ah si, j'allais dire pas de variante. Si, si, il y a du Horse à 20h à 10 euros. Du Horse en 6 Max, donc Horse on le rappelle, hein, c'est Holdem, Omaha, Rad's, Stud et or better Le or better c'est le Stud Ilo ou c'est le PLO Ilo Non c'est le Stud Ilo, Ilo, ouais, Orbiter. Ouais. Et attends le Omaha c'est du Omaha Ilo Dans le Horse ou c'est du Omaha I parce que tout est dans la limite en Horse. C'est du I. Que du high Je Du high pas. en limite Je hmm. sais pas. Ouais, ça peut être du. Roma oh, high en limite, c'est possible. Hum. Bah C'est une bonne question, tiens, et j'ai pas la réponse là immédiatement. Ah bah attends, je vais, le, je vais la trouver dans le lobby du tournoi, en fait. Oula, Duxy. On va, on va jouer contre lui. GL Duxy. Effectivement, on a une bonne main pour, euh, pour l'affronter. Peut-être aller prendre son mounty. On le domine légèrement. Maintenant, il faut éviter le 10. Il faut éviter les cœurs, les 6. Oh là là, non. il évite tout on, tout, ouais. on, chatte, on, et on, on élimine notre viewer. Gros bisous, Duxi GG à toi. T'as pas vraiment eu de réussite GZG, avec GZG. cette paire de 8 tout à l'heure. On peut jouer euh, trop agressivement et euh, boum, un nouveau bounty et 92 blindes de nouveau. Deux fois et demi, la vraie gile énorme. Euh, alors c'est ça. Je l'ai trouvé. Plus d'infos. Comment je peux savoir Ah voilà. Omaha 8, non, non, c'est bien ça, c'est du Limit Hold'em du Limit Omaha 8, du Limit Raz du Limit Stud et du Limit Stud 8 donc Omaha 8 et Stud 8 c'est Omaha High Low et uh, Stud High Low okay. et tout est en limite, il n'y a pas de Omaha High et on va relancer on va, on va ici valoriser Dina un peu d'Equity aussi avec notre top pair contre Groove Theory et valoriser les tirages les paires inférieures, les auteurs les auteurs Waouh! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, oh, il a deux paires, on joue les valets, les trois, les huit. Ah, dommage. Je pense que c'était bien mieux de, de raise pré-flop. Ouais, je pense que ces joueurs qui font 2x, faut, faut les punir pré-flop. C'est bien mieux. C'est bien mieux payer les mains middle et 3 mettre les mains faibles. Allez, on a ah, toujours millions de jetons, on est très très bien. Pendant ce temps, c'est toujours Philopoc qui est tout en haut du classement avec 8 millions 7. 000. Il est colossal, le filou. Lui aussi, hein, c'est un spécialiste des gros gros fils attention. Ouais. Il n'y aura pas de split. Groove Theory qui s'envole à 50 blindes et qui vient de faire un peu d'ombre, mais vous avez pas le même bounty. En revanche, tu as fait plus de boulot que lui. Et on récupère petit mmh. boum. Petit peu, petit peu, petit peu. On va chercher la win, exactement cette marelle. Allez, moi je vais vous offrir des petits tickets. Vous pouvez aller les chercher dans le chat de winamax.tv. Point quiz, plus long la réponse dans le chat de winamax.tv. Vous allez devoir me dire avec quelles mains, pas besoin de me préciser les couleurs, Alexandre Ager a-t-il remporté l'extrême hier soir quand je dis hier, c'était dimanche, hein, bien sûr, puisqu'on est mardi maintenant, mais avec quelle main Alexandre Ager a-t-il remporté l'extrême Pas besoin de me dire les couleurs, vous me dites juste la valeur des cartes, et ça suffira. On a de la profondeur à cette table désormais, là. Oui, ouais, clairement. Hello, Tronco, Sweet suis, 3 VLC Winamax.es is also alive in the Summer Shot. C'est le même. Sur le même... Attends, Seco. Seco. Eh oui. Eh ben non, il a bust, 168ème. Ah bah peut-être sur un autre Summer Shot alors. Ah oui, c'est un streamer... Euh... Oh, you're right. Malheureusement, euh... il a bust. Il a bust. Fake news, 168 e Hello, Tronco. Welcome. And good luck if you play. Hasta suerte. Oui, oui, Dimso. Il sera, il sera à Vegas, euh, Guillaume, pour les WSOP. Évidemment. On a des bloqueurs ici pour, euh, pour bluffer. On a bien sûr un 10 de trèfle qui fait... Euh, qui bloque le, le, bah, un tirage flush et qui euh, bloque aussi valet 10. On peut avoir des mains qui valent où ici Ça passe Allez, le gros ouais, pot c'est surtout son size qui nous aide bien. On exploite, on exploite. Coucou Maxime, salut PonceP, comment fait-on pour modifier la barre de mise en pourcent Comme Guillaume, je n'ai que des mises 2,2, etc. C'est dans les options euh, du, du client. Tu vas dans Outils, paramètres, outils, euh, et tu trouveras tout euh, dans les options pour changer tes tailles de mise pré-flop, post-flop, en cash game, en tournoi, etc. Il y a plein d'options plein possibles. Il faut vraiment, je vous le répète, hein, Fureté dans les options de Winamax, il y a plein de choses vraiment intéressantes qui pourront vous simplifier la vie et vous permettre d'être encore plus à l'aise sur les tables. Il faut en profiter de toutes ces options. Il est très bien fait le soft Winamax, pour ça. Alors, groupe théorique contre HU Innocent qui vient de nous rejoindre, on ne le connaît pas. 33 left. La table cassera dans 9 éliminations. Ouh, paire de 8 qui est bien valorisée. On avait trouvé la quatrième la pair, euh, la, la paire à la river avec A5 pour HU euh, Innocent qui n'a pas réussi à trouver le fold. Belle value de euh, Groove Theory. Toujours in sur le Ratz, 22 left. Good luck, chaussures, c'est beau ça. C'est ratou, c'est ça. Allez, GL, GL. Ça aurait été une histoire de 8 et de 10 pour le pauvre du Xi, éliminé avec paire de 8 contre paire de 10, puis AS8 contre AS10. Ouais, ouais j'avoue. Allez, 32 left, ça s'accélère un peu dans une minute 30. On va augmenter les blinds. Là, il y a eu pas mal d'éliminations. On voit que le tapis moyen est remonté à 45 bb. Assuré de 26 euros, c'est peu. À côté des 70 euros déjà remportés en bounty. il y a 1320 euros tout en Austroman plus les bounties, donc 2000 euros à peu près. <laughs> Good night, b 2 Bogota. Ciao Duxi. Bonne nuit, mec. Bravo. Bodyprun. Et euh, je te souhaite bon, euh, mec. de faire mieux la prochaine fois, bien sûr. Allez, belle main, Roi-Valet de pique. Théorique, va laisser son bouton. une le set derrière. Est-ce que tu n'aurais pas discrètement ouvert ta fenêtre à la pause, toi Si, mais il ouais, y a, y a, y a, ouais, 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 y a moins de trafic. Ah ouais bah, Je vais aller fermer. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Je suis en train de mourir dans mon salon. La clim Moi, je vis en Angleterre vraiment qu'en Angleterre il y a la clim <laughs> c'est vrai que ce serait c'est pas non, mais toute l'année <laughs> ça n'existe pas ici genre j'ai jamais vu une clim à aucun endroit <laughs> allez à continuation va être placée dans ce pot qu'on a relancé pré-flop en bataille de blindes sur As 4 5 pour valoriser et deny toujours un petit peu des kitty. on est très content de faire fold ici des mois comme Valet 10 8 et 9 et de prendre le pot immédiatement il a payé et on voit un 9 turn ça ne veut pas dire qu'on a forcément la moins bonne main. Hein. Il ne paye pas qu'avec des as. On valorise aussi des 5, des 4. Et pourquoi pas des hauteurs rois. Alors, on check et il décide de miser. 8,3 blindes, 2 tiers du pot. Ce sera pour lui. Bravo, monsieur. On va pas se jouer un énorme pot avec une guessing hand comme cette paire de 7. On n'est pas là pour faire des devinettes. <laughs> On est pas là pour est pas mal, celle-là. <laughs> Attention, parce que là, s'il y a un 3-bet de groove théorie, tu ne vas pas l'entendre de cette oreille. Ce sera juste payé. Roi, 9-3. Ta seconde paire, backdoor euh, flush et straight draw. Des de milieu, pardon, je n'ai pas suivi. Il y a eu mise au flop. Ouais, il a donc bête Ok. Ouais, il a donc bête deux fois. Ouais, il a deux barrels du coup, d'accord. Et il semble nous laisser la décision en position river. Est-ce qu'il y avait un intérêt pour lui à donc bête deux fois avec une main qu'on pourrait valoriser river C'était la question. Il était en plein bluff. Waouh wow. okay. <laughs> Euh... Je comprends rien là. Ah non, là il m'a perdu là. Il m'a perdu parce que j'ai l'impression qu'il a quand même principalement si cible dans cette affaire. Si, si quelqu'un ce soir pour la première fois découvre le poker et regarde ce stream et regarde ouais. les plays de mes adversaires, il doit dire c'est bizarre ce jeu. Bah, mais vrai, ça n'a pas l'air si compliqué finalement votre affaire là. Ah, je ne suis pas convaincu du tout de, de son play là. Gros théorie. Pas la bonne texture, pas le, le bon spot, pas le bon timing. Ah pas bah le bon, ouais. Ouais, rien, rien. Rien qui, y va. Y rien qui va. Ouais. Rien qui Et va. attention à qui qu se levait pas à la main suivante. Non, ça va, il a trouvé le fold. Un bon squeeze pour Boom Petit qui se remet au-dessus de, au des 30 blindes. Et toi, pendant ce temps, tranquillement, euh, t'approches des, des 5 millions. Hein. 4 millions, là, t'as 5 millions ou pas Allez. 80 x 60, 48, 3. Oui, 5 millions. Bravo. Merci. C'était mon seul tournoi et ça m'a bien diverti de ma petite chambre écrouse. Merci pour ce pack. -on, pour vite. on espère de se revoir sur les tables avec l'équipe de WinATV. Bah, franchement, mec, déjà GG, parce que tu peux être content de ton tournoi. Et en plus, c'est exactement ça que je disais des, des SummerShots c'est que c'est des tournois qui sont assez cool à monotabler parce qu'ils vont vite. Et pour ceux qui veulent juste un, un peu grind pendant l'été sans forcément se faire la grosse session, bah, ils tombent vraiment à pic euh, ces petits SummerShots avec des tournois comme ça à 2, 5, 10, 20, 50 euros. Euh, très fun à jouer et sur lesquels on peut aussi euh, se faire kiffer et espérer aller prendre des beaux billets. Donc euh, GG. Tu la bonne mentalité et bon courage pour les études et pour le boulot si tu taffes demain matin. Ciao, ciao. 50 lèvres du Sud, et si c'était ce soir. mais Je te le souhaite, Olive. Bonne chance, mec. Combien elle gagne 1320, Orbunti. Comment je fais pour savoir quand les tables vont casser Elle casse dans l'ordre. Du coup, euh, Elle cassera. Euh, fin, la table numéro 7 cassera avant la table 6. Et en gros, la bah, euh, table numéro 7 x 4, ça fait 28 joueurs. Donc là, elle, elle vient de casser. Et euh, dans 4 joueurs, ce sera autour de la table de, de Guillaume. Vous pouvez le voir dans le lobby, ça, sur les tables. Vous les voyez casser au fur et à mesure, dans l'ordre. C'est logique. Et la table 000 ne, ta ne casse jamais. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se faire changer de table pour équilibrer une autre table, en revanche. Attention. Non, on ne peut pas avoir les items affichés, Fritz. On n'a pas l'option. C'est assez compliqué pour nous de, de le faire proprement. Donc, on préfère. Euh... Bah, il, il va vous le montrer euh, quand il aura un temps mort, au pire. Ça, vous le verrez, mais. C'est pas très pratique pour nous de, de les afficher par-dessus. Voilà, voilà les items. 32 euros assurés et ça monte jusqu'à 1327. En septembre, ça fera un an que la bêta a été lancée. Oui, bah on est sur des durées classiques, hein, Pour des bêta comme ça, c'est logique qu'on prenne du temps parce que mine de rien, en fait, euh, on peut moins se permettre que sur des jeux vidéo, par exemple, de laisser passer des bugs. Parce qu'il euh, y a de l'argent réel en jeu. Donc on ne va pas euh, prendre ouais, le risque. Ouais, il faut que vraiment le truc soit parfaitement verrouillé. quoi. Ouais c'est ça. Il faut que quand ça sort, ce soit parfait. Quoi. Coucou, Gaspard. J'aimerais bien l'avis de Guillaume sur l'event 20 des WSOP. On va regarder ça tout de suite. Ah, euh... le flip out. Ah, j'adore ça. ah Je trouve ça ouais, génial. Je suis assez fan aussi. C'est donc premier tour, premier tour en flip, tout le monde ITM, et après, on joue classique, c'est ça C'est ça. Incroyable. Euh, tu... Ça, tu vois, je me suis demandé si... Et finalement c'était pas bien pour tout le monde Et pour les règles et pour les récréatifs Bien sûr ouais clairement Flip and go ouais c'est ça ouais, ouais trop bien Il est à 1000 Ouais 1000 dollars C'est ça Tu pousses tes 1000 dollars tu perds ton flip C'est ça en plus tu joues un, tu joues un flip Où as 9 chances sur 10 de buster quoi Non non, mais non, non, mais il est mal foutu mon programme là c'est pas le bon Ça marche pas bien Voilà sur le site officiel des WSOP.com euh, alors flip flip and go 1000 dollars oui c'est bien ça ok bah écoute très bien très bien the first hand donc la première main euh, de l'event est jouée en pineapple en plus euh, donc euh, on discarde une carte euh, avant le flop ah non après le flop et tout le monde est à tapis et un joueur avance par table, suivi par un, un tournoi standard avec une structure jouée, euh, no limit Hold'em classique. Euh, vous remportez la première main et vous êtes in the money. Ben, en même temps, heureusement, parce qu'il n'y en a qu un par table. Ben, au moins, tu as une décision à prendre. Tu auras payé 1000 euros pour choisir quelle carte tu discardes au flop. <laughs> ouais, mais, mais je, tu rigoles, mais je pense qu'il ouais, y a un peu de ça dans l'idée. <laughs> tu, peux pas, tu, tu, ouais, tu, tu peux pas payer de ne pas venir. Quoi. Es tu es obligé de venir. de la que... mauvaise... Aïe aïe aïe. <laughs> ouais, ça... ouais, putain. Mais non, mais ça a l'air assez fun. C'est des trucs originaux. Et comme tu dis, ça peut aussi régaler les amateurs. Comme les pros qui se feront un plaisir de lâcher le, les deux billets de 500. Donc très cool. Merci à Guillaume de nous faire profiter de sa voix de velours et de ses interprétations de France Galles. C'est vrai. Il nous <laughs> Allez 28 lèvres pendant que j'ai des conneries. Euh, toujours, on n'a pas éliminé de joueurs depuis tout à l'heure. Du coup, on vient d'augmenter les blindes et forcément le tapis moyen. On a pris un petit coup. 36 blindes d'average désormais. Du coup, Mister Zombie. Valet 7 de cœur. Même Petit Boop qui... qui a perdu un peu de sa superbe. On est à moins de 20 blindes maintenant. Viens vient mon agneau, deuxième du 50 euros, c'est beau ça. Oui, Alors... sinon un ventilo pour volatilo, absolument, Diane Bobo. C'est vrai, ça te pourrait te prendre un petit ventilateur, ça fait le taf aussi. C'est vrai. Mais bon, c'est pareil, c'est pas un investissement que tu vas beaucoup rentabiliser, quoi. Non, c'est clair. Alors, le coup qui se développe, euh, je veux bien que tu laisses ton chat ouvert parce que ça me permet de voir l'action les... quand j'ai raté. Ouais, voilà, nickel. Euh, donc, le... ça a été check-check au flop, c'est bien ça. Et il décide de delay Continuation Bet, donc de retarder son... sa mise de continuation. petit Boo euh, en étant le relanceur initial après le double check de HU Innocent. Il miss turn sur ce roi qui fait rentrer les carreaux et ça va passer en toute détente. 2,1 blindes et là, attention. Attention contre la profondeur de petit. On va avoir une décision avec paire de huitres. On ah, va 3 bêtes call. On va 3 bet et call. S'il part à tapis. J'aurais pu jam en vrai. En vrai, je crois que c'est la meilleure option. Je vais pas 3 bêtes fold contre Je crois que je, je dois jam plutôt. Mais des fois, au moins, je lui fais spew des paires de 3, à paires de 4 qui va peut-être raise fold. Mm -hmm. Mais bon, je lui donne l'opportunité de payer des brodeaux. Ouais. Il va partir à tapis, on va payer bien sûr. Il avait As-Dame suite à une main plus que légitime. Oui. Oui. Et le 95-15 turn qui rentre, encore un <coughs> bout encore des jetons surtout. On repasse top 4 du tournoi. 75 bébés pour Guillaume. 7 500 000. C'est très très beau là. Hein. Ça commence à ressembler à quelque chose cette affaire. Ouais, chercher les 10 millions. T'es tout près des chip leaders, là. Le Molina Villa qui est chip leader avec 8 millions 8, 000, suivi de Philopoc avec 8 millions 5, et Gumball Forever qui a 8 millions. On est quatrième. Déjà assuré de 39 euros. Et attention, la table, en plus, va casser à la prochaine élimination. Ah ouais, la mienne Ouais. On va avoir une nouvelle table et donc une chance sur 6 euh, sur de récupérer un filou, un Philopoc. Je préférais que tu l'évites. Un petit filou. Et le bounty qui grimpe à 82 euros, hein. T'as toujours beaucoup plus gagné en bounty qu'en en payout, mais c'est logique. Encore à ce moment-là, quatrième en jeton, quatrième en bounty, c'est propre. 50 000, 100 000 les blindes. Oups. Presque trop ça. Hein. Ce serait cool d'envoyer les, les Team Pro Winamax à Fort Boyard. Je vois bien Guillaume face au Père Ah <laughs> non, Davidi. On envoie Davidi face au Père Fouras. Il va ah le rendre fou. fou. Ah ouais, David, ah Il ouais, non, non, faut répondre oui. maintenant. <laughs> Ça fait une heure. <laughs> je vais bientôt <d> mourir. <laughs> je, suis, je vais crever. Davidi. <laughs> Coucou Crunch, des bisous. Bienvenue. Allez, contre Fabien. h innocent, qu'on a déjà vu. Et Pécho, le short stack officiel. Bon, il n'a pas un gros bounty, mais ça se joue. Ça se joue quand même. Hein. Il lui reste euh, 1,7 blind après avoir payé la big blind. Bon, 8 et 2 off, ça ne se jouera pas. Allez, fold. Fold, s'il te plaît. Fold. Fold, s'il te plaît. Non. Oh. Allez, Pécho, fold. Ou double. Un des deux. Allez. carreau, Oui. Ah je... là, là. Oui, c'était pas évident hein, au flop. Après, ouais, il a vraiment un petit bounty. Mais bon. dit pas non. Bon, on va pas cracher, c'est un petit bounty, mais c'est quand même une fois et demi le buy-in, et puis en plus, les bounties commencent à valoir un peu plus du fait qu'on s'approche de la fin, et qu'on peut donc le gagner mmh. une part du temps de plus en plus importante. Ouais. Qui est au format flip and go Est-ce que c'est encore du poker Bah oui, c'est le premier tour, n'est pas vraiment du poker. Le premier tour, c'est le rigolo, quoi. C'est pour la blague. Clairement, c'est assumé. Il a pas de, mais derrière, en revanche, ça jouera normal et le bracelet à la clé. Bah, ça reste un bracelet classique, juste sur un fil un peu plus petit, réduit de, du fait qu'il y a eu cette première main. Mais bon, c'est vrai qu'on peut se poser la, la question de la valeur du bracelet à côté des autres, mais bon, c'est un débat éternel, ça. Ouais, ça... Déjà, faut en gagner un et après on verra. Exactement. Euh, Pécho, s'il chauffe ici, est-ce qu'on a un autocall avec Valet 5 off si personne ne paye Erwan Pécho. Euh... <laughs> Depuis tout à l'heure, je ne pense qu'à ça. En voyant ça. <laughs> <C 'est... rire> euh, non, je ne crois pas. Hein. Je ne ouais, suis pas sûr. bonne question, mais je ne crois pas. Son chaos est une. Enfin... Disons que dans mon calcul, je ne compterai pas son KO. Genre. Et. Pff, je sais pas, c'est close. Oui, je sais qu'il n'y a pas de biais. Un... Oh, ah. oh là là, il est de retour Oh là là, sick, sick. Là, c'est mieux, c'est le top. Oh, c'est ah, les nuts pour nous, ce spot. Le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, aussi, tu ne veux pas le buster parce que tu es content qu'il y ait un joueur qui a 4 bébés à ta gauche. Ouais, c'est vrai, hein. Donc, clairement. Je n'ai pas vraiment d'intérêt à faire des calls v. Plus 0, 0, 2. Ouais, C'est vrai, ça peut jouer euh, effectivement. Euh, on notera que Fabien a un très beau bounty. Ouais. Mais bon, ça ne vaut pas grand chose, encore une fois, en jeton, mais on le note. Il avait l'air d'avoir fait le boulot. Et que ta table cassera à trois tables restantes, donc dans trois joueurs, dans trois éliminations. Ok. Qui... Pas possible d'imaginer des formats flip and go en ligne si ça s'est déjà fait, euh, je crois, chez la concurrence. Nous, on l'a jamais fait, mais ça, on a déjà vu des tournois comme ça en flip. Et, euh, et pareil, est-ce qu'il serait possible de repartir le Price Pool Bounty au hasard Oui, j'ai vu ce super tournoi là, c'était au Vénishan, je crois. Ça, mais je trouve ça tournoi... trop bien. Ah, ça génial. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire depuis un certain temps. C'est très compliqué, en revanche. Parce qu'en plus, une fois qu'on a trouvé la bonne formule, il faut la valider auprès de NJ. Mais en revanche, Guignol, et je me souviens de Guignol et Benjamin, réfléchir et en discuter, il y a déjà... Plusieurs années. Donc, euh, c'est quelque chose euh, auquel on avait déjà pensé, mais qui est compliqué à mettre en place, tout simplement. Ok. Ouais, t'imagines, genre, tu le bounty avec un petit point d'interrogation, je vois déjà l'animation. Genre, ouais, à ouais, la ouais. place des Exactement. chiffres, un petit point d'interrogation, et quand tu bustes le mec, ça te fait une, une espèce de roulette, et tu vois, des, tu vois passer tous les bounties possibles, genre, et ça tombe. C'est et Mais le seul problème de ça, c'est que ça bouffe, enfin, euh, ça peut vite bouffer, soit ça va bouffer une énorme partie du price pool, euh, si tu mets vraiment des gros bounties, soit euh, tu vas avoir des, des des bounties un peu moins léchants, voilà, et surtout ouais. des probabilités de tomber sur les gros bounties euh, ridicules à côté des plus petits. Ah, ok. Du coup, dans la, ouais, du coup, ça va plus. De variance, de ça, ouais. Bah ouais. Parce qu'il faut quand même garder du price pool. Je pense que ça, on a retenu la leçon euh, que dans les tournois KO le price pool reste important mine de rien, et que quand tu termines troisième d'un tournoi KO et que as pris zéro bounty et que tu prends deux baines et demi sur 1000 joueurs, tu fais la gueule quand même. Ouais, ouais, non, ça, ça c'est une certitude. Non, il faut, faut garder ouais. le, le même montant, 50% qui va dans Ibuntu, 50% qui va ouais. dans le pool mais. Ouais, mais je, comprends la, je comprends le truc de. Du coup, ça fait plus de balles, ah ouais. pas... Admettons, du coup, tu as 1000 joueurs dans un 100, ça fait 100 000, donc 50 000, je ne calcule pas la REC, 50 000 où tu dois, tu dois te retrouver à. À répartir ça, tu as 1000 joueurs, tu vois. Donc, tu peux pas mettre un gros bounty de 25 000, parce que ça voudrait dire qu'il te restera plus que 25 000 de bounty à répartir en 999 enveloppes, tu vois. Ouais, ouais, donc, ouais, ça va sûr. tout de suite devenir un peu. Euh, ça peut attirer plus de frustration qu'autre chose. Mais il faut trouver le, faut trouver la bonne formule. Allez, le petit 3-bet ici qui fait plaisir avec la paire de deux contre Fabien. On le met à la question. C'est pas commun, les 3 bêtes euh, avec des paires comme ça, mais là, le spot s'y prête bien, je trouve. Et ça passe, boum! C'est important ces petits pots remportés. On va encore open Rwanamov. Qu'est-ce que tu fais face à un chauffe de HU innocent ici? Je vais payer, pas content, je pense. Ouais. Ou 10. Ouh, 10. Non. Ouais. directement. Eh, hey, dis donc, Pécho, il s'accroche. Hein. Un peu tard, le 10, en revanche, s'il vous plaît, à la régie, là. Soyez réactif. Hein. <laughs> il s'accroche, le Pécho. Il s'accroche, il se bat, il se débat même. Non, non, pas de Vegas. Enfin, je ne jouerai pas à Vegas, quoi qu'il arrive. Si j'y vais, ce ne sera pas pour jouer, ce sera pour travailler. Même lors de mes jours de congé, je ne suis pas sûr de trouver la, la force d'aller taper le carton. Alors, en 10 qu'on a relancé face au Limp de Fabien. Il a rapidement payé. On va voir le flop Dame 5-2. On envisage un donc bête Non, ce sera un simple check plus cohérent. Et ça passe, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, Possible de gagner plusieurs tickets pour le day 1 du Super Roll Oui, bien sûr parce qu'il y a plusieurs day 1. Du coup, ça te permet tout simplement de retenter ta chance quand tu ne te qualifies pas, il a déjà commencé le Super Roll. il commence début du juillet, je crois, donc tu es à la bourre mais il reste encore pas mal de day 1 pour essayer de te qualifier pour le day 2. Quelles célébrités seront sur le Kill the Whip de, de mercredi Mais j'en sais rien, Jim bobo tu me posais des questions, toi. Ceux qui seront là. Tu verras. Non, je ne sais pas du tout. Le Day 2 est fin août, ouais, tout à fait, le professeur. 22 left, ça ne buste plus. Et on va augmenter les blindes. Attention. Attention, laissez passer. Oh les garçons. Même question sur un chauffe de pécho ici. On fait quoi On raise fold, on raise call Ah, on va payer, hein. Ouais, on n'est pas très content non plus, mais... Par contre, à de contrat, je suis innocent cette fois-ci. Ouais. ouais. Ils sont importants, là, vraiment. C'est des petits chunks, en fait, qui... qui permettent, vous voyez, de laisser Fabien à 30 blindes, quand toi, tu restes à 65, et de nous... Conserver cette superbe marge de manœuvre qu'on a depuis tout à l'heure. Ils subissent un petit peu nos adversaires parce que euh, réellement, ils ne peuvent pas non plus faire grand chose euh, à la place de Fabien et même de HU Innocent. C'est pour ça qu'on est content d'avoir Péchaud euh, qui reste à la table short aussi. Ouais, c'est ça. Là, on est vraiment content de la situation. Euh, je crois que je vais même l'imfold ça. Tu vois. Alors, ce sera checké. On va trouver la seconde paire et ça va passer très vite pour Péchaud. Qui a peut-être l'œil rivé sur le palier de, de prix là euh, En vrai, dans la même stratégie, je devrais, je devrais shove, mais je pense que dans la même stratégie, c'est bien de garder les deux. <coughs> ah, ça ne bosse plus là, hein. l'Average qui chuté à 33 blindes. On voit, hein, même si c'est un tournoi relativement semi-turbo, c'est des niveaux de 6 minutes, les, les paliers. Euh... Les paliers de blindes sont assez flats, c'est assez smooth, comme on dit. Désolé pour tous ces termes anglais, mais c'est des paliers très, très lissés qui font que les augmentations de blindes ne détruisent pas non plus les stacks des plus shorts et ça permet d'avoir encore un peu de jouabilité. Et, et du fait, bah, de, à cause de ça, du coup, il n'y a pas forcément des éliminations en cascade. <laughs> quand on arrive en late game, c'est quand même beaucoup mieux. On va open ce petit as sur la blinde de celui qui subit un petit peu la pression avec un stack moyen, Fabien. Et ça va passer. D'Alcébet, magnifique. Chip leader. Ma foi, on run, run plutôt fluide. Ils ne font pas de paires. Ouais, ils ne font pas beaucoup de paires fluides. C'est le, le run invisible. Comment on l'appelle Comment <coughs> on, on l'appelle dans le jargon Tapis demandé. Ah, je suis innocent. Est-ce qu'il va trouver un payeur chez Fabien Guillaume a déjà passé, quoi qu'il arrive. Il a trouvé un payeur. Père de 7 contre AS10. Peut-être une élimination. C'est fait. C'est fait. Ah, je suis innocent qui est éliminé en 22 e place. 21 left, on est toujours chip leader. <laughs> on sort exactement le même spot qu'à l'orbite précédente au final. 4,1 BB Avec Val 6. Là, tout à l'heure, c'était 6 blindes. Tu vois. Là, c'est 5. Ça commence à être un peu, un peu pas mmh. beaucoup. Quoi. Puis je pense qu'il va pas assez call. Donc, il euh, faut y aller. Son Bundy vaut quand même 7 euros. Et tu vois, quand les paliers sont de 12 euros, c'est quand même pas négligeable. On prend. Il va passer. Attention, ici on va être commit, bien sûr contre le tapis de pécho. Il ne doit pas être très content de à la table Fabien là. Hein. Non, ouais, je il a pas la meilleure place du field. Il va défendre quand même As de 5 avec deux cœurs. Un tiers du pot, c'est choisi et c'est misé. C'est payé cette fois par Fabien qui va voir le 4. Turn. On va checker du côté de Guillaume. La river est une doublette du 5. Fabien a le choix du roi et ce sera une mise pour 40% du pot. Bravo, monsieur. Est-ce bon. est que tu peux fold ici sur un chauffe de pécho Non. Ben, je ne suis pas sûr. Hein. Non, 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 non. Ce sera bon chance. Ce sera bien joué, monsieur. Je vous voulez souper son set automne Ouais, tout à fait. C'est en octobre-novembre. Zitaïl. Uh, Et coucou Godnat Incroyable, t'as fini par, par ne pas gagner ce Magnum, tu l'as gagné 4 jours de suite, c'est ça, non, mais ça Ou non, quatre fois de suite, quatre fois de suite où tu l'as joué, tu l'as gagné. Insane, injouable. C'est le monstre. C'est ça le bon. Il est monstrueux, ce, cet Hugo. Allez, on tapit demander, évidemment. Ouh, on a trouvé une main. Asdam, il trouve la dame, la patience peut-être est compensée. Un 6 Non. Incroyable. Il a trouvé, <laughs> il a attendu, il a trouvé Asdam suité. Il a tout donné. <laughs> La patience qui paye. Et du coup, tu repasses deuxième au classement. Le Chip Leader n'est autre que Philopoc. Pendant ce temps, personne ne buste. On va augmenter les blindes. Dans 15 secondes, ça va commencer à faire la grimace du côté de la moyenne. Oula, il est dans un coup post-flop, mais comment c'est possible Il a fait une bébé, une bébé, une bébé. <laughs> bon, Il a réussi à pas partir à tapis en mettant trois streets avec cette blindes. <laughs> Et il value Et oui Magnifique. 11 se blinde. pour Pécho. Allez, niveau suivant. 30 blindes average désormais. On est sur 160 000 en grosse blinde. Il est chaud Pécho. <laughs> Et comme d'habitude, on va refaire la même stratégie. On a toujours une main aussi pour le faire hein, finalement. Depuis tout à l'heure, quand il limp, Fabien. Ouais. Contre la plupart des joueurs, j'aurais pas forcément... pas forcément fait là, mais. Mais dans cette situation. Toujours quasiment deux average pour toi. Mmh. Ah, je vois que tu réfléchis. Est-ce qu'on va ah. payer son tapis? Voilà, je vais payer, je ne vais pas folder, je pense. Je vais vérifier combien, combien j'ai, mais je crois que. Je crois qu'on ne folde pas. Et attention, on a encore une main pour payer. De nouveau à 9 suite cette fois. Après, pour le coup, il a l'air d'avoir de, des papiers hein, quand il y va, parce que... Ouais, ouais, clairement. Euh, bah, de toute façon, depuis tout à l'heure, il joue le palier et, et il ne va pas avec rien. Quoi. Non, non, non. Le palier à 12 euros, effectivement. Il a les yeux dessus. Et il est toujours short stack, hein, avec 1,2 millions. Ça ne suffit pas pour l'instant. Eh, hey, il y a Faceless man qui est là. Bah, allez, bonne chance Estimé à ouais. quelle heure oh, Il va se terminer dans une petite heure, je pense, le tournoi, à une heure, une heure et demie, quelque chose comme ça. Tranquillou. Unicilo, bonjour, monsieur. Bienvenue. Tu seras bienvenu. Cinq tables left. Cinq tables left. Oula. Première main voilà. contre lui. On a quelque chose. Voilà. Il a pris le palier Let's go Bravo Pécho Allez Quel Pécho GG Pécho Rendez-vous en finale GG Pécho Philopote qui s'envole à 12 millions là, il a pris euh, l'avantage. Le premier à franchir le, le cap symbolique des 10 millions, tu l'as frôlé, hein, j'ai rien dit, mais t'avais 9 millions 950 000 à un moment. J'aurais dû raise. T'as raise. T'as <laughs> raise, c'était <laughs> ça large. ton erreur. <laughs> Hola, Javi Pons. ¿Cómo estás? Mi amigo. ¿Cómo estás? Hola, a todos los españoles. Uh, I hope uh, the stream was good on Winamax the, on, the, on the Spanish channel. Love you guys. And uh, hasta suelte para uh, los uh, summer shots. Alors une silo qu'on va qu'on va découvrir. Pour l'instant, on ne connaît pas grand chose de lui. Chaud, 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 chout, chou, Alors Pécho il se dit maintenant, il y a un palier à 15 <laughs> Pour 16 balles. Je les prends moi, hein j'ai réussi à tenir. Il aurait tort de s'en priver. On va avoir un bon race fold contre Unicilo et un bon race call contre Pecho. C'est le plan. C'est le plan ma pauvre Lucette. Ah, il tombe à 720 000. Là. Attention quand même Pécho. Il hein. faut aussi se laisser une chance de gagner le tournoi à quelque part quelque part. Surtout mais que j'ai l'impression que tous les deux ils tankent et que ça va. Ouais, bah, ça, ouais, ça fera quand même un peu tes affaires, mais pas non plus tant que ça. Non, quoi. non, non, moi j'ai envie de jouer des mains. Mmh. J'ai envie de monter des jetons. Clairement. Mais après ta table casse dans, dans un joueur, hein. une élimination et une nouvelle table. Il ah, y va. va. Ah bah il a choisi le meilleur moment, tiens. Il y va. Il y va. -y. Tout le enfin, monde il y, y va. te montrer un bel as-roi. Aïe, quatre. aïe, 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 la paire de 4 qui tombe mal pour Pécho. Il faut un 4 uniquement un 4. Keno. Okay, bye bye, Pécho. 19ème Pécho. Et donc, on va euh, redraw la table à la fin de cette main. Non, 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 non. Parce non, non. qu'on est 18. C'est à 16, j'aurais dit. Ah, mais non, que dis-je Ah, mais non, c'est à 12. C'est à non, 12, à mais 16. À 16, mais oui. à 16. Non, à 12, à 12. À 12 parce qu'il y a la table 0. Ouais, mais y a, y a, c'est à 16 et à 12. Ah oui, oui, non, je veux dire, toi, est ta table, elle de casse. De Mais oui, dans ma tête, c'était du 6 max. Mais bien sûr, on va la garder, cette table. Bah, c'est pas plus mal, écoute, euh, on n'est pas si mal dessus. Deux average désormais pour toi. Et on n'est que troisième. Waouh, qui c'est qui est passé devant C'est Red Bull Forever. T'as dépassé les 10 millions. 11 millions de jetons. Bravo. C'est pas tous les jours. Non, c'est vrai. C'est pas tous les deux jours. Et un petit bounty de plus. Hein. 90 balles au-dessus de ta tête. Le chip leader des bounties, c'est Marsu avec 150 euros, dis donc. Allez, on trouve euh, un beau flop ici. Open-ended, je veux bien que tu réouvres le chat pour que je ah, ne rien de l'action. Oh, T'inquiète, vous ne le voyez pas à l'écran, mais moi ça m'aide beaucoup. C'était un pot que tu as relancé en bataille de blindes et il part à tapis. On va payer, bien sûr, on joue les 10, par oui. exemple. Par exemple. Par exemple. C'est tout beau. Par exemple. C'est tout beau. On récupère un petit bounty supplémentaire pour dépasser les 100 euros euh, déjà remportés dans le tournoi et puis tranquillement, on reprend. La place qui te revient de droit. Chip Leader, 13 millions, 655 000 jetons. C'est un redraw, 15 left. Ouh là là, ça va de plus en plus vite là. On en perd beaucoup d'un coup. Le palier à 76 euros est franchi. Et on récupère un faceless man qui ne doit pas être ravi d'arriver en face de Volatar. <coughs> <coughs> on a, ils ont tous les deux des gros boutons, c'est pas mal. Ah, il a 3X du bouton là, j'ai pas rêvé Ouais. Ok. Si on gagne plusieurs tickets pour le surprise des séries, les tickets restants seront convertis en tickets 10 euros le lendemain. Euh, Peut-être pas le lendemain, parce qu'il y aura plusieurs surprises pendant les séries. Donc, tu pourras l'utiliser sur un autre surprise, tout simplement. On se blinde au milieu. La moitié du tapis de Fabien, <coughs> qui a décidé de continuation bet et de check turn sur la doublette de l'As. Très intéressant, ce spot. Ah la fameuse mise une blinde pour s'acheter le showdown. Ah il avait les quatre. Il avait les quatre. On accepte hein, parfois de ce value cut, bien sûr. Ah ils ont des beaux tapis, des beaux bounty, effectivement. Ouais, ça va être intéressant. Hein. Prochain palier, ce sera 11 restants et ensuite ce sera à chaque élimination. Wow, Philopoc qui prend encore une grosse élimination et qui s'envole à 15 millions. Il est injouable, 14 left désormais. Et nous, pendant ce temps, on a trouvé un spot pour euh, limper, miser, flop et euh, check and fold turn. 7 et 8 suité, tout à carreau, c'est tout bleu. Oh, ça trouve un flop, ça trouve un flop. Gutshot plus top pair plus backdoor, flush draw. On n'est pas si mal. On est pas mal, on est pas mal. L'average qui a remonté un petit peu. Il y a eu pas mal d'éliminations là, dans ces dernières minutes. 36 blindes d'average. C'est du 4 max, donc de toute façon, ça va quand même très vite. Oh, je l'ai senti venir, ce petit 3 bêtes un peu light avec Roi de off. On utilise un bloqueur, on met la pression à notre adversaire. Pas besoin de faire si cher en vrai par contre. s'exagère <laughs> si Guillaume, tu pourrais nous laisser les 5 euros, te dit Facelessman. Ouais. J'ai la tour, en tout cas Faceless, c'est beau d'être là. Maintenant, il faut aller au bout. On va limper un 7 et 4 pour commencer et faire seconde paire. Typiquement une main qu'on est très content de valoriser ici et de récupérer un peu de protection dessus, de deny, de l'équité. Ouais, value sur, euh, sur des 6, des, des straight draw. C'est des hauteurs, pourquoi pas. Ouh, le 3 bêtes poignée rapide de Faceless Man. On va lui faire confiance pour cette première. La poignée. Et il open, il ne se laisse pas faire, Faceless. Ça fait plaisir. Il faut. Il faut. Te calme quand même sur le sifflet parce que notre ah bon. <laughs> nos, nos oreilles vont, vont se mettre à pleurer là. Excusez-moi. Écoutez-moi. Ah mais il est en TF du, de l'event 12 le mon Agneau. Le 50 euros là. Ah, il y a 10 cas à oh. gagner. Ouais, 4 il, sur 6. Il était gros celui-là. Ouais. Plus gros garantie de la soirée. 4 sur 6, 50 000 de garantie, effectivement. On a dépassé les 40 euh, promis. C'est beau. Et attention Fabien, euh, ça se passe vraiment pas terriblement pour lui. J'ai l'impression qu'il avait fait un super parcours avant et qu'il est tombé sur un os qui s'appelle Volatile38. Il est tombé sur euh, du cartilage plutôt. Ouais. Ah, il n'a pas gagné beaucoup de jetons depuis en tout cas. Oh, Philopoc qui trouve les valets contre les 8 pré pour un pot de 13 millions et il s'envole à 20 millions de jetons. Il est monstrueux. Ah. Il fait le taf. Et on se retrouve à 13 left. On est la prochaine table à casser. Okay. Effectivement. Absolument. De bah, toute façon, là, maintenant, il y a Redraw. Quoi qu'il arrive, à 3 tables left pour tout le monde. Ouh, top pair. En bataille de blindes dans un pot euh, qui a été min -raise. Ah bon Ah bon Hmm. C'est un deux barrel qui se profile ici. 800 000 avancés par Fabien sur cette dame. On va pas folle, bien sûr. Pas enfin, pour l'instant, en tout cas. 15,4 blindes au milieu, 16,3 dans le stack de Fabien. Les piques qui rentrent River. On a l'as de pique. On a un 7 qui bloque cette 8 aussi. Qu'est-ce que tu choisis de faire ici à la river Ouais, check qui paraît logique. En gros, soit il a vraiment rien, il abandonne son bluff, soit des fois il a un as meilleur qu'à peur. Du coup, on n'a pas d'intérêt à transformer en bluff. Ouais. Hein. juste on se donne notre main. Et attention, il part à tapis à la main suivante et on a cette dame une main pour le payer tout du moins. On est contre As-7. On est contre As-7. On fait la dame tout de suite. C'est 99 et moi-même 100 Ça fait full. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Beau, 71 blindes beau. pour Guillaume qui s'envole. Au compteur, on avait dépassé la barre des 10 millions, on a dépassé la barre des 17 millions désormais. Deuxième, il y a un monde entre Philopoc, toi et le reste de cette planète. 12 left, Ridro à trois tables restantes de cet event euh, à 5 euros. Event 9 des Summer Shots, plus que trois tables. Et là, cette fois, il y a peut-être un monde, et là, ce serait pas cool où tu te tapes un Philopoc alors que tu as un ouais. de jetons. Alors, aucun de nous deux voulait ça, mais ça va, c'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas, ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé. On a Red Bull Forever à notre droite qui est troisième en jeton par contre. Ouais, 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 ça peut ça peut donner des dynamiques. On est content de l'avoir à droite et ton ton bounty qui a encore augmenté au passage. Mmh. Et il de stream, il nous dit "Good luck à toi Red Bull, des bisous." Alors, directement un spot contre lui. Tiens, paire de deux avec cette profondeur. On va payer, on va pas okay. trouver de deux au flop. Je sais pas si je peux payer au flop. Probablement que si. Je sais pas trop. Un peu loose quand même. Allez, on est, on est à la bulle d'un petit d'un petit palier à 20 euros. Pardon. Ok, on va folder tranquillement. bravo monsieur. Il ne restera que deux tables, on les mettra toutes les deux à l'écran. On pourra suivre le parcours des autres demi-finalistes. Salut, dis-moi, j'ai gagné plusieurs tickets pour les séries à 250, 50, 30 euros. Si on ne les utilise pas, comment ça se passe Peut-on les échanger Merci d'avance pour la réponse. Bah non, Clément, si tu les as gagnés, tu t'es engagé en fait... Euh... À les utiliser sur les tournois pour lesquels tu les as gagnés quand tu as joué les satellites. C'est même euh, précisément écrit dans les conditions euh, générales d'utilisation euh, et des satellites et de Winamax. Et du coup, si tu ne les utilises pas sur les tournois pour lesquels tu t'es qualifié, bah, ils seront perdus. Donc, euh, bah jouez-les. Voilà. Et ils ne seront en aucun cas euh, échangés ou découpés euh, par euh, euh, en échange de d'autres tickets, je veux dire. Il ne faut pas se croire que c'est aussi facile que ça. Non, non, non. est toujours 12 joueurs à une place du dernier palier avant les gains à trois chiffres. Et après ça grimpera, je vous le rappelle, jusqu'à 1327 euros pour le futur vainqueur, en plus des bounties qu'il aura remportées et son propre Bounty. C'est un Shiba Inu, ton chien Guillaume, j'ai bien l'impression. C'est bien ça. C'est un petit Shiba. Pas non plus de gros shorts hein, à ta table. Non. Non, pas de gros shorts. Ouais, 20 blindes. Mais tu n'as même pas de gros shorts. Tout court. Ah, si, mm. quand même. Mais à 10 blindes sur le. Il ouais, y a un, 10 bébés. Il y a ouais, 10, 12, 13, 14 blindes par là. On peut suivre le tournoi de chance quelque part. Bah oui, tu ouvres sur le lobby, euh, Tristan. <laughs> je ne je sais pas si. Non, je crois pas qu'il stream euh, le bon chance. Peut-être que Juanito le. Le commente également, mais là on va, ne on va pas l'ouvrir de notre côté pour l'instant en tout cas. Moi 0 Ponce P, je vais faire le comeback. Bah oui, j'espère bien. gl mon faceless. Allez, Gamble Forever. Oui. Il le fait. Allez, Allez à 3 contre à 5. De... Non. Ah Aïe, dommage. Oh ouais. ah, il était beau, ce spot. Hein. Ouais. Dommage, dommage. Il était beau, ce spot. 5 et 8 suité de cœur. On va trouver 9 rois d'âme avec un seul cœur. C'est un poil léger. C'est un poil léger, léger, ouais. Ah, il vient de bust, vient mon agneau. Il termine 6 euh, e pour 1843 euros. Il y avait également Seco, le, le streamer espagnol, qui a fait 11 e Et Philopoc, qui a fait 22 e euh, également dans l'argent. Et Moundir a fait ITM, hein, 40 e pour 140 euros. Il est ouais. en place, le Moon. Et bah, du coup, c'est terminé pour, euh, pour le Stream Gang sur ce tournoi. Dommage. F à 5, du coup CTF à 5, du coup, euh, attends, 3 et 3, 6, oui, sinon ça, ferait, euh, sinon ça créerait exactement la situation qu'on veut éviter, il y aurait une table à 2 et une table à 3, du coup la table à 2, ce serait horrible pour celui qui est short. Quoi. Ouais. Donc j'imagine que oui, j'imagine que c'est prévu ça. On est passé sur 150-300 000 pendant ce temps. L'average qui, qui est tombé là, en dessous de 30 blindes. Dès qu'il y a une petite période sans élimination, ça va, les pros sont pas trop arrangés sur Wina. Ah bah si, si, bien sûr, Korshia. Bah, c'est pour ça que. En fait, c'est eux qui nous payent. Hein. Ce n'est pas nous qui payons les pros, c'est eux qui nous payent pour qu'on les, qu les avantage, évidemment. C'est très cher en plus. Mais bon, ça va, on rentabilise sur les 5 euros. Sur les 5 euros, ouais, oui, c'est ça, il ouais, choisit ça, bien. Ça, ouais, ça vaut il le a dit prendre, as dit prendre le 2 euros aussi, le, le top of the pack, n'oublie pas. Hein. C'est vrai. C est c est vrai. Rentabiliser ça rentabiliser tout, tout ça. Allez, on dit des bêtises, mais on va partir quand même en break, peut-être pour la dernière break de cette soirée, 5 minutes 50, avant de revenir peut-être pour aborder la finale d'un summer shot Event 9 à 5 euros. Il y avait 5000 joueurs au départ, il ne sont plus que 12, Guillaume est encore dedans, et vous, vous restez avec nous, à tout de suite après la pause. On est de retour pour la suite de Stop of the poke toujours avec Guillaume, toujours sur ce magnifique Event 9 à seulement 5 euros. 5000 joueurs, ils ne sont plus que 12. Guillaume est très bien avec le deuxième tapis en circulation. Il n'y a que Philopok pour faire mieux que lui pour l'instant. 1320 euros à gagner dans ce tournoi, plus les bounties. et ben bah écoute, euh, c'est une soirée déjà plutôt bien réussie. On est parti à tapis avec off contre la big blind et ses 21 blindes. Il va fold With. 6, 9, 3, désolé, hein, je, me, je mangeais quelques céréales et fruits secs. Très important. Parce que mine de rien, hein, ça fait 5 heures d'émission. Et ouais, ne hein, Faut pas, pas se passer. Non, ces bruits, hein. non ça fait 4 ça fait heures. 4 heures. Le temps passe plus vite quand même, quand on est ensemble. Non, Allez, ouais. un petit 10 trouvé turn là, c'est pas mal ça. Ça nous fait top pair euh, contre Red Bull Forever, le troisième en jeton. Pas spécialement envie de, de jouer tout de suite des énormes pots contre lui, à moins bien sûr d'avoir une main pour ça. Et ce 10, en tout cas, nous donne des arguments pour euh, miser en valorisation. On est payé par Red Bull. Euh... On... on split contre 7 et 10. On est battu par Valet 10 au kicker. Ouais, on est battu par Dab 10. On bat les 8. Waouh ouais. okay. wow. décide de miser 2 tiers du pot. Oh waouh Oh waouh, ok, il joue, il joue, que... il joue ghetto. Ghetto en même temps, si, si j'avais réfléchi un peu, ouais, ça représentait bien un œuf, mais en même temps, ça faisait pas trop de sens et il avait pas trop de flush dans sa range. Mais GG, beau, beau bluff. Beau bluff, beau bluff. Quand Guillaume a A3 UTG, que fait-il si Red Bull Forever 3 bêtes voire chauve en big blind avec 45 blindes Oh bah, je pense pas qu'on soit venu pour Fold dans 4 max avec A3. Hein. Non. Clairement pas. Clairement pas. Allez, première manche remportée par Red Bull, mais on a encore le deuxième stack, 50 belles blindes. Tout va bien. Tranquille. On est toujours sur le niveau 150 000, 300 000 pendant encore 2 minutes et 45 secondes. La vraie est en dessous des euh, 30 blindes parce qu'on n'a pas eu d'éliminés. Depuis un certain temps, avant euh, d'arriver au prochain palier. La coupe, il y a un coup qui se développe entre Gumble Forever et euh, Reed693. Donc, essayer quel tournoi pour les joueurs amateurs en buy-in bah, Si tu débutes, les moins chers possibles, Fred poker. Ne te fais pas suer, hein, va jouer même des tournois free-roll, des choses comme ça. Essaye de découvrir si ça te plaît vraiment. Et puis, si après, tu as envie d'investir un petit billet. Ça dépend de ton, ta situation financière, mais tu peux très bien prendre du plaisir sur des 1€, euro, des 2€. Euro, et parfois, quand tu les gagnes, bah, je peux te dire que ça peut payer très bien. Si tu gagnes de quoi te payer un joli resto après, je pense que tu seras content. Et puis, si tu sens. Que tu as suffisamment progressé et que tu es suffisamment gagné, bah, gagnant, tu pourras grimper les limites au fur et à mesure. Après, bon, bah, si tu es millionnaire, joue des tournois à 100 euros, hein, ça ne te fera pas grand-chose au mental. Mais le mieux, c'est d'investir raisonnablement, comme si tu investissais pour un hobby, euh, si tu veux découvrir le poker online. Donc euh, au début, ce n'est pas la peine de miser des sommes trop folles. Et en règle générale, de toute façon, il ne faut jamais jouer de l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre, euh, comme dans tout jeu d'argent. Le poker ne fait pas exception à cette règle. Ce qui sera important au début, c'est que tu prennes du plaisir et que tu progresses, pas que tu vises à gagner des grosses sommes. Car ça n'arrivera que trop, trop peu souvent. à <TF1> 5LF, <TF1> oui, c'était marqué. Hein. Merci, Way. Merci. Ouais, J'ai vu que vous m'aviez répondu. Toujours 12, hein? Toujours pas d'éliminer. Toujours 12, ça tourne. C'est-à-dire chip leader là. Ouais, le bloc a perdu un peu de dire. jetons. Ouais. À un moment, ils avaient tous moins de 20 blindes à sa table. Ça a changé un Et peu. Il les a tous fait doubler, ouais. Et notamment, pas vu Papri qu'il a fait doubler deux fois, je crois. Ça a... Attention, 8 blindes au milieu, il en reste 17 dans le stack de weed contre le, le courageux Red Bull Forever qui a déjà brillé en montrant un beau bluff à l'écran. Et maintenant, il joue un coup contre le short stack de la table, un hein, des short stacks plutôt du tournoi. Et lui demande son tapis. Ça sent la paire chez, le, chez le Witt. Ça sans la paire de 10, la paire de dames, il peut même avoir un roi en as et, et réfléchir. Hein. Oh, c'est ouais, le oui. cas, ouais, c'est le cas. Et il était bien face à un brelant flopé de Red Bull, waouh! Qui se met très très bien là. Hein. Il, il passe flip leader du tournoi à la force du poignet. Le bon Red Bull. 11 left, ça y est, on a passé enfin ce palier. Average tout de même à 26 bébés, ça a mis trop de temps à se décanter. 97 euros assurés pour tout le monde, en plus des bounties déjà remportées. Et c'est le premier à franchir euh, les 20 millions, le bon Red Bull. On a trouvé seconde paire après ta défense. Pas de backdoor flush draw pour toi. On va la miser, hein, toujours pour les mêmes raisons. On valorise des mains euh, des paires inférieures, des 5 moins bien kickées. A et puis on prend un peu de tech. Wow, ce qui m'embête, voilà. c'est qu'il y a un peu trop de value 4 dans ces spots. C'est ça qui m'embête ouais. un peu. Peut-être que je peux te checker, mais j'ai l'impression que j'ai quand même intérêt à miser sur DSI. Ah, il s'envole, il s'envole. Il a un très très beau stack là, de 3 average quasiment. Un petit peu moins. Tu restes en troisième et très, très ah. bien dans le tournoi. Waouh, ça part à tapis. Valet 10 contre à 6. Un 9, un 10 en Valet Non, ce sera un double up pour Gumball forever. Forever. On se regarde un peu dans le blanc des yeux, là. 11 left. Ouais. Alors, cette fois, c'est un limp en bataille de blinde on a trouvé euh, Gutshot en plus de notre hauteur d'âme. On trouve quatrième paire sur le turn. Qu'est-ce qu'on value On value hauteur hein roi, oui, de temps en temps. Mais bon, ça me paraît un peu. Euh... Ouais, il peut avoir des paires au-dessus. Mm. Euh, des paires au-dessus, pardon. Des 7 des 10 qui value pas forcément. Ouais, sur ce 7, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de value à prendre, même une blinde. Et il repart à tapis euh, Gumble Forever. Cette fois, il n'est pas payé. Il est de retour à 20 blindes, écoute, il se maintient comme il faut. On est des 8 sur 11. Mmh, mmh, mmh. Ouais, la structure qui est en train d'être rattrapée là un petit peu. Enfin, bon oui, complètement. Exactement. Complètement, là ça fait euh, ça fait une bonne vingtaine de minutes qu'il n'y a plus beaucoup d'éliminations, du coup... L'average euh, se casse la figure face à l'augmentation des blindes. On a défendu une 6 et 9 de pique. On a trouvé bottom pair plus euh, backdoor flush draw à pique. Le backdoor euh, straight draw anecdotique, car le 7 et le 8 euh, fréquentent au Valet de toute façon. autre backdoor flush draw qui se précise avec cette as de pique. Alors, les dames étaient déjà les notes au flop. Je ne pense pas qu'on puisse faire folder un as, mais par contre avec ce sizing, je pense qu'on peut... Euh, il a souvent un roi. Je pense qu'on peut arriver à faire folder un roi. Prise de risque maximum. Notre for s'il a un roi, c'est effectivement une décision très très compliquée pour lui. S'il avait fait genre 5, je pense que je n'aurais pas chauve, ça aurait été, un... il été trop as il oui. n'aurait pas fold. Ça passe. Aïe, aïe, aïe. Peut il s'est peut-être dit qu'Hydro est dead hein, contre Valet-Dame, mais ça, c'est jamais bon. <laughs> ouais. Avec un Roi. ça se trouve, il a fold As-Roi. Ah, tu as fait le bluff de l'année. Je pas besoin de prendre cette spot. Allez, on se remet bien. Le nouveau ship leader s'appelle Marsu, regarde ça, on a eu deux éliminés coup sur coup. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé Ça s'excite un peu. Il a fait le ménage à sa table, le Marsu. On ah ouais. est 9, 160 euros garantis. Il a laissé 20 blindes à ses deux adversaires. Qu'est-ce qui s'est passé Bah il y a eu un rééquipage. Non, il en a buzz deux d'un coup, j'ai l'impression. Attends, je peux te dire ce qui s'est passé. Non. Pourquoi ça veut pas afficher le replay Ah, tu peux plus sur les tables de tes spectateurs Ah ouais Non, il ah faut non. que tu remontes dans le chat. Dans le chat, tu pourras si tu avais la table ouverte. Pourquoi vous avez enlevé C'était la meilleure fonctionnalité de l'histoire Parce que euh, justement, c'est pour la protection des joueurs et puis euh, pour, bah éviter, ouais. euh, pour éviter justement, les sites ouais. qui récupèrent les HH, etc. Ah ouais Ah ouais Ok. H4. Enfin, je pense. Ouais, ouais si si ça fait grave de sens. En vrai c'était ouais. entre guillemets. Enfin ouais. T'es un peu trop fort en fait quoi. Ouais ça c'était trop fort. Quand tu, si tu le faisais pas c'était vraiment abusé. Ah il tombait vrai. à moins de 12 blindes Gumble. Les jetons qui tournent, qui tournent, qui tournent. Les jetons qui tournent, qui tournent. Alors, on a trouvé pas mal d'options sur ce 5 de cœur tirage, quinte, tirage, flush. Après la mise, une blinde de Red Bull Forever au flop. Et il va snap, fold, ça fait plaisir. Car BB, on a augmenté les blindes, 200 000, 400 000, 9 joueurs restant toujours. Et un Gumble Forever qui est aux abois. Il va pas payer, il ne va pas payer cette fois. Vous êtes tous très proches là. Hein. Red Bull est ouais. toujours devant. Ça s'est bien, bien retassé. Ouais. Même s'il y a eu deux éliminés, la vraie, j'ai toujours en dessous de 30 blindes. Et on le trappe et ça paye. Attention, il a une main quand même, As10. Il joue bien sûr les As. Oui. C'est bon. 8 joueurs. Demi-finale. On peut ouvrir les deux tables. On va se faire ça en mode euh, double table, euh, Pierrot. Comme ça, on aura toutes les mains. Euh, ouais, enlève le chat. Mets-toi bien à, à la table à gauche, à la rigueur. Comme ça, on reste euh, sur ta table à gauche. Ouais, voilà, c'est ça. Et on va pouvoir tout observer. Ah, bah, en même temps, je te dis de faire ça, mais... Euh... Ouais, les tables vont casser, mais... Oui, bon, on le refera, effectivement. Tu le referas, mais on va, on va observer la main pendant ce temps entre Philopoc et Faceless. Voilà, bah, c'est bon. C'est nickel. Est-ce que tu gardes la table Ouais, parfait. Magnifique. Alors, on récupère Groove Theory avec 13,5 blindes. Faceless, de nouveau, à notre table. Et Red Bull Forever qui n'a pas bougé, ok, intéressant. Ah, ouais, on les a tous joués déjà. Ouais. Alors que les quatre autres, on les a pas joués, c'est marrant. C'est vrai, tu as vu, en as joué aucun des quatre. Et le short stack ouais. officiel, c'est pas vu, pas pris. Vous le voyez à droite, huit joueurs restants de cet event neuf des Summer Shots. Euh, on va faire un petit point. Tu peux peut-être afficher aussi le, le payout à l'occasion. Une dernière fois pour rappeler à tout le monde, on est assuré de 213 euros, ça va grimper jusqu'à 1327 euros. On n'y est pas encore, bien sûr. Il y a des joueurs à éliminer avant ça. Et les bounty qui seront pris en plus, tu viens d'en prendre un d'ailleurs en éliminant euh, ton adversaire. Et euh, ça te fait grimper à 176 euros déjà remporté en bounty. Écoute, euh, on a remboursé la session déjà, quoi qu'il arrive. Ouh la deuxième paire, j'ai pas vu. On a bien remboursé la session. On sera dans le vert. Ouh là là, le full contre Red Bull, qui est peut-être en trappe. Qu'est-ce qui se passe ici Il y a beaucoup de possibilités. Il y a des cartes de flush ouais. même possible. Il y a beaucoup das 6 euh, ou de... de X-middle à pic. Enfin, de X-low à pic. Je vais peut -être petit, pareil, pour le laisser bluffer. Oh, oh y a... okay. Il avait brelon Le truc, c'est que vu qu'il a checké au flop, il n'a pas de 10. Il a, je me dis, même rarement un 8. Il va souvent miser un 8 au flop. Et du coup, genre, euh, bah, sa range, c'est quand même majoritairement bah, un 6. Mais il en a tellement peu. Vu que, genre, des deux, je. Enfin, voilà. et, euh, et sinon, il a souvent des, des pics hauts. Du coup, je me disais, si je fais petit, il peut se chauffer à tourner en bluff un roi de pique ou un as de pique. Et ça fait quand même un gros pot à l'arrivée. Hein. Tu t'envoles là. 25 millions pour toi. Ouais, c'est un beau pot. Là. Et Philopoc, pendant ce temps, qui est en train d'achever. Pas vu, pas qui était short stack, éliminé. Plus que 7 joueurs, 283 euros remportés. On commence à avoir des petits paliers sympathiques. Surtout, bien sûr, en considérant le buy-in de 5 euros. 7 left sur 5117, les amis. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Voilà, Philopac qui, qui est en train de partir à tapis contre tout le monde, qui fait le taf. Oh, ah, ça, ça, ça fonctionne ça, 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 Encore un bon, éliminé Allez, 6 left. Bull ils, ils ont un chaos de mutants, les deux. Ah, faut pas qu'ils m'envoient sur notre table. C'est toi, sur... hein, je crois. C'est toi. Hein. Non, non ah va. non, c'est le bouton. C'est le bouton, oui. oui. J'ai chanté. 27 millions pour Philopoc et tout le monde est assuré de 378 euros. On est sur des paliers, là. De... Le prochain, il prendra 510, donc il y a quand même 130 euros de différence. 26 buy-in, ça fait beaucoup. 26 ouais. buy là. Ça commence à être huge pour les mains. Ouais. Coucou en roue libre. Bonsoir Antoine, bonsoir Guillaume. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous aurez des conseils pour moi, joueur micro, qui joue les max les 5 euros J'ai gagné un ticket à 250 euros et qui se retrouve dans un tournoi où les adversaires ne sont pas les mêmes et n'est pas non plus le niveau que des adversaires habituels. Je vais certainement être perdu sur un 250. Merci pour vos conseils qui seront les bien bah, Écoute, Si c'est un chaos déjà, je te conseillerais de. De, de prendre ton temps, de jouer appliqué, parce que dans les chaos, tu auras la possibilité peut-être de te retrouver dans des spots un peu en free roll, où tu auras une très bonne main et un joueur très short qui fera tapis, et dans le cas, tu pourras peut-être aller gratter une belle somme juste en l'éliminant. Et pour le reste, essaye de jouer ton jeu un maximum, relève toi la pression, tu t'es qualifié, c'est pas cher pour toi, c'est comme si tu jouais ton tournoi habituel, prends un maximum d'expérience, applique-toi, ne fais rien que tu pourrais regretter après, essaye de ne pas t'en vouloir, et juste prends un maximum de plaisir et d'expérience. C'est la seule façon de sortir gagnant de ce tournoi, même sans être ITM. Ouh là là, ouh là là, la TF peut-être devant nous. Voilà. La TF peut-être devant nous. Et un groupe qui se développe aussi sur ta table. Au final, vous êtes trois. Ciblant au milieu, Faceless qui va qui va essayer d'attendre. Hein. De toute façon, c'est du main par main. Euh, il faudrait que ah si Groove, si Groove bust. Effectivement, c'est bon. Ouais. Et non, malheureusement pour Faceless, ce sera une bulle TF. Bravo mec, c'est quand même un beau résultat. Et euh, 380 euros remportés en plus des bounties. GG, GG, GG. Ça fait chaud au cœur de voir des viewers aller aussi loin. 450 balles pour notre faceless qu'on fait. Vous pouvez tous le féliciter dans le chat de Winamax.tv dans tous les chats. Et maintenant, c'est la finale des Summer Shots. On repasse en mono tabling euh, pour cette finale de l'event numéro 9. Ils étaient 5117. Ils ne sont plus que 5 assurés de 510 euros. On va jouer jusqu'aux 1327 euros de la victoire. GG! GL, t'as tout dit. Et vous êtes deep, hein, tous les trois là. On est bien deep, ouais. 40 deep d'average, la, de... la fin de demi, ça accéléré. Effectivement, c'est bien remonté l'average là. Il est papa d'un petit garçon, d'un petit Noah, Bimigno. Et oui! Un petit noir qui fait un peu dos là Il a pas pleuré depuis, depuis le début du stream, c'est beau. C'est beau, effectivement. Euh, Philopoc, qui a l'air d'être en vitesse. Il a le pied coincé sur la vitesse max, là, j'ai l'impression, depuis quelques temps. <laughs> il a bien raison. Oula là. Là, là, La paire de cas. Ouh là là. Ouh là 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 là. Contre Marsu, attention, un hein, des seuls qui nous couvre. Toujours agréable en début de TF d'avoir des premiums pour pouvoir trois bêtes et montrer qu'on a du répondant. Oh wow. Oh. Oh, wow. <laughs> oh 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 Oh, <laughs> oh. oh. C'est ah, beau Qu'est-ce ah, que c'est que ça Mais qu'est-ce que c'est -ce que ce coup de mutant À 5 left sur 5000 joueurs Magnifique. Les rois contre As 10. Ouais. Mais faut qu'il se calme Marsu là. Marsu, ouais, j'ai l'impression qu'il les a pas éliminés pour rien. Euh, les autres sont des hôpitaux. Ouh son tournoi. Oh, oh, le coup de ouf le coup de mutant. Et eh oui, même à 1h20 du matin, on, a, on va aller chercher ces petits watern là. Oh, oh j'avais, je peux te dire que j'étais déjà en train de fermer mes valises là. Ouais, c'était dur le flop. Oh, c'était tellement le scénario qu'on connaît que trop dans cette émission. Tu arrives en TF, tu bosses sur une horreur. Merci, c'était cool quand même, bravo. Pas cette fois. Qu'est-ce qu'il nous a fait le Marsu Pourquoi il s'est chauffé comme ça Waouh wow. Alors, c'est deux paires, qu'est-ce qu'on en fait contre Philopoc On peut essayer de me style value un 9 ou un 10 c'est qu'il y a 8 et 7 qui rentrent je pense pas que je vais pouvoir check raise je pense check call juste voilà. ah. Ah, parfait on pouvait pas prendre plus à 8 et 5 off 108 blindes je crois que t'es chip leader du tournoi et euh, je crois que t'es le premier à franchir les 50 millions de jetons c'est pas tous les jours 50 millions c'est pas mal là. il va 3 bet beaucoup ah, il colle juste euh, je pense qu'en TF c'est mieux de ses bêtes. Et il y a un beau bounty hein, chez Marsu. Euh, bon, on le prend quoi, on le prend. Ça vaut encore quasiment un palier hein, ce bounty parce qu'en plus on a la probabilité maintenant qui commence à être intéressante de remporter le tournoi. Il y a quand ouais. même euh, 125 euros à prendre tout de suite plus une partie ouais. de 25 euros Ça donne envie d'aller chercher. Alors Marsu, qui va prendre peut-être le spot avec toute la dead money au milieu, c'est ce qu'il fait, 4,3 blindes envoyées. J'avais envie de 3 bêtes pour l'empêcher de faire ça, et, et aussi pour mettre l'impression sur le... Red Bull Forever, j'avais mm -hmm. envie de 3 bêtes toute ma range. Oh, et si Philopoc était en trappe, il, il a complètement des traps dans son range, je pense. Ouais, de... bah, tous ses traps et il va jamais 3 bêtes enfin, en tout cas. Oh il fait le 4 Ça, c'est pas mal. Ça, Allez pas... On, maintient, on maintient le short ah, c'est pas mal du tout. En plus Philopoc, du coup il perd un, encore un peu en bloc et il commence à descendre proche de c'est pas mal. Alors une augmentation de blinde dans une minute. Effectivement, augmentation de blindes dans une minute. On est sur 250-500 000. L'average est à 20 millions. Ça non plus, c'est pas tous les jours qu'on se retrouve à, à cet average-là. Et on en a un peu plus du côté de, de Volatile qui, tranquillement, na navigue avec trois Average à 5 left. Suite à cette donation complètement dingue. J'attends le moment où le coup va arriver en direct, là, parce que. Je <laughs> vais avoir des émotions sur mon visage, là. J'ai euh, fait la grimace. Voilà. Euh, pareil, pareil. Ah, je déteste ces spots euh, où on deep run pendant des heures pour au final buzz sur un 30-70, un 70-30 classique en TF. Là, ça va. On en a trop vécu ouais, avec ouais. Kiro à la Real. Il les connaît. Non, hein. oh, mais surtout, ouais, surtout ces spots-là où le mec doit jamais le chaud. Ouais. C'est plus ça. Tu vois, genre, si, si il a un 3 avec deux dames, c'est pas la même chose. Tu vois, mais là, per, perdre. Tu vois, en plus, mon spot était trop beau. Genre, ouais. je, je sais que j'ai grave d'aide sur la table et du coup c'est horrible. Clairement. Clairement. Pour une autre fois, le logo, bah, je vais quand même Faceless, c'est beau, c'est beau. Energumen TF de l'event 13, t'es dedans C'est quoi l'event 13 Ah, c'est pas le déglingo ça Smashout Event 13. Energumen, il est là Allez, GL, GL mon poulet. Waouh, 5500 euros à prendre, bah good luck. Ah, oui, quand même. Ah, eh, c'était le 20 euros, ok. Waouh, bah GL. Ok, ça buste, c'est pas très bon ça, il prend le gros KO, mais bon. Groove théorique avait pas pris de KO euh, quasi jusqu'ici. Ouais. Ouais, ouais. ouais, Et là, ça vient de faire un petit bond, il a pris le KO et le palier. Hein. Désormais assuré 695 euros tous les quatre. On est tout proche, tout proche du bonheur, tout proche du d'un du, du, nouveau titre, un titre que tu n'as pas, tu jamais gagné de, de SummerShot. Non, je crois pas. Bah, je, je crois que j'en ai quasi jamais joué vu que c'est tout le temps pour en Vegas. Ah, bah oui, exact, effectivement. Et il n'y en a pas fait. eu tant que ça en plus des Summershots, puisqu'il y avait eu les mini WSOP plus tôt. Ouais. Et du coup, il n'y a pas eu tant de spots que ça. En gros, il y en a eu peut-être une ou deux éditions avant les mini WSOP et une l'année dernière, puisqu'il n'y avait pas de WSOP et tu ne les as pas jouées. Ouais, ça... Peut-être l'année dernière. Encore, non. Il y d'autres choses à, à faire. on lui met la pression max l'ICM euh, est contre lui votre paillasson pour vous servir exactement il a pas le choix Philo <laughs> <Il est con. rire> le, ca... le roi turn c'était une calamisa j'avoue qu'il y, y, y a un petit air ouais. il y a un petit air incroyable incroyable ce coup affreux las ouais il était un peu un peu à ce moment-là du tournoi bah clairement surtout qu'il avait éteint un bon avantage sur les autres en jetons quoi. Il était deuxième large quoi. Enfin il était premier même bah, en fait. Ouais. Il était premier. Ouais il était premier ouais. ouais. Bah, surtout c'est un spot où là, typiquement, j'aurais vraiment zéro range de 3 mètres bluff et ma range de value, c'était peut-être un froid de valet quoi. Bah, en fait, ouais, deux valets, ça m'aurait fait grave chier de partir à tapis. Même deux dames. Ah, mais du coup, tu n'aurais pas trop bête en fait, de Devalet, je pense, ah, avec l'ICM. Ouais, peut-être. Peut-être que c'est le meilleur play de payer, mais c'est dur c'est dur de payer juste Devalet. Ouh, Philopoc. Une fois que tu lui laisses l'opportunité, le paillasson se réveille. Et attention, les paillassons, ça pique parfois. Ouais. Il faut pas y aller pieds nus. vous m'êtes mettre bien chaussé. Groove Théorie, est-ce qu'il avait mis des belles bottes Oui, il a trois roi contre 5-5. Il a mis du temps à payer, mais il s'est décidé. Et malheureusement, c'est le filou. Enfin, heureusement pour Filou, d'ailleurs. Je suis bien content pour mon streamer. Mais euh, malheureusement pour Groupe Theory qui termine quatrième. Il aura pris un beau bounty avant de partir tout de même. Euh, il remporte euh, 800, 850 euros quand même. C'est beau. Allez, 3 left, 955 euros assurés pour tous les trois. C'est parti pour la remontada, nous dit Red Bull. Bah, quoi qu'il arrive, tu as fait un, une, belle, euh, une, belle, euh, une belle fin de partie. Hein, Red Bull, tu nous as montré un beau bluff. Tu t'es bien, bien chauffé. Hein. T'as pas à rougir et puis c'est pas fini, hein, clairement. Ça peut aller très vite. 56 blindes d'Average désormais. Euh, TF, c'est accéléré. Ouais, ouais, vas-y, tu peux mettre en jeton, j'avoue, pour le kiff un petit peu. On nous demande ça. Voilà, regardez. Ah bah c'est beau. 63 millions, il lui en reste 4. On peut, on peut gagner ce coup au showdown. Allez, 9 et 10. Dommage. Ah, dommage. Ouais, un petit roi 5 avec le roi de cœur, qui peut me raconter le coup de Joker Ce oh, c'était pas, pas du poker très compliqué. Hein. Open du chip leader euh, en face de nous, euh, Marsu. Trois bêtes de Guillaume avec deux rois. 4 bêtes all-in pour 50 blindes de Marsu payé. As 10, ça vient As 10 X turn roi. River X. Et euh, droit qui l'emporte pour passer à 100 blindes et quelques euh, chez Guillaume. Ouais, tu peux en mettre en blinde, hein, si tu trouves ça plus confortable, ouais, t'inquiète. Hein. On va se concentrer un maximum quand même, parce qu'on euh, est à trois left. Alors, du coup, l'ICM euh, qui fait toujours... Euh... Un peu mal à philopo il y a quand même un beau palier de, ouais. de quasiment 350 euros là, 370 beaucoup, même. Beaucoup moins quand même. Beaucoup, beaucoup moins. moins. Ouais, ouais. Je vais beaucoup moins abuser dans ce, dans ce spot. Il, philopo qui a Pouf, il a taille. encore pris un beau bounty hein. Ouais. Ouais. Bien taffé sur Ubuntu. bounty. Coucou Atone, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. C'est le, le moment d'ailleurs, je vais, je vais éditer le titre. Euh, comment je fais? Oh. Hop là, voilà. Oh wow. Ah, J'ai rien suivi au coup du coup, qu'est-ce qui s'est passé j'ai open, il a défendu deux dames. D'accord. C'est bête sur roi 3. Ok, t'as deux barrels, il a call encore. Oh oui, 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 ok. Ah, il a donc bête river, t'as call. Ok, d'accord. Okay, okay. T'as pas de barrels en fait. Non. Ah, intéressant. Surtout qu'on avait vu un bluff dans une line un peu similaire chez lui tout à l'heure quand il avait roi dame non. Ouais, Et je pense qu'il allait flotter. Quelques trucs quand même. Vous êtes plus de 1000 à nous suivre sur Twitch, vous êtes quasiment 600 également sur YouTube. Il y a beaucoup de monde évidemment pour encourager euh, Guillaume. Il faut aller au bout maintenant. Ça peut euh, très très vite tourner dans un sens comme dans l'autre. C'est le problème là. On n'est pas du tout euh, confortable encore même si on a une belle avance. Il faut rester concentré à fond. Ce sera 9-9, la main finale pour Guillaume pour gagner le tournoi. Ok. On prend. <laughs> on prend Auré. On prend. bien. Coucou Destructor. Des bisous. C'est très nombreux là, c'est cool. Je vois que les gens ne dorment pas encore. Après tout, c'est l'été. Demain, il n'y a pas de travail pour certains. Il n'y a pas de cours surtout pour les étudiants. Alors, une blinde chez Philopoc euh, dans un pot euh, qui était limpé. Waouh! Il avait check behind, paire de 5 Ok. Ouais, c'est un peu. C'est assez logique. C'est un peu embêtant à sa place, c'est ce pas Envie d'iso. se faire 3 Est-ce qu'il y a eu déjà une win d'un event spécial de Winner en direct euh, Pas dans d'un event spécial, non, pas d'un festival, t'as raison, Stroman. Même le main event, il avait fait 3ème, Non, non, il y a eu des TF de Summer Shot, des TF de, de Series. Mais euh, d'ailleurs de ce marchot de ça, je ne me souviens même pas si on a eu, je suis pas sûr. De Pocus, peut-être aussi, je sais pas. Mais non, pas de win, t'as raison. Allez, 4 et 6, on a trouvé seconde paire dans un peu limpé. On a une gutshot également. Il va payer Philo cette fois. On vise principalement un 5 chez Philo. Ouais. Bon, on split contre pas mal de 6. Allez, ça passe. Euh, on split contre. Bah non, on split que contre 6 et 7. Quoi. 6 et 7, 6 et 4, 6 et 3, 6 et 2. Ouais, ouais. 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 Mais on du chance. coup, si on lui fait folle dans split, c'est pas si mal, hein, ceci dit. Ouais, je pense pas qu'on fasse un split, mais j'avoue que dans l'idée, ce serait pas si mal. Euh, je pense que ici, défense ou jam, mais je pense que jam est quand même mieux. Allez, on met tout Et il snap fold, évidemment, le paillasson. <laughs> qu'on embrasse, je suis très content de vous voir tous les deux à ce stade du tournoi, mais on boutte pas le plaisir pour Red Bull Forever aussi, hein, qui a l'air très cool, qui nous suit, qui nous regarde. Donc, euh, c'est un super podium, quoi qu'il arrive, qui nous attend. Et on félicite encore une fois également Facelessman pour sa sixième place à la bulle de la TF. Un de nos viewers depuis la première heure, qu on embrasse très fort. Bravo à toi et qu'on aura un grand plaisir à féliciter en live pour les prochains events WinA en 2022, peut-être. Alors à suite off en big blind face à un open. Ouh, on va coller flopper hard. Allez, je vous ai préparé un petit quiz à, à brûle pour points. Attendez, non, j'ai fait une bêtise, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, non, il faut que je refasse. Je... Fuck. Allez, pour l'exclamation, quiz dans la réponse dans le chat de Winwax.tv. Dépêchez-vous de venir, c'est le dernier quiz de la soirée. Dépêchez-vous de venir. Et devoir me dire à quelle place a terminé Capadoc sur cet event, sur l'event 9. Il était longtemps dans les chip leaders du tournoi. Au final, il a rendu les armes un peu plus tôt. Que prévu À quelle place a terminé Capadoc sur cet event 9. Point d'exclamation quiz. plus la réponse dans le chat de Winox.tv. On va vous faire gagner des tickets à 10 euros. Hein. J'ai mis, euh, mis 5, mais on va mettre 10. Merci, euh, Pierre. Ça me fait chier. J'ai galère sur Slack. Voilà. Euh, comme ça, tout bon. Et on continue du coup on est de retour bien là bien dans le haut du tableau avec 82 blindes même si on n'a plus les 100 blindes de tout à l'heure la structure continue d'augmenter hein. d'ailleurs les blindes vont augmenter dans une quinzaine de secondes pour atteindre 400 800 c'est pas souvent qu'on arrive au niveau 400 800 ça fait très plaisir d'être là quiz dans le chat de winamax.tv uniquement s'il vous plaît hein. sur ceux qui sont sur YouTube et Twitch c'est pour que vous puissiez en profiter venez vous connecter avec vos identifiants Winamax dans le chat de YouTube pour participer septième du Summer Shot 50 euros ce soir Nono GG ah bah t'as fini juste avant euh, via mon agneau alors juste avant euh, Z chance bravo à toi mec c'est un beau deep run ça est-ce que Energumen est encore en course oui oh, il est là troisième putain mais let's go Energumen 1000 euros garantis déjà il fait mieux que Guillaume encouragez Energumen aussi hein, dans le chat de Winatv ça c'est des viewers bien réguliers ça fait plaisir de le voir aller loin hein. on craque pas je viens de voir le futur. <laughs> Guillaume Diaz va faire top 3. <laughs> Bien vu Tu <Chris> T'as <laughs> pas pris trop de risques sur celui-là. Ses petits pots, évidemment, ça se regarde un peu dans le blanc des yeux entre Philopoc et Red Bull Forever. Et du coup, Guillaume peut en profiter, c'est normal. Et ça limpe d'ailleurs, changement de stratégie peut-être. Hauteur 9 sur ses deux paires, roi 4. Full. <laughs> et il va faire une bêtise. Il va les mettre, il va les mettre les 5 blindes. Ma foi, il a des paires que j'ai pas, quoi. Il va mettre 9 blindes, mais par contre, euh, il est pas prêt. Il n'a pas compris en fait. <laughs> il n'a il pas, pas compris je crois. Il n'a pas compris qu'il peut pas se foutre de pagaille. Moi j'ai un roi, pas toi. Toi t'as pas droit. droit. as des pères, si tu veux, mais t'as pas droit. Maintenant, vas-y, paye pour split. S'il bah, si te Chauve, en revanche il a un roi visiblement. <laughs> oui, si il, te chauve, il a un roi, mais il a pas le droit. Oh, il le fait! Quel ah diable! Bien. Il doit tellement se détester! Ah ouais, il ne fallait pas essayer de la bluffer celle-là. Ah, les... Oh non, quelle horreur! T'es méchant, c'est méchant! Ah, ils, sont méchant. Trop beau, ils sont trop bien ces spots, ils sont, trop marrants. Ils sont oh. trop marrants. Et du coup, les deux qui reviennent au même tapis maintenant, on va de chacun. C'est horrible ce que tu viens de faire à notre philo là. Je vais appeler la Ligue de protection des philo moi. moi. Hein. <laughs> C'est quand même hallucinant ce spiu 52 v en TF d'un fil de 5000 joueurs. Ali Guillaume, ça va une. Ouais, clairement, Adrien, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment, je m'y attendais pas du tout là. Ça m'a fait ouvrir de grands yeux. On ne l'avait pas vu en même temps depuis le début de la soirée. Bah, on n'a pas été déçus la première fois qu'on l'a eu à la table. Hein. Il y a 1320 plus les bounties à gagner, les gars. Donc, tu auras un bon 2000. Bon, ouais, non, 2000, 2000. En fait, plus il y a de joueurs, moins la part des bounties est importante à la fin par rapport au payout classique. Tu auras un petit peu moins que 2000. Mmh. On le fait monter à 30 blindes, ça n'arrange personne. Pierre qu'elle a mis l'année dernière pour mettre sur la Togane avait win. Oui mais il avait pas win un festival. Il y a... Non mais il y a déjà eu Pierre qui a gagné, le... il a surtout gagné L'Extase, il a gagné l'Extreme, il a gagné plein de tournois en Top of the Poc. Euh, je sais que Adrien Delmas avait gagné l'Extreme aussi. Toi, tu avais gagné le Magnum dans une session incroyable puisque tu étais arrivé, tu avais gagné le Magnum en début de Top of the Poc et à la fin de la session, tu étais down. Ouais, je <laughs> je me pense que fabuleux ça, à cause des... du High Roller et du Battle Royale qu'on avait re Thor. Ouais, je me rappelle de ça. Ah non, on parlait pour un festival, pour un tournoi spécial, euh, gagner un titre en direct. Non, je crois pas qu'on l'ait déjà fait. Moi, je n'ai pas, pas fait de gros scores, même, à part le 1K. Sinon. Allez, on continue de mettre la pression. On a quasiment deux fois la somme des jetons de nos adversaires. C'est monstrueux. 64 millions de jetons pour, pour Guillaume. Les deux sont en train de le regarder. Ils ont un gros avantage. Oui, mais là, bon. Je ne suis pas sûr qu'ils soient si important leur avantage avec euh, leur profondeur. Si on jouait sans deep sur des niveaux de 15 minutes, ils pourraient effectivement euh, chercher l'exploit, etc. Mais là, les, les profondeurs se jouent aussi euh, un peu toutes seules. Enfin, pas tout à fait, évidemment. Mais c'est toujours intéressant de connaître les mains avec 5 minutes de délai. mais... Ouais, oh, Energumen qui passe 6 leaders à 4 left. Allez, 2000 euros garanti. Putain, mais il est énorme. Énorme, Energumen. On va folder, évidemment. Il ah, open super tight. Il open super tight, mais en même temps. Oh, je crois que je chauffer quand même. Pas grave. Oh, bien vu. Allez. Il avait As d'arme. effectivement, il trouve un As tout de suite. Allez, un 3 wow, wow, 100%, wow. encore! <laughs> Oh la Ça va. mais qui c'est qui les appelle ces cartes et on a notre heads up L heads up qui était prévu depuis 30 50 même 100 places contre Philopoc incroyable bravo bravo au troisième médaille de bronze pour Red Bull Forever qui rempoche que 91 euros en bounty mais 955 euros en payout et là c'est 1325 assurés pour les deux et on va jouer pour le bounty final GL tu vas en avoir besoin on va voir on va voir et oui la strat payation qui a bien payé au final on se retrouve en HU contre toi Assuré de 1325 euros. Et maintenant, c'est le titre et les bounty qu'on joue. Bonne chance à tous les deux. Quoi qu'il arrive, je serai content du vainqueur. Un petit peu obligé de, de, de me dire qu'il faut que ce soit toi qui gagne quand même pour aller chercher le titre en live. Ça ferait plaisir. Mais on embrasse mon filou aussi, bien sûr. boum, bou qu'elle est belle. J'arrive pas à, la, à rejoindre la chaîne Winati parce que je suis en vacances en Espagne avec mon compte FR. Oui, c'est pour ça. Tu peux rien faire. <laughs> <laughs> il avant l'heure Oh attends pendant que tu fais des blagues on trouve aussi des brelons river attention c'est pas un gros pot 2,3 blindes ouais, tu peux rien faire Auré malheureusement c'est comme ça quand tu es en Espagne tu pourras pas te connecter sur le .fr tu vas être que sur le .es mais tu peux rester sur Youtube ou sur Twitch hein. tant pis pour le quiz ça sera pour la prochaine fois il y en aura d'autres ça ode oh, en détente coucou Philopoc il est là dans le chat de Twitch et eh oui évidemment le plus beau Allez, c'est parti pour ce HU qui s'annonce passionnant, même s'il y a un petit avantage en jeton d'un côté de la table, ça penche un poil à droite. Ce n'est pas pour autant que c'est déjà gagné. 4,2 blindes au milieu, on a toujours la seconde paire, maintenant qui fait deux paires, Valet 6, Kicker 9. Le trèfle est rentré, mais on a encore un peu de valorisation à prendre, et surtout si on veut prendre une deuxième street, ce sera plus facile et plus simple de la prendre maintenant qu'à la river. En plus, on va ôter un peu d'équité à certaines mains, chez Philopoc, on valorise encore des tirages et des 5. donc c'est avec plaisir qu'on mise. Oh, il envisage. Oh, full pour le filou. Il, filou. Il filou. Il filou. il est filou. Il est filou. Et pendant ce temps, un argument qui est ultra chip leader. Let's go! Alors, nos deux paires. Roi-dame, cœur-valet, du coup, au board. On partage avec toutes les dames inférieures à Dame-valet. Bah, même Dame-valet, d'ailleurs. Ouais. Juste battu par As-dame. S'il a checké un roi au flop ou un flush draw. Ou une carte, évidemment. Père de 6 avec un 6 de carreau. Genre. Il va nous payer un valet. On n'est pas contre. Il va nous payer valet 10 Non, c'est pas possible, ça. Non, Valley 10, il aurait ouais, pas, pas joué comme ça. Valé ouais, 9. Si Valé 10, il peut jouer comme ça. Tu ok. Non, il va passer. Il est solide. Il est solide. Allez, ah, première proposition, elle sera refusée. Pas comme ça, Zimdin. Pas après tout ce qu'on a fait. On ne va pas jouer ça avec un valet 8 off, on a le temps. Et ce sera Valé 6 off à la main suivante. On est au niveau 500 000, 1 million, on l'a atteint ce niveau. Il y a 50 starting stacks dans chaque big blind. C'est comme ça qu'on vient à bout de 5000 joueurs, les amis. On trouve open-ended sur cette dame turn. Troisième du Summer Shot, 50 euros pour 5000. Bravo, mec, c'est beau ça. GG, Outskiller. Et du côté d'Energumen, c'est le HU. Bravo, ça peut de deal en plus. Assuré de 3800 euros notre énergumène. Alors, seconde paire, 6 pendant ce temps, dans un pot euh, limpé, check, check, flop, et mise et turn par notre philo. On va payer, bien sûr, du côté euh, de Guillaume. La date des prochaines séries, ce sera à partir du dimanche 5 juillet que tu pourras jouer ton ticket euh, Mickey Poc, pour euh, sur les tournois à 1000 euros. Il y en aura un à chaque dimanche, je crois. Donc dimanche 5 juillet, dim euh, pff, dimanche 5 septembre, pardon, et dimanche 12 septembre, pas juillet. Et Il va, il va give up ce coup au final. Hein. Il avait tenté un petit stab en bluff turn euh, et on va abandonner sur cette river. Hein. Tout simplement, la finale attendue, exactement, on y est. Est-ce que ça reste ta plus grande émotion dans le poker Ta win du 1000 euros dans l'avion, on te demande. Alors, attention, parce que là, on peut peut-être partir à tapis aussi. Hein. Le filet. Le filet, le est, filet. <laughs> le filet est sorti. Ah, les mailles sont grosses, mais Philopox, c'est grand. Il hein. faut des grosses mailles pour l'attraper. Hein. Je sort la canne. il me faut une immense épuisette ouais. non, il l'a senti l'a arriver allez on trouve second père, good kicker très bonne main tout de même en HU 7,8 blindes restantes chez Filou qu'est-ce qu'il va décider de faire ici il pourrait décider de check show, il pourrait même s'amuser à check raise certainement hein. ouais C'est ce qu'il fait. Ce qu fait. Vrai, le problème de bête cette main-là, c'est que je vais quand même souvent partir contre un 10, mais bon. bon. Mais bon, on va faire un 9 à la turn, du coup, ça. ça, ça <laughs> Est-ce que c'est encore un brelan trouvé turn que tu nous proposes <laughs> Le, le 14 e de la session. <laughs> Attention, Philopoc, 4,3 blindes restant dans un pot de 9,2. Est-ce qu'il va check Non, il fait tapis, bien sûr. Valet 5, il est en tirage et pas, pas de roi Le fou. roi, il fait full, monsieur Pas de quinte pour bravo. Philo Victoire Des summer shots pour Guillaume 2000 bravo. euros remportés en direct C'est tout beau On finit la session largement dans le vert avec un titre de plus à ton palmarès si Tu ne l'avais pas, celui-là Premier. va le petit shot, oh. le petit logo oh. Sur 5117 joueurs, Guillaume C'est colossal Bravo, bravo à Philo qui s'en sort quand même avec 1325 euros et 312 euros pour sa deuxième place. Elle est très très belle. Il avait fait le taf en bounty, du coup, euh, il n'est pas euh, si loin de toi en argent. Mais euh, quelle est belle pour toi, victoire d'un summer shot en direct pour la deuxième soirée du festival, deuxième soirée en direct sur Top of the Pog, Guillaume qui va chercher le titre et qui porte encore plus haut les couleurs du team pro. Il te manque plus qu'un bracelet WSOP et le palmarès sera complet. <laughs> bravo, bravo Guillaume, ça fait plaisir ça. Dis donc, une petite win en direct comme ça là. Et ouais, ça fait bien plaisir, ça fait bien bien plaisir devant 5000 joueurs, c'était assez insane. 5 ah ouais, euh, euros, hein. ils sont beaux les 5 les euros. Les, oui, les Brelanteurs n'auront été pas mal, ils nous aurons bien aidés. <laughs> fou. Oh, les Brelanteurs, on a un coup complètement dingue, paire de roi contre As-10 en tout début de TF avec un As-10 flop et roi turn pour fracasser les espoirs de l'adversaire. À partir de là, c'était tout droit, c'est d'ailleurs allé assez vite, une fois que tu as remporté Spo, et euh, bah, la logique a été respectée. Quoi. Bah, écoute, euh, ça fait très très plaisir de vivre ça euh, en ta compagnie et puis euh, j'ai envie de dire que voilà quand on est heureux dans sa vie euh, de, de jeune papa forcément les cartes parfois suivent et c'est vraiment chouette euh, de, de te voir remporter ça dès le début du festival c'est bon t'as fait le taf, tu peux dire à Steph que euh, t'as plus besoin de jouer les shot dans la gagnant c'est bon, on a le logo c'est bon Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas, Guillaume. On te retrouvera très bientôt sur les antennes, euh, sur l'antenne de Winamax TV avant de bien sûr te souhaiter bonne chance pour Vegas. On aura l'occasion d'ici là de, de se revoir. Euh, on va te laisser profiter de Noah et de ta petite famille et puis te reposer, bien sûr. Tu as besoin de sommeil, on le sait. Tu peux dormir euh, le, le cœur léger et euh, le, la banqueroute un peu plus remplie de, de cette victoire à 2000 euros. On va remercier bien sûr euh, Pierrot à la modération, à la réalisation et tous ceux qui étaient avec nous ce soir. Vous étiez très nombreux en plein mois de juillet. Euh, pour partager avec nous ses émotions et pour aussi certains euh, vivre leurs propres émotions. Il y a eu beaucoup de beaux résultats sur les tournois des, des Summer Shots et ça fait chaud au cœur aussi de les partager avec vous. Bravo à tous, bonne chance à ceux qui grindent encore dès demain. Rendez-vous à partir de 21h pour euh, les Summer Shots, cette fois version Stream Gang. Ce sera Juanito aux manettes pour, euh, on l'espère, imiter notre champion du soir, Guillaume Diaz, man of the day, winner of the Summer Shot number 9 against 5000 players. 2000 euros. Bravo, mec, ça fait super plaisir. Félicitations, Guillaume. Profite de merci, cette victoire. Puis, merci enfin, à tous dans, dans le chat. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était cool. Il y avait beaucoup de monde. Comme dit Bourspé, c'est beau pour, pour un mois de juillet. Donc, merci à tous. Et, uh, et moi, je vous dis uh, à la fin du mois, je crois. C'est bon. Jobs done. Tu peux être posé. Gros bisous, Guillaume. Merci pour ouais. tout. Et gros bisous, bisous, tout le monde. À très vite. Rendez-vous dès demain sur Winox TV pour le Stream Gang avec Juanito. Ciao, tout le monde.